Allez, j'ai lancé mon gars. T'as même pas le temps de remettre ton bonnet. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonne année tout le monde. Bonne année 2023. On va commencer avec un petit ranking, le ranking numéro 4. Un petit, mais je pense qu'il va être qualitatif. Ouais, là, on a 19 comme on aime. Ils veulent tous faire top 1. Ouais, ça va être très très tendu. Ouais, 19, hein, t'as dit. Ouais, 19, ouais, 19, ouais, c'est bien ça. 19 valeureux guerriers qui vont doser fort. On va commencer le premier match avec un gros match, hein, déjà. Un combat de refrais, hein. Ah. Un combat de frères, hein. L'homme que l'on appelle Snelouze en intimité. Ah, c'est vous qui m'avez appelé comme ça. Contre Alejino. D'ailleurs, vous noterez que j'ai pas préparé. Un combat qui va aller vite. On va avoir le droit du chèque Joker. Alors là, on va voir des choses, ça va aller vite, ça va pas taper fort, mais on va avoir beaucoup de combos. Ça va être une sale. Êtes-vous prêts, messieurs? Bah oui, ils sont prêts, hein. Ils sont prêts en découdre. Ils sont prêts en découdre, et ben ils vont découdre dans très peu de temps. Allez-y les gars, c'est parti. Vous pouvez y aller. On va pas les laisser attendre plus longtemps. Alors, on va mettre le jeu en entier. Arme. Ça, Yuya, il aurait pu commenter. Premier match 2023, mon Guitou. Ah, ouais. Yuya, il aurait pu commenter. Ah, bah après, il n'y a pas de régisseur aussi. Donc là, pour l'instant, ça se cherche. Doucement. Allez, Gino, tu vas trouver le grab avec un petit upper. On va voir les combos qui sont assez similaires. Sauf que, bon, bah. Sauf que Joker, il a une force. Très augmenté quand il est avec son Arsène. Donc là, Gino qui va attaquer à base de Dasha. Hop, on grabe son adversaire, on essaie de fishtail. Le petit backer qui est tenté, qui opère pour tempo sur la plateforme. Snack qui essaie de reprendre son adversaire. Le forwarder qui est trouvé du côté de Allège. On se prend le side B du côté d'Allège. Ça va lui un peu gratter les pourcents. Là qui vient voir le Arsène. Arsène donne air up smash et la stock elle est déjà partie. La DI était pas ouf. La DI aux fraises. On nous dit dans l'oreillette que la DI n'était pas ouf. Ouais. En attendant, là c'est Snellac qui est en avantage avec son Arsène. Hein. Il va pouvoir gratter les pourcents. Et bon Dieu que ça fait mal à hein, Arsène. Hein. Il devrait nous faire l'analyse technique. C'est vrai. Ouais, je dis. Dans l'oreillette. Juste ouais. L'oreillette. On va préparer ça. Le backer qui est trouvé, on grabe du côté de Snellac, on perd son Arsène. Hop, on le perd. On essaie de le grab avec le grappin. Allez, Gino qui trouve le backer. Il va falloir trouver le kill, monsieur Allège. Le fishtail qui est tenté. Hop, on tente le donner du côté d'Allège, mais on trouve pas autre chose pour finir son combo. La petite dash attaque. Et là qui couvre ses arrières avec ce bi en descente. Oh dommage. On a essayé de combattre avec les nades. Un petit bonjour à Elphara qui s'est encore fait Daronhead. Oh purée. Il s'est fait Daronhead. Il a mal réputé. Il a mal réputé ses verbes irréguliers. Et on a bien tout en pot du côté de la légende. On prend la première stock avec un smash avant. Hop, le nerf qui est trouvé du côté de Snellac. Le backer qui est malheureusement raté. Hop, petit nerf. Forward tilt. Alors là, ça va aller vite. Hein. Forcément, pour le commentary, il va falloir débiter comme elle lui-même. Hein. On essaie de prendre un peu d'air du côté d'Allège. Essayez de ne pas mourir. Snellac qui vient de se prendre un peu d'air. Je ne sais pas si Alejino, il a continué à se tryhard. Le petit backer qui trouvait le Snellac. Ah, ouais, c'est ça qui était. Ouais. Forward air. Oh là là. Monsieur a une vraie vie, très bien. Et en attendant, Snellac qui gratte les petits pourcents. Et Alejino qui est un peu en retard. Le compte qui est trouvé de la part de Snellac. On fait fuir son adversaire. On l'empêche d'approcher. Hop, le petit nail qui est trouvé. Et là, ça tempo. Hein. Allez, Gino qui veut pas prendre de risque et pourtant il se prend un petit contre. Et Snellac qui profite de son contre. Hein. On sait que Chic doit approcher et le contre qui sortit rapidement. Et là, ouh, le next tutti fishtail et on prend la stock du côté d'Allège.
Hop, on revient. Le ledge crump qui est fait de Snellac, malheureusement, c'est pas puni. Hop, petit forward air. Et là, les Gino qui commencent à gratter un peu les pourcents. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir... il va pouvoir gratter. Hop, on enchaîne bien du côté d'Alegino. On a tenté de le bridge. Hein. C'est ça. Bien serré quand même ce premier match. Ouais. Bah, Alegino qui avait un peu du mal, hein, un peu en retard sur ce début. Et là, ah, et ça tue. Ah, voilà. Et 1-0. Forward. On se lock. Non, c'est normal. On a... Ouais, désolé, désolé. La prochaine. Alors, un point pour Mr. Snellac. Un petit match hein, pour ouais, attaquer bah, comme ça là. Franchement, c'est un match qui va vite. Hein, les petits gags de l'année 2023. Encore une fois, qui dit qu'il goûte à la dure réalité de la vie. Ouais. Ah, ouais, malheureusement, Elphara qui n'est pas là. Toutes mes condoléances pour ta carrière de pro gamer. En plus, Elphara, il veut ma tête, alors moi, je veux bien, mais il n'est pas là. Non, il veut la mienne surtout. Une revanche. Alors, sans revanche, lance comme moi. En sens, c'est ta daronne qui a laissé la tête. Ouais. Il a peur de moi, mais non, il n'y a pas à avoir peur de moi. Moi, je meurs pas. Hein. C'est vrai que tu meurs pas. Mais des talons, je meurs pas. Ouais. Hop, on relance. Relance. Snellac a sorti son petit skin. Le petit skin qui va lui porter chance. Fait par Monsieur Grand Serein qui n'est pas là. Ou comme le stage qui a été refait par Monsieur Grand Serein qui n'est pas là. Il n'est pas là, effectivement. On remercie HBK pour son 23e mois d'abonnement, ouais, ça. Ça c'est beau. Et en attendant, Alej qui prend du poil, hein. Il a vraiment. Compris les erreurs du match précédent et là on va combat. Oh le petit fichetel qui est retrouvé, oh là là c'est si bien trouvé là qui trouve le dacha et tout de suite Arsène hein. Arsène ou il a été essayé de le chercher très loin, le back air qui tue pas, hop upper de Snellac, on profite d'Arsène hein. Toujours la force qui est trop là. Voilà le petit back air. Et Snellac qui prend l'avantage avec cette première stock de prise. Et là, Alegino qui va en profiter. Arsène n'est plus là. Le frère n'est plus là. Il va falloir gratter. Ouais, on prend un minimum de risque, mais malheureusement, on va se prendre ce side B. Le back air qui est trouvé, qui est absorbé par le down B de Snellac. Le nerf. Là, ça bourre dans les boucliers. Hop, upper, tout, done smash. On reflect. Le ledge trump to back air. C'était si beau. C'est là qu'il essaie de faire depuis tout à l'heure. Et lui, il le fait. Bah ouais. Malheureusement, ouais, chic, ça va être ça. C'est très rapidement, mais t'as pas la puissance. C'est là qui a un peu les mêmes soucis avec son perso, sauf que bah, Arsène il a une force de tonton. Tonton Rimka. Tonton du bled. Yes. Le petit backer d'Alège et le fishtail. On prend la première stock. C'était belle celle-là. Ouais. Ah, mais c'est stylé à voir, Kik. Mais si tu veux choper une tendinite à 5 ans, ben tu joues ça. C'est le bon perso. Là, on essaie de couvrir le ledge du côté de Snellac. On vient tranquillement du côté d'Alège. On se cherche des crosses. Ah, le donner qui est pas trouvé. Hop, le petit back air. Et on met que des 5% par-ci, par-là, du côté d'Alège. C'est bête d'avoir un personnage qui tape aussi peu. On charge les nails, hein, pour forcément. Et là, on recharge. On recharge le Arsène. Hop, on attend un peu. Snellac qui prend la back throw. Le nerf. Allez, Gino qui a mis au moins 30 coups depuis tout à l'heure et son adversaire n'est qu'à 78%. Et le back air, Snellac. Voilà, c'est son personnage a plus de force. C'est tout. Et tu vois, bah, Chic, c'est le personnage qui a potentiellement la meilleure frame data du jeu, mais
qu'est-ce que tu veux faire si ton adversaire il tape une fois et t'as mal. Et encore, Joker, c'est sympa, tu vois. La dash attack qui est trouvée. Arsène qui est de retour. Oh! Upper, up smash! Upper, drag down, up smash. Et là, ça tue. Et là, Legino, il a... Il est plutôt pas mal, tu vois. Bah là, il est bien revenu, en fait, ouais. Hein, avec ça. Et là, du coup... Et là, il va falloir gratter. Hein. Ça commence à être bien serré, quand même. Et là, le timer tourne. Il va falloir jouer la montre et jouer sur la patience de son adversaire. Hop, petit back air, le forward tilt, dash attack, on prend avec le up tilt, le petit forward air, on reprend, back air, hop, le forward tilt, et malheureusement le smash côté qui ne passe pas. Et en attendant, là, Arsène, il est en train d'être malmené, et sa jauge, elle est en train de descendre. Hop, on reprend avec le up B. Ah là là, c'est pas joué. Et là, franchement, Alej qui est revenu. Et non, le forward smash qui touche. Aïe, 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 prend cette première game. Il prend ce premier match. Bien joué à Legino qui s'est bien débrouillé. Mais qui prend 2-0. Il prend des 0. Et malheureusement, ça sera 2-0 marqué. Avec mention. 2-0 avec mention, c'est bien débrouillé, mais 2-0 quand même. Ah, c'est là qu'il est chaud. Ouais. Ouais. Il est chaud, les marrons chauds. On m'a dit que dans l'oreillette que son personnage il a été meilleur, tu vois. C'est là qu'il a été meilleur sur la sélection de personnages, c'est-à-dire que. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on va s'envoyer comme petit match maintenant, mon petit guideux? Bah, je sais pas. Attends, on va mettre. Requête commentary, s'il marche. Il marche. Magnifique. Alors. Le bracket, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a Nissim Game qui a battu 15-2-1. Ah, 15, il a pas débrouillé quand même. Pas mal. Oh. Adresse contre. C'est avec leur pseudo imprononçable là. Ouais. J'ai pris 2-0. J'ai la pris 2-0. Mon dieu. Orline qui bat Popo. Qui bat Popo. Avec Popo qui a pris 2-0. Mort. C'est triste. Mort. Wolf Merlin, apparemment, c'est encore en train de jouer. Ouais. Bah écoute, on va envoyer ton match, j'ai envie de te dire. Contre Emma. Ouais. En stream d'ailleurs, je pense. Peut-être pas en stream si tu veux. Ouais, en stream, ça me paraît très très bien. Mais... Je vais faire un petit passage aux toilettes et puis. Bah tiens, comme ça, histoire qu'on attende bien. Voilà. Qui c'est qu'on va appeler en commentateur? Alors, bah Wolf. Appelez Monsieur Wolf. Il y a du monde sur ce stream. Yo Balran, ça va ou quoi? C'est quand que tu viens faire un petit ranking là? Pas longtemps qu'on t'a pas vu. Bon, on va attaquer donc. Ouais, ouais, il passe en stream là. Donc prochain match en stream, un Guy 2 contre Emma, ça va être plus gros match, à n'en pas douter. Et en commentateur, on va appeler Monsieur Wolf. Monsieur Wolf! Voilà. De quoi on va les matchs? Tu peux pas les envoyer avant? C'est pas mal. Parce que là, c'est pas que j'ai ça à foutre, tu vois, mais un peu quand même. Comment il va, monsieur Wolf? Bon, écoute, ça va bien, mon gars. Tranquille. Premier ranking. Hey, premier ranking, première victoire. 2020. C'est beau, ça. Ah, t'as gagné. J'ai gagné. Oh là là, j'ai gagné. Comme merde, en plus, oui, ça va, il joue bien. Il joue bien. Il joue très, très bien. Techniquement, il était meilleur que moi, mais moi, je suis un mec de la hype. Je suis un mec de la street, tu sais. Il est là, il est stressé. Moi, je fais bah les couilles, moi, je tente ça. Qu'est-ce que t'as joué avec les. Moi, je joue avec les émotions. Avec les basiques. Les basics, back to basics. Back to basics. Ouais. Bon, on est en train de lancer les matchs. Donc là, on va avoir Guido contre Emma qui va arriver.
Ah, c'est beau ça. Et c'est stylé. Ah, bah, on a un classico ça. On a plein de matchs bien stack et tout, c'est bien stylé. C'est bien, on a un bon ranking là, on a du monde et tout. En plus, c'est diversifié au niveau des match-up, des persos. Ouais. C'est pas mal. On espère que vous kiffez pour l'instant. Bah, c'est le début de ranking. Hein. On est pour l'instant au stade du des premiers matchs. Hein, donc évidemment. J'aurais bien gardé un petit 15 Mernan. Ouais, pourquoi pas. Déjà. Ah bah attends, pourquoi pas, parce que tu vois, ils sont. Tu veux dire que oui, parce qu'ils sont en loser du coup. En loser, ouais, ce serait l'occasion de les faire passer en stream. Ouais, mais bah, tant pis. C'est dommage, ça donnerait un peu de mi-brawler, surtout qu'en plus. C'est très stylé, mi-brawler. Il y a plein de trucs que tu connais pas. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas sur mi-brawler. Les arrêter. Que veux-tu, Orlin? Là, tu viens perturber le stream. Toujours de l'eau là. Les gens sont déshydratés. Ils ont arrêté de parler puis de bouger un peu plus le fiac. Au moins déshydraté. Pack ou bouteille? Bon alors. On va préparer. Il n'y a pas de jeu là? Pourquoi il y a un? Alors. En braquette. Bah, c'est toi, pas placé, est-ce que est-ce que vous kiffez vous pour l'instant? Bon, on est au début, hein. Encore une fois, je disais, on est au début, les premiers matchs, donc on se joue, j'entends des trucs. Ah, sachant qu'aujourd'hui, Yuya et OneBull ne jouent pas. Ouais, donc du coup, on va dire, on verra s'il y a un moins haut niveau général ou si finalement ça va être beaucoup plus stack et beaucoup plus stylé. Ouais, bah à mon avis, ça va être plus stack. Hein. Ça va être plus stack, hein. Ça va être plus long. Ça va être plus stack parce que OneBrawl et Yuya quand même survolent un petit peu souvent les rankings. On va voir si avec le nombre d'inscrits et surtout bah, les nouvelles têtes. Ouais. Les nouvelles têtes. Il y a pas mal de nouveaux aujourd'hui, bah, ça fait plaisir. Mmh. Ça fait c'est bien. Plaisir. C'est bien, franchement. On commence l'année en beauté. Qu'est-ce qu'il faut avec leurs bulles là? Ils s'aiment. Nous, arrête tes bêtises, hein. C'est Yuya en plus. C'est Yuya qui n'a assez de futur. Ils sont en train de faire des bulles de savon là dans, voilà, dans le local. Voilà, ce qui va arriver. En passant pour faire un effet là. En passant devant le stream pour faire un effet. On va faire un effet. Un effet sans filtre. Voilà, les bulles. J'ai goûté pourquoi ça peut. Ouais. Ah, tant qu'à faire. Oh, c'est magnifique. Voilà. Et voilà, regardez. Nous c'est beau. J'en ai une dans l'âme. Bon alors, on va passer aux choses sérieuses. Ouais. Ouais, Balran, bah ouais, bah que tu reviennes. Hein. Balran, c'est. Oui, Balran, mais bien sûr, je me rappelle. C'était notre poteau Donkey Kong, non? Ouais, c'est ça, bien c'est sûr. Exactement ça. Bien sûr, c'était, j'avais fait même le match contre lui, c'était chaud, il avait bien gagné, il avait trouvé les bonnes failles. Ouais. Ouais, il était super cool, Balran, ça ferait plaisir que tu viennes. Et apparemment, il travaille, cet homme. Eh ben pas tout de suite, mais. Dans 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go, c'est parti. C'est good. Et on va aller sur le classico, les amis. Bonjour, Guido et Ma. Par contre, il faut reset le score, je pense. TMGSM. Il faut reset le score. Je ne sais pas qui tu es. Oui, bien vu, très cher. Et donc, on va avoir Guido contre Emma. C'est le classico, un peu Gamers Garden. Hein. Ils se connaissent maintenant depuis, ça va faire, je crois, même un an et demi. Je dirais presque un an et demi. Oh, plus que ça. Hein. Ouais, même plus que ça, même deux ans en fait. Hein, parce que Emma, Emma était venue en fait suite à la Compiègne, je crois, la Compiègne Geek, non, c'est pas ça? On avait vu c'est Emma. C'est ça, il y a deux ans. Et qui était venue avec son frère. Et du coup, on avait. Il n'y avait pas Guido à l'époque, je pense, même pas encore. Donc, ouais, ça va faire deux ans. Plus de deux ans. Et en fait, bah, Emma, grande joueuse de Luigi. Et aussi de Wario. Et qui a choisi de passer sur Luigi. Donc, par l'époque. On reste sur la base, hein. Luigi c'était son perso du cœur. Et on a Guido. Bon, Guido, on ne le présente plus. Hein. C'est l'homme des setups avec son chevalier. Voilà, qui est joueur assidu de Zelda, qui ne lâchera pas le perso. Ça, c'est un homme fidèle, un homme de cœur. Voilà. On va voir si ça paye. En tout cas, pour l'instant, ce forward smash qui va permettre de prendre la première stock de la part de notre cher Guido. Il marche plutôt bien. Ce match sur Holo Bastion. Voilà, des hommes de goût. Kingdom Hearts. Exactement, j'adore ce stage. Des hommes de goût, mais la musique, les amis, la musique. La musique de Holo Bastion. Et pour l'instant, on a M qui a réussi à revenir de stock partout. Mais par contre, qui a loupé ce combo. C'est dommage parce que Luigi, vraiment, le momentum qu'il a, c'est quand il arrive à placer ses chops, surtout à 0%, où en fait, on peut placer vraiment en fonction de la DI, évidemment, mais en anticipant un minimum et en ayant une bonne exécution, de pouvoir décrocher quasiment des 0 to death hein, à base de chop. Hein. Donc, Luigi, c'est le perso un peu...
C'est un peu le perso comme Kazuya, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que normalement, un bon Luigi, si tu touches, surtout avec une chop, tu peux mettre du bon combo. Mais voilà, c'est de l'exécution, ça c'est pas facile, hein, c'est vraiment pas facile. Après, Zelda, c'est le perso de l'exécution aussi, quoi. Bah, Zelda, c'est plus un perso à setup que Luigi. C'est vraiment pas du tout le même style de jeu. Zelda, ça va être sur des setups, voilà, préparer les chevaliers, position de chevalier, des devants derrière, justement, avec le timing de relâchement du chevalier. Alors que Luigi, c'est plus du spacing pour essayer de, j'ai vu, hein, de placer la chope. Et donc, pour l'instant, Guy 2 qui mène toujours une stock complète d'avance. Oh là là, bien joué là, de la part de M. Bon timing, hein, pour essayer de mystifier sa remontée sur le ledge. Et attention à ces up B. Alors ça, c'est vraiment Guy 2. Guy 2, c'est le joueur de Zelda qui vit avec des up B. C'est son meilleur ami, le up B. Il adore ça. Alors, des fois, ça touche, c'est très bien. Des fois, quand ça touche pas, eh ben, il le paye très cher. Pour l'instant, ça va. Il s'en sort bien. Il conserve sa stock d'avance. A voir si ça reste le cas. En tout cas, M qui est bien décidé à terminer cette stock avec des ventouses pour essayer de placer ce B qui va quand même toucher, mais ça ne suffira pas pour la joueuse de Luigi d'être encore sur le terrain. Et ce side B qui sera trop tard. Et c'est la stock perdue. 1-0. Il est chaud, Guy 2. Il est chaud de night. Il est chaud, il est chaud. Il est bien conservé quand même. Bien conservé. Bien conservé. C'est depuis qu'il est rentré dans le bureau de Gamers Garden, je crois qu'il est beaucoup plus puissant. Tu penses qu'il a gagné en puissance? Ah, j'en suis sûr. Ah ouais, c'est la puissance du Gamers Garden. En tout cas, il a le bonnet. Hein. Ah, est-ce que déjà, c'est pas un bonnet qui stimule les neurones ou un truc comme ça, le mind game? Le mind, tu vois. Le mind game. Ah, bien sûr. Bien sûr, le mind game. On va le mettre en boutique bientôt si jamais vous voulez améliorer votre mind game. C'est ça. Ça stimule les neurones et en fait, vous arrivez à plus facilement télécharger votre adversaire. Et on est passé sur Wario, donc PS2. PS2 évidemment aux couleurs de Gamers Garden. Hein, nous sommes avec la superbe Switch modée qui permet d'avoir ces fabuleux terrains. Et on a Emma passé sur Wario. Et je l'ai rarement vu en fait le Wario d'Emma, donc ça va être sympa de voir justement ce que ça donne. On a des nerfs, hein, qui essaient de placer pour les nerfs qui sont un petit peu à la base de Wario pour démarrer un setup de combo. Et ça touche de temps en temps, mais pas suffisamment. Et là, c'est Guy 2 qui a une sacrée avance avec 100%. Ça permet de placer, voilà, une petite dash attack. Par contre, donc, Guy 2 qui prend la stock là-dessus. Enfin, quand même, hein, voilà, le petit up B de Emma qui va permettre de revenir sur le terrain. On continue à jouer, hein, sur la base. En tout cas, Guy 2 qui semble pour l'instant rester fidèle à son jeu. On n'a pas vu de grosses dingueries. Il essaie de placer des chevaliers. Guy 2 qui a du temps, en fait. Il a du temps pour placer ses chevaliers. Et du temps, c'est ce qu'il faut à Zelda. Alors, à voir si justement Emma n'a pas pris Wario, peut-être pour être un peu plus agressif. Wario qui a la capacité quand même de pouvoir être assez volatile dans les airs, de pouvoir faire des devants derrière. Mais pas suffisamment pour Guy 2 qui assure son avance et qui va la conforter avec cette deuxième stock prise. Voilà, on met du talon. La France a un incroyable talon, quand on est... bien sûr. On la fait à chaque fois, hein, mais c'est toujours plaisir. On peut la faire balancer au moins une fois par stream. c'est le Joker. C'est un peu limité, tu vois. C'est ça. C'est un peu le Joker, tu vois. Tu l'as balancé, maintenant tu n'as plus le droit. Oula, qu'est-ce que c'était que ça? Il y a eu un tonne qui est parti, je sais pas trop. Côté Emma, on arrive à prendre... Ah, par contre, Emma quand même qui est bien revenue, hein, 93% sur la deuxième stock de Guy 2. Ce serait peut-être le moment, en tout cas. Elle a le pêche chargé. Alors, la question, justement, à chaque fois, hein, c'est ce qu'on se pose, même avec Guto ou même avec Crêpe Salée. Et du coup, à quel moment elle va décider de placer son fait? Est-ce que ce sera plutôt pour assurer la deuxième stock ou plutôt conserver et faire vraiment le comeback sur la dernière? Pour l'instant, Emma qui est plutôt partie pour essayer de trouver l'ouverture, hein, sur ses side B. La punition des side B bien trouvée. On va mettre la dash attack, ça ne suffira pas. Attention à ce B qui était limité. Non, du coup, il va assurer avec ce forward smash. Mais du coup, Guy 2 qui arrive à revenir. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait peut-être... Je crois que même Guy 2 ne pouvait pas se raccrocher au stade là, sur l'avant-dernier up B. Du coup, Emma qui a préféré faire un forward air. En tout cas, c'est bien vu. Avec ce forward tilt, ça permet de terminer la stock. Et maintenant, on est sur une stock quasiment even parce que... Nous avons un Wario, certes à 83%, mais qui possède le Waft. Un Waft bien chargé. Et attention à ce setup, c'est parti! Non, il y avait pourtant ce tilt. C'était un setup de Waft.
Mais bon, les pourcentages étaient encore un petit peu bas côté Guido. En tout cas, 40%. Si maintenant il y a un combo de Emma avec ses pourcentages, ce sera la fin. Clairement, s'il y a une ouverture, on peut arriver à vraiment un comeback. Emma. Autant de pourcents, tu penses? Ah ouais, 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 même à 40, en fait, si tu fais un démarrage de combo, genre tu la mets à 50 et après le waf, ça tue. Hein. Et là, c'est la mort! Et c'est le mec qui va toucher du mauvais côté! Il y avait le waf chargé! Aïe, 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 aïe! Et pourquoi ne pas péter sur Guido? Pourquoi ne pas lâcher? C'est Guido qui tue! Il faut ouvrir ses chakras, comme on dit. Et donc Guido qui triomphe 2-0 contre ouais. Emma, une fois avec son Wario, une fois avec son Luigi. Bah donc quart de finale winner là, pour Guido. Et Guido qui s'envole. Hein. Mm-hmm. Voilà. En bien fait, sûr. Qu'on va envoyer comme match après. Je mets très bien un petit Vish Wolf. Si tu veux, pour la hype comme avec Rire. Mais bon, après, voilà. Je pense que Vish, il a peut-être pas le même niveau que Rire. Du coup, je pense qu'à mon avis, ça va être un peu. Je pense qu'il est plus fort. Je pense que Vish est plus fort que Rire, ouais. Et du coup, je pense que vous êtes un peu un punching ball. Mais je pense aussi. Tu veux avoir une exécution publique ou pas? Même si Rire, je t'aime, mais je suis désolé. Je pense que Vish est meilleur. Ouais, il le dira lui-même. Oui, il le dira lui-même, je pense. C'est un mec de la hype, Rire. En fait, Vish, c'est un peu comme. Il a le skill de Rire, ouais. Mais tout le temps. Rire, il a que à un moment des clutches, c'est un moment où genre c'est la fin. Voilà. Il libère son potentiel, mais Vish, il a tout le temps le potentiel. Donne du clutch. Ouais, j'ai un Crinier News qui pourrait être pas mal aussi. Crinier News, c'est sympa. Hein. Megaman Falco. Ouais. Hein. Ça, on n'en voit pas souvent. On n'en voit pas souvent. Les gens là, sur le stream, là, vous avez des gens que vous voulez voir. Vous êtes là pour voir du monde, vous dites. Hein. N'hésitez pas parce qu'en fait, on est encore en phase de poule. Donc, on a beaucoup de matchs qui se font en simultané. Après, on passerait bien évidemment en stream les demi-finales, finales, etc. Mais... Pour l'instant, on a de la variété. Alors, si n'hésitez vous voulez pas. Le bracket, hein. Bon, je vous le mets là, mais sinon, vous avez la commande monsieur point d'exclamation là. Bracket pour l'avoir directement. Oui, oui, monsieur. Oui, votre briquet. Par contre, Guido, tu viens commenter après. Ouais, ben, là, il y a de la danse. La danse de motivation au niveau de la salle. Ouais, ben, je crois qu'on va envoyer un petit Crinière News, hein. Ben, un petit Crinière News, hein. Pourquoi toi, tu vas faire ton match comme ça? Pourquoi pas, tu veux que je fasse mon match pendant ce temps-là? Ouais. Comme ça, je me fais 2-0, enfin 0-2. Crinière News! Non, je crois qu'ils sont pas lancés. Aussi. Allez, vas-y, comme ça, je vais remplacer. Je laisse ma place. Fabuleux Guido. News qui... Non? Il y a pas... Bah non, je ne vais pas contrôler. Ouais. Allez, mon gars. Oh, t'es déjà pas en stream. Ouais. Nous contre News. Ah bon? Pourquoi? Ah ouais? Bah écoute, si tu le dis, ouais, je suis d'accord. Ouais, News là, pop là, celle qui a pas son maillot Gamers Garden là. On t'a vu? Ah bah faut me donner les. Vous me dites hein. Vous me dites et moi je commence. Ah, j'essaye en fait. J'attends que les gens m'en donnent. Une fois que j'en ai suffisamment, je fais une commande. Ah bah oui, on verra. Pas de soucis. Ouais, t'as toutes les coloris, t'as un salon boutique avec toutes les coloris. Tu veux. Regarde, si les gens, vous voulez un magnifique maillot Gamers Garden, n'hésitez pas. Bah voilà. La boutique. Pas que Akrai d'ailleurs. Et le salon boutique sur notre Discord, vous pourrez retrouver toutes les coloris ainsi que les bombers. Il n'y a pas encore les bonnets coup du main par Guido, mais peut-être un jour, Inch'Allah, on va voir ça. Et donc en attendant, donc le prochain match, ça sera News contre Pierre. Ah toi, t'es mort dans le film, ma petite coco. Non, finito. Après, t'as pas eu des matchs faciles. Tu veux venir commenter toi que tu fais le malin là? Ah tu vas jouer plus tôt, ouais, t'as raison. C'était combien de temps avant mon match? Attends, je regarde le. Toi tu es là, comme Guido bah, Guido il va commenter, donc au moins le temps du stream. Le temps du stream? Ouais. Donc je peux jouer un peu là. Ouais bah faut pas que tu prennes deux places pour les gens qui sont ouais. Pour le tournoi, mais sinon ouais, pas de soucis ouais. Hey, tous les matchs sont posés. Ouais. Je sais pas, faut demander à HBK là. Il reste. Enfin, un poste, prends le poste. Hein. Mais ouais, de toute façon, il va commenter, donc pas avant ce match-là. Bon,
Donc. News Crignard. Qu'est-ce que ça va nous donner? Attendez, j'ai pas de commentateur. Différence de caméra. Caméra, elle a un peu cassée sur cette scène. Élargie. Donc, apparemment, ils ont peur d'être très pressés. Personne n'est pressé ici. Hein, c'est pas... Ils ont envie de prendre tout leur temps. Donc, on va passer là-dessus. Tac. Ouais. C'est de quelle association que vous parlez, les gars, là, TMGSM ? L'association de Smelac ? Pour rappel, hein, les rankings Gamers Garden, hein, c'est donc un autre local, c'est des petits rankings d'une vingtaine de personnes. Toutes les infos sur Discord, hein, si vous êtes dans l'Oise, que vous voulez participer dans la bonne ambiance et tout, n'hésitez pas à venir prendre des renseignements. On est gentil, on est cool, on est beau et on sent bon. Et n'oubliez pas aussi nos tournois à Creil. Prochain tournoi à Creil dans 2 semaines. On a 72 joueurs. 500 euros de cash prize. Du gros level. Ben, on espère que vous serez nombreux. Donc, qu'est-ce qu'il faut, mon guide là? Et mes joueurs, ils font quoi là? La problème de quoi? Et allez où, Emma? Où sors-tu? Commentateur là même pas. Ah, le voilà. Le plus beau. Excusez-moi, je vais niquer le tout. La Switch modée fait son effet. À quel niveau elle fera? Ah, c'est le stage. Ouais, le stage, ouais. Enfin, ça, le stage, ça fait long time. C'est comme ça? Ouais, enfin, si, il a été refait, mais. T'as déjà mis tout les. Ah, j'ai un branlé, j'attendais qu'il se positionne. Ah. Attends. Non, vous y allez pas, non. Attendez. Ça fait 15 ans que tu me fais. Ça fait 15 ans que tu me fais attendre, non, t'attends un peu. Cragnard, Fourpo News. Oh, Cragnard, tu vas tenter une palue. Allez, vous pouvez y aller. Je suis curieux. Let's go. Je suis tout curieux. Ouais, bah, apparemment, il a dit que le match-up était pas bon. Contre. Bah oui, parce qu'elle a un réflexe. Ok, il a dit je vais switch. Hop. News qui va commencer son classique combo. Up tilt, up air. Hop. Comme ça, on met déjà 44% à son adversaire. En attendant, Crignard qui essaie de trouver des failles. Le petit backer qui est trouvé. On met le tilt. Up tilt. Forward air qui est malheureusement esquivé de Crignard. Up tilt, nerf. Le forward air du côté de News. Le petit tilt du côté de Lucina. Hop, on met bien le bouclier. On met le tilt. On essaie le smash. Malheureusement, ça touchera pas. Hop, le petit forward air qui touche. Forcément, le coup dure très longtemps. Il est dur à punir. Et là, du côté de Crignard, on va prendre un peu son temps. On va espacer le jeu. On va prendre son temps pour respirer et punir News quand il le faut. Le forward air qui est trouvé. Un petit combat de bouclier, le nerf qui est trouvé de la part de Crignard.
On va pas chercher son adversaire à l'extérieur. On reste sur le stage, on reste sur des appuis solides. Le petit Dantil. Le forward air qui trouve de la part de Krignar. Krignar qui commence à prendre l'avantage niveau pourcent. Le side B de Lucina. Et le up tilt qui va prendre la première stock de News. Mais bon, rien n'est joué. Lucina est à 120%. Le back air qui trouve preneur. Et on remet les compteurs à zéro dans ce match. Un peu unique. On n'a pas vu ça sur le Gamers Garden depuis longtemps. Un Lucina Falco, c'est très rare. Et là, on va faire des petits gauche-droits du côté de Krignar pour histoire de bait un peu son adversaire. Et News qui enchaîne ses petits uppers. Hop, up tilt. Et News qui reprend l'avantage. Up tilt back air. On essaie de contrer du côté de Krignar. Malheureusement, le blaster est passé juste en dessous. Le up tilt de Krignar. Le smash en pointe. Et hop, on lèche Trump, le petit back air. Et là, on va peut-être aller chercher son adversaire, malheureusement. On est un peu trop lent du côté de Krignar. Forward smash qui est trouvé. Hop, le forward tilt, le forward air qui est trouvé de la part de Falco. Et là, on met up tilt, back air, le classique Falco. Cherche un peu. Hop, up tilt, up tilt, up air, les classiques combos de Falco. Hein, combo starter très basique de Falco. Et là, Falco qui s'est un peu suicide. Hein, et pendant ce temps-là, mon compagnon Nizinem qui est arrivé, peut-être bonjour, pour commenter. Je vais commenter le set de ma pote à la compote. Ah. Ça fait 0-0 du coup. Ouais, là, ah, c'est bien serré. Okay, ouais, c'est bien serré. Et Krignar qui joue du coup même pas son perso en fait. C'est qui son perso? C'est Megaman. Ah, et pour lui le match-up est dégueulasse donc il va pas... Donc il préfère pas, ouais. Il a raison, j'ai bien l'impression que les pelettes contre Palette. Et là c'est vraiment un match très serré. Hein. Ouais. Ça t'envoie pas trop de phase d'avantage, c'est ouais. Tout neutral. J'ai complètement piqué ta place dame, tu m'excuseras. Pas grave. Bon si on est deux pour commenter, ça marche bien, on se passe la balle. Parfait. Le ledge jump qui est raté malheureusement de Krignar, News qui a été suffisamment réactif là-dessus. Et le forward smash de Krignar direct. En couverture de roll, en rythme de roll. Carrément. Oui, parce qu'il n'y avait pas eu tant de roll que ça du côté de News. Du coup, on va aller dans ses commentaries full, je crois. C'est commentary full. Ah non. Game full, autant pour moi. Et du coup, c'est le score de Krignar, donc Krignar P1. P1 score, et là tu mets le petit 1. Et voilà, t'es régisseur. Waouh, t'es régisseur, ça fait quoi? Ça fait des choses. Ouais, ça prend toutes choses. Hein. Et là, ça va jouer le compte. Le pick and ban qui va jouer. Est-ce que Krignar va prendre Megaman? On a Raph dans le chat, ça fait trop plaisir. Let's go, Raph. Et ouais. Raph qui aurait dû être là aujourd'hui. Malheureusement, Daronned. Daronned. Le jour où il revient, son tag, ça sera Daronned. Hein. Exactement. Désolé, mais... Pas de prestation possible. Ouais, c'est ça. Et je gagne mon FT5 contre lui. Ouais. C'est bon. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Il a sûrement step up entre deux. J'espère, moi, j'ai jamais vu. Même IRL, même online, on n'a jamais moi, j'ai affronté sur le premier ranking ici et... Bon, ça s'est mal passé pour lui. Et c'est bon, on est bon. On est bon. On est donc parti sur cette game 2, pas de counter pick de perso, mais on change de terrain. On va sur SBF. Un terrain des plus classiques. Oui, plus classique, une plateforme en plus, un petit peu à l'avantage des deux persos. Oui. Mais je sais que News aime beaucoup la plateforme centrale en général sur les stages. Oui. Donc peut-être moins à son avantage, mais bon, personnellement, et puis un petit side B là. On va dire que c'était pour bait. C'était pas un miss input. C'est ça. C'était pour faire approcher son adversaire. Hop, le side B qui est trouvé de News. Voilà, le pile, ce petit peu. Des espaces d'avantage, jamais plus de 20% mis sur les passes d'avantage. On est timide, voilà, on rate un petit peu ses combos. Ça va, on a encore le saut, et là cette fois-ci on va le punir du côté de Krignar. Belle tech. Le belle tech de la part de News. Ouais. Évite donc la mort.
C'est un Edgeguard. En ce temps-là, il y a un commentary gobelet qui se joue. Non, exactement. Oui. Ouais. Lumière qui se sort de Ledge Trap. Ouais. Qui regagne le stage contrôle et cette fois c'est à son tour de Ledge Trap. Il réussit ouais. Encore une roll. Des petits deals par-ci par-là, mais ça gratte les pourcents. Hein. Ouais, bah oui, petit à petit on y arrive. Là, il y a 1 minute 15 qu'on est en game. À claquer des titres comme ça, c'est comme ça qu'on surprend avec un smash avant. Comme sur la première stock, enfin la première game. Yes, et le Lumière qui est trouvé. Le Lumière en couverture de saut. Il va venir prendre la stock. Voilà. Tu vois Crignard qui va pas s'approcher. Tour neutral, ouais, très patient de la part des deux joueurs en fait. Ouais. Les deux sont plutôt patients. Baker, hop. Ah, on a essayé de reel une roll. Le petit Baker. Mais non, il sera puni. Le retour de bâton. Ouais. T'as tenté de me read. Je te mets un Baker. Voilà. Voilà. Citation de Mahatma Gandhi. Ah, d'accord. Hop. Un petit tupper. Hein. Les classiques, les pas d'avantages, les 20%. Il y va petit à petit. Hop, on prend pas et voilà, trop, on reprend une rip de roll du côté de Crignard. Oh, on a essayé de mix-up avec ce petit wall jump du côté de News. Très bien trouvé. Un bon mix-up qui a payé puisqu'elle est sortie de. Elle a esquivé le ledge trap du coup. Bah oui, très bien. Et elle s'en est sortie cette fois-ci. C'est plutôt intéressant. Et ouais, on tente des couvertures audacieuses à chaque fois au ledge. Donc pour le saut. Ça paye pas toujours, mais ça paiera. Ça paye toujours à la dernière stock. C'est ça. Parce que c'est hype. Le dieu de la hype est trop. Là c'était un bon combo qui tue. Petit combo et setup. Air, down tilt, upper. Bien c'est ça. Hein. Ouais. Et hop, encore la tech. Qui est trouvé. Et on renvoie off stage immédiatement. Ah, on a essayé de l'edge trap. Et le ledge trap, trap a été raté. Ouais. Ah, on essaie vraiment de l'edge trap. Par contre, là, c'était très bien vu. Le petit backer en mode, hey, j'ai raté mon truc, mais je vais te mettre quand même un backer. Très bien spacé quand même. Ouais. On remercie l'épée pour les travaux. Oui. Bon, d'un côté, là, on a un bon combo. Voilà, on parle de phase d'avantage de 20% depuis tout à l'heure. Là, c'est une phase à 60% qui a été mise de la part de News. Et ça fait plaisir, ça régale. Ouais. Retrouvant l'edge trap à 47%, oui, on craint pas trop la mort. Je l'ai pas vraiment pris. Allez, toujours en retour sur un match très close. Non. Le petit backer qui a trouvé de News qui commence à prendre l'avantage. Ça shield. News qui commence à prendre la confiance dans les phases d'avantage. Et l'inverse. Là, on reprend. L'inverse, c'est vrai. Pignard commence à, Pignard, à paniquer un petit peu. Ouais. À ne pas savoir. Commence où il à en prendre est. Le temps de réfléchir et ça va peut-être lui coûter le match. Oh, c'était très bien vu ça. Une bonne tech de la part de Crignard. Oui. Retour en neutral. Il regarde bien le shield. Il va quand même sortir du corner. Oh, oh le flash qui touche à travers le shield. Et voilà. Voilà. Et là, ça fait des cris d'oiseaux sans mauvais jeu de mots. Ça lâche les meilleurs cris d'oiseaux. Les ornithologues en sueur. Et je pense que je vais devoir aller. Non, il n'y a aucun setup payé, donc je vais aller jouer aucun match et je vais rester à commenter jusqu'à la fin du set. Bah, très bien. Ça m'est bien. Et donc là c'est le match de la gagne. Hein. Ouais. On joue là, on fait les bans. Donc ça banne ça. Ouais, ça. Ça nous aide. Ça du démon. Je note. J'essaie d'analyser tes bans un petit peu. Et est-ce qu'on va rester sur Lucina du côté de Crignard? Est-ce qu'on va pas jouer son main? Jouer le cœur? Je pense pas, il n'y a pas de raison de jouer un autre perso. Ouais. Parce que pour close, elle leur pique à son avantage. Et si le matchup Megaman est dégueulasse, ça vaut pas de le pique sur des games close qui peut gagner. Ouais, mais pour surprendre son adversaire. Ça peut surprendre aussi. C'est vrai que elle doit pas avoir l'habitude de jouer contre Megaman. Ça peut surprendre. Mais comme je te disais au début. Je pense vraiment que le match-up est dégueulasse. Un down B et tout le neutral de Megaman s'effondre. Donc il y a des bonnes chances. Ouais, mais jouer le cœur, ça joue. Hein. Jouer le cœur, ça joue. On verra. Moi, je parie sur Lucina. Oui, après, il n'y a pas de. Ah, ouais, robot. Hein. J'ai entendu ouais, robot. Ouais, mais ils sont pas sortis les. On voit ouais. Ils sont pas sortis les. Moi j'ai entendu Wero. Moi j'ai envie de voir du Megaman, mais bon. Après, si je dis que je veux voir du Megaman et qui joue Megaman et qui perd, j'ai un peu le. Un peu le seum. Ah, et on retourne donc sur le bastion.
le stage sur lequel Cranière avait gagné game 1, mais une plateforme centrale d'un point de vue personnel à Rangnews. On prend le Megaman. On va prendre le Megaman du coup. Le Megaman. Bonjour Cranum. Bonjour Cranum. Cranum sur le chat. C'est vrai. Commentez bien, mais il n'y a pas assez d'interaction. Mais il parle une fois toutes les 5 minutes aussi. Donc c'est de votre faute le chat. C'est non, mais voilà, c'est toujours la faute du chat. Ok, le chat vous êtes détestable. On vous aime pas. Arrête, regarde, on a 6 spectateurs, d'habitude on en a 3. Ouais, non, faire non, le chat, vous régalez, vous êtes deux fois plus. C'est la dernière fois qu'on a entendu Dissing Game aux commentateurs, j'espère que vous apprécierez. Voilà. Ouais, ouais, c'était ma dernière session ranking, je suis ban à partir d'aujourd'hui. Je me banne moi-même. Et alors, on va sortir donc le Megaman voilà, qui est parti. Le match a commencé et 8 par une game, bon, c'est terrible pour les 3 premiers pourcents, mais c'est pas encore révélateur vraiment de... La game permet, voilà. Oh là 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 là, ça c'était révélateur. Ça c'est un bon élément de match-up auquel j'avais pas pensé, c'est que l'Edge Guard va être très très en faveur de Megaman. C'est ça. Parce mais... que il est, ce dernier est juste très fort et la recovery de Falco. Oh non. Mais d'un autre côté, oh, pareil, le voilà. Suicide. Deux boulettes off stage, deux morts off stage assez tôt. Oui. Ce qui fait que malgré le fait qu'un Megaman soit apparu à la place de Kina, c'est la première fois qu'on voit une stock partir aussi rapidement dans ce set. Oui. Disons qu'on est déjà une minute d'écoulée et on a déjà deux stocks de partie. Et 70% du côté de Ghost, ouais, qui prend du retard, ouais, du retard, du retard, et qui n'arrive pas à gratter. Ouais. Et c'est là où Megaman il est très fort, c'est pour gratter quand il a l'avantage. Hein. C'est ça. Gratter, empêcher l'adversaire d'approcher, et pour l'instant, Krenner le fait très bien, ouais, bien autour de ça. Ouais. Il avait la raid là-dessus, mais ça a trade avec le dernier de Nudes. Il a voulu bait le ledge trump, et du coup, Nudes, elle a failli tomber dans le coin. Ouais, très bien joué. Oh, et le match qui va toucher. Très bien joué, ça. Et là, il y a un bon avantage de la part de Krenner qui va devoir gratter le plus qu'il peut avant de perdre sa stock. Et il est encore loin de perdre sa stock, justement. Ouais. Seulement 67% sur un perso aussi lourd que Megaman. Hop, on est pas là de mourir. Prend son temps du côté de Megaman. Prend le grab. Le upper, ça ne tue pas. On revient tranquillement et on se prend un up smash. Power air. Dans le chat, ça parle du coup. Elphara qui est le meilleur membre du chat. Et il a complètement raison. Elphara, on t'aime. Oui. Bien plus souvent. C'est vrai. Je parle alors que c'est la première fois que je viens de l'année. Dis à ta maman de te laisser partir. On est bien ici. Pardon. En ce temps-là, du coup, 50% gratté pour. Ouais. Avec la rage, hein, la rage Megaman. On n'a toujours pas vu ce petit Shuryu qui me fait tant plaisir. Peut-être pour la dernière. Oh, fois. Il aurait pu être là. Il aurait pu être là, ouais. Il aurait pu être là sur un pari. Ouais. Ça n'aurait pas pris la stock. Hop, en attendant, on revient à une stock, une dernière stock du set. Le Ledge Trump, le fameux. Et des petits combos de la part de New. Pas de tranquillement. Amène à 1000%. Le petit backer. Et toujours ce charge-shot. Smash en ledge trap, le charge-shot. Ouais. Ah, c'est une boule, ça se tire, c'est un charge-shot. Ouais, c'est un charge-shot. Et il se charge, un smash, ça se charge. Voilà. Bon, bah voilà. C'est un charge-shot. C'est un charge-shot. Charge-shot de Megaman. Ouais. Les petits. Il réussit bien à garder à distance et force les news dans le coin. Et à ce qu'elle reste sinon. Voilà, et on commence les combos. Et voilà, face d'avantage de Falco, arrêté par un backer. Oh oui, la raid de oh roll. Oui, encore une fois, oh là une là raid de roll. Peut-être la 57e roll de la game. Oh là 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 là. Puni sur le petit de Megaman. Et du coup, on va mettre... m'en aller. Oui. Je te laisse seul, je t'abandonne. Oui, bah écoute. Adieu Guy 2. Moi aussi, un jour, je jouerai un set. Bien joué. Adieu Guy 2, toi déjà. Non, j'ai pas encore joué. Ah, va mettre. Oh non. Oui, tu as un match à faire, mon cher Guy 2. Oui, je l'ai Hirst. Par contre, le problème, c'est que Wolf, il joue. Encore ? Ah, il est pas mort encore. Il est encore contre Wish ? Tu sais qui a gagné la muse C'est Krenière qui a gagné. Effectivement. Effectivement. Héros. Bah écoute,
On va... Tu vas rester avec moi un petit peu le temps que le Wolf termine. Oh, tant qu'on est là, on est là. Ah, parce que Mich, il joue aussi, tout le monde joue là. Et là, je crois que j'ai vu une victoire de Terry. Hein. Céleste ! Moi, je vois un Terry. Céleste ! I'm stream. Que dit le bracket en attendant comment on met le bracket en attendant? Oui, monsieur. Le quai de bras. Le quai de bras. Le quai de bras, le voilà. Oh, ma... voilà. J'ai un problème de caméra cette scène. Et donc Crignard qui va se qualifier direct contre le vainqueur de Brick, Orlin. Et moi je vais jouer contre Tears. Et là on a Céleste Nizinem qui va se faire. Et pendant ce temps-là, du coup, côté loser, on a Emma qui a gagné contre Snap. Et Jesh qui a perdu contre HBK. Jesh a perdu contre HBK, bébé. J'ai pas dit qu'on est HBK, effectivement, ouais. HBK qui a jamais été aussi haut dans un bracket, je crois. C'est un 2-1. Et donc, nos deux champions qui sont en train de faire leur touche. Et je crois que le match Wolfhart, Wolfhart à Legino, c'est terminé. Ouais, totalement par la victoire de Lerino, d'ailleurs, hein, sans vouloir... Non, mal parler de il y a écrit, il y a écrit 2-1 pour Wolf. Hein, hein, il y a écrit 2-1 pour Wolf. Wolf, t'as gagné. Ouais, mm-hmm. Mais il y a 4 ports en pire. Hein. Ah, mais attends, il y a peut-être pas les adaptateurs sur la autre scène. Non, il n'y a pas les adaptateurs. Tu as déjà le Java Tunnel. Et oui, je sais pas. Ouais. T'as gagné, Wolf. Oh, ah, ils sont chauds, les gars. Aujourd'hui. Ils sont très très chauds. Très très chaud. Ah Wolf, j'y croyais. Ouais. J'aurais pas misé à. Ah bah c'est ton jour peut-être. Hein. Peut-être c'est moi. C'est... Ah, ouais. La remontada. One Bros Style. One Bros Style. Et voilà le frérot. Si le je gagne frérot. Angus, comment il va? Attendez, on est en live. On va lui voir un truc très sensuel en stream. On est en live, là, on va faire strike, arrêtez tout. Mais j'aime mon président. C'est bien, il faut l'aimer, mais modérément, tu vois. Un peu moins? Avec modération, un peu moins. Tu sais, moi, c'est le discours du maire, il m'a tout émouvé, tu vois. Ouais, on en reparlera d'ailleurs. Donc, moi, ça se touche la nuit là-bas. Ouais. Donc, on va préparer le petit. Overlay, tac tac tac. Bah du coup, bah tu peux aller faire ton match, je vais récupérer Wolf. Ah. Wolfie. C'est, Wolfie. Ta-ta-ta-na-na. Alors, donc, on a Céleste. Que du gros match. Que du gros match, ça y est. Ah là là. Bon, ça fait plaisir, hein. Vous êtes déjà 8, c'est cool. Ça fait plaisir. Ouais, ça... Le on salam a... aux gens du chat. On a qui? On a Cranum. Un Cranum qui est passé. Il y a Balran, il y a Elphara, il y a... Que du beau monde. D'accord. Moi, il y a le président de Snellac. D'accord. Bah, super. Pas comme ça, Zinedine. Là, Cranum, tu passes nous voir un peu, en fait. Cranum, bah, Cranum, il est à côté, non? C'est vrai qu'il va passer ce soir, femme. C'est vrai? Parce que je lui ai dit qu'il y avait Merlon. Ah! Ah! Peut-être, il est motivé. Ouais, bah, voilà! C'est un peut-être. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est un peut-être. Céleste la fraude. Quoi? Pourquoi la fraude? C'est lui qui est... dit que c'est une fraude. Ah bon? Je vais l'appeler Céleste la fraude. D'accord. Non, c'est plus moi là, c'est plutôt moi la prod, mais bon. Non. Annie, j'ai gagné des matchs contre lui au début en training. Bon, le tout premier. On a gagné après. Connais his name.
This is name. What's my motherfucking name? Oh yeah. Attention, on est sur en stream, monsieur. Ça, c'est vrai. Le M-Word, ça passe, non? On a un magnifique HVK qui passe à l'arrière. Ah, je vais grappiner, là. Bah les gars, c'est quand vous voulez. Donc, quart de finale, hein, toujours, quart de finale winner. Quart de finale winner. Donc là, nous avons les joueurs qui ont gagné leurs deux premiers matchs, normalement. Ouais. C'est ça? Ce sont les joueurs qui ont gagné leurs deux premiers matchs. On a Fox côté la fraude. Ah oui, putain, il y a carrément le tag hashtag fraude, quoi. On va loin. On va loin côté Céleste. Donc Céleste avec son Fox contre une CM avec son éternel Falcon. Mais qui ne prendra pas la couleur dorée. Alors on va savoir peut-être qu'il va réserver la couleur dorée peut-être pour le coup de la remontada. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on a des joueurs qui ne perdent pas de temps. Hein. Vraiment, ça ne s'observe pas. On a un jeu vraiment close combat à côté de Fox. Hein. On ne cherche pas à spacer, on ne cherche pas à mettre du pistolet laser. On y va direct avec deux paires. C'est parti, on enchaîne. Hein. Vraiment le upper de Fox par contre très très fort, hein, qui sort très vite. Sachant que saut de Fox est très rapide, c'est vraiment compliqué hein, quand on est en dessous de, enfin, au-dessus de Fox. Et voilà, ça va payer la montagne de upper. Hein. Ah, il faut absolument l'esquiver. Hein. Là c'est très dur, hein, c'est vraiment de base. Et là pour l'instant on a un bon combo côté encore Fox hein, qui permet déjà d'entamer la deuxième solde de Mister Nissinem. Ouh là là, il nous fait peur. Mais ça va, tout était géré. C'était prévu. Oh, ça veut envoyer des gros talons. Le tennis, hein, le lionnaire de Falcon hein, qui envoie la max. Permet de spike vraiment à très très bas pourcent. Hein. Ça punit à 30. Vraiment. Là pour l'instant, on a Nice qui est un petit peu en danger. J'arrive pas à faire perdre ses stocks. Hein. Céleste qui maintient bien. Le bon spacing hein, du joueur de Fox. Pour le moment, et il va rentrer dans ce B, ça ne suffira pas. La DI côté Nice et qui va tenter ce side B, peut-être un peu prémédité. Il a été vu par Nice, hein. Il l'a vu, il n'a pas mis la punition au maximum. Mais là maintenant, on envoie le up smash. Et là, on balaye le renard de l'espace de la plateforme de combat. On est parti sur le deuxième stock avec les bons combos de Nice. Voilà, il faudrait qu'il en place plus souvent. C'est vraiment la base de Falcon. Là, s'il arrive à les placer, ouh, avec ce donner entre les deux plateformes, bien placé. Oh là là, il est arrivé carrément au cac et il a placé dans le smash. Monsieur Céleste avec son Fox, très bien joué. Et là-dessus, voilà, on va punir avec le B. Les attaques qui sont pas safe et il le fait savoir. Nissinem à deux reprises. Alors, on va tenter un B, un petit peu téléphoné encore. Attention à ces remontées hein, côté Céleste, peut-être un petit peu prévisible. Et ça va être peut-être le déclencheur. On a tenté le nid hein, côté Nice. Bien esquivé hein, par un Céleste. Attention Céleste, encore une fois, à la remontée. On va prendre le temps. Oh, mais qu'est-ce que... Ah non, d'accord, pardon. Je pensais vraiment pas que le B de Fox allait permettre de remonter aussi bien. Et bien, tant mieux pour Céleste, pardon. Il va prendre quand même ce B. Et maintenant, c'est Nice qui revient un partout. Vraiment, là, c'est à mon avis... voilà. Céleste, ça fait pleuvoir. Les dash attaque de Fox, très très bien. Hein, qui est même combo starter, il me semble. Avec des pourcentages un petit peu plus hauts. Attention à ça, attention à ces dash attaques. On va remettre une dash attaque sur la tech chain. On va profiter pour mettre la pression. Et là, c'est Céleste. Il lâche pas. Et attention à cette situation de désavantage. Hein, Denis Singham, il le sait. Il ne faut absolument pas être à la merci de EPR. De Céleste et de B. Vraiment, c'est la clé du combat pour Nice. Attention à ce side B qui aurait pu être puni, ma foi, très fortement. Heureusement pour Céleste. Ce n'est pas chose faite. Nissinem qui fait pleuvoir encore une fois. Ce EB, il n'a plus qu'une seule cible dans sa manette. C'est incroyable. Il fait que des EB. Attention, regardez. Alors, je suis sûr que en double shield, il aurait pu avoir encore un EB qui serait sorti. Et la dash attaque qui va toucher. Voilà, Nice qui revient. Incroyable. Ce EB salvateur permet de faire douter Céleste. Il mène 1-0 malgré une situation vraiment compliquée au début. Hein. Vraiment. Très compliqué. Merci. Merci pour cette intervention, dame. Ça me semblait c'était pertinent de le souligner, tu vois. Exact. Très compliqué. Voilà, les mots du président sont là. Ils sont dit. C'était très compliqué pour Céleste. Mais cette fois-ci, on va changer avec des musiques de FF7, bien sûr. Des hommes de goût, hein. Des hommes de goût sur le stream. Ah, qu'elles sont bien, ces musiques. C'est Holobation, c'est toujours ça. Attends, je sais pas si ce sera. J'ai pas vu si c'était Holobation ou pas, mais si c'est du Holobation avec des musiques de la fête. Non, du Holobation, c'est forcément des musiques de Kingdom Hearts, donc ça veut dire que c'est un Battlefield normalement. Je sais pas, j'ai pas regardé si c'était le petit ou le grand, et c'est le petit. D'ailleurs, vous nous dites sur le chat hein, si jamais le son, il y a passé le son du jeu, ou si on entend passer les commentateurs, vous n'hésitez pas.
faire un petit retour. Et on est parti donc sur Small BF. Small BF qui va être une plateforme intéressante hein, pour Falcon qui permet d'avoir des bons combos starters. C'est pour Nice. C'est Nice qui gagne pour l'instant. Évidemment. Évidemment, bien joué. Comme disait Dame. Et là, le hub B. Hein. Vraiment, c'est Céleste en fait qui. Du coup, en fait, si on peut donner juste un souci qu'a peut-être Céleste, c'est le fait de trop prendre ce hub B. Ça fait la troisième fois. Oui, Smash, à chaque fois en situation où maintenant il a peur de ce B, il a systématiquement peur et Nice, il le sait, il en profite et à l'image de ce backer, il en profite pour prendre la stock. Attention quand même à cette situation, voilà, c'est pareil aussi côté Falcon, si vous êtes en dessous de Falcon, vous êtes à la merci de ces combos à base de upper et on est parti. Oh, il a voulu mettre le genou direct, il aurait peut-être pu placer d'autres upper. Il va pour l'instant essayer de mettre la pression, il va encore prendre ce save, mais attention, hey, hey. Et non, le genou bien esquivé avec le saut. Attends, voilà, on a essayé de passer un donner. Allez, là, c'est parti. Là, c'est la situation normalement favorable pour Céleste. C'est le moment de faire pleuvoir l'avantage de Fox, de montrer que le renard ne se laissera pas faire. Oh, le pilote. Là, ce side B qui n'a pas été puni côté Nice. Attention à ce side B. Oh là là, il a fait à mi-hauteur. Hein. Heureusement qu'il a sauté Nice parce que pour se prendre le coup. Allez, voilà, là, c'est la punition. Aïe, 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 aïe. On ne punit pas hein, côté Céleste. C'est bien dommage. Parce que là, pour moi, il y avait des ouvertures. Il y a des ouvertures. On n'arrive pas à prendre cette stock à 132% pour Nice. Nice qui conserve sa stock parfaitement. Et on replace des side B. On s'en sort. Hein. Voilà, ça y est. Des choses faites pour Céleste. Les compteurs sont débloqués. Allez, peut-être que mentalement ça va lui faire de bien, mais il va se prendre ce B à mi-hauteur qui va lui faire perdre la stock directement. Pas de possibilité de DI. Allez, on a des trades qui sont quand même en faveur de Céleste. Allez, qui va essayer de revenir sur cette stock. Attention, pas au positionnement. Hein. Céleste qui. Il faut qu'il garde ce positionnement en fait, très terre à terre, je pense. Parce que si on est pas trop près de Falcon pour éviter le B. Et pas non plus trop loin. Il y a moyen de provoquer des side B côté Nice et de bloquer et de punir. Voilà. Et bien joué, ça. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Il a bien joué de la part de CS. La très bonne punition. Il faudrait faire ça, en fait. Globalement, ce serait l'élément du match-up qui ferait débloquer. Et donc là, on a ce B. Dommage. Pas puni, encore une fois. Mais là, le B, encore une fois. Nice, il va continuer à faire des B malgré la distance. Ça peut le perdre. Essaye de revenir. Allez, attention, défavorable. Oh, il a tenté un petit Falcon Punch. Bah oui, bien sûr. La hype. Eh, bien joué, Céleste. Allez, il faut en finir, il faut en finir. Non, il a mis la pression. Ça n'a pas suffi. Attention à ce smash bien évité. Bien joué par la part de Céleste. Ça y est. Une stock partout. C'est encore faisable. Hein, pour le renard de l'espace. Et on essaie de faire cette dash attack, attention, parce que la dash attack se met en situation de punition de B. Et là, ce niveau-là de pourcentage, le B peut être fatal. Et Nice le sait, il va en abuser. Et c'est là où justement, attention. Oh, il me fait peur, Céleste, il me fait peur à venir comme ça avec les dash attack dans le shield. Et il va prendre ce backer qui va en terminer. Et le GG. Et le GG. Le 0 pour Nice. Nissignemu qui gagne le match FIPU. Qui tue et qui passe en demi-winner. Demi-winner pour Nissignemu qui fait un bon comeback. Il n'était pas venu depuis longtemps. C'est bien, il arrive, il est déjà en winner. Il est chaud patate là. Il est chaud et il est venu pour casser les bouches comme on dit. Quand on regarde ce petit. Lula Keto. Ouais, ce petit bracket. Quels sont les favoris à ton avis qui se dessinent là? Alors, moi j'ai envie de dire. Mais c'est bien, mais il est pas mal, je pense. Hein. Ah, attends, du coup, il y a le guide. Alors, pour moi, j'ai envie de dire, je pense que Vich. Ouais, Vich, ouais. Vich, il est chaud. Vich, il est chaud, il veut sa place parce qu'il a déjà fait des troisièmes. Il a déjà fait des podiums. Ouais, là, on n'a pas One Brawl ni Yuya. Ouais, ouais. Et je pense que Vich, il est venu pour dire c'est mon moment. C'est moi. C'est pour moi, celle-là. Elle est pour moi en début d'année. Bah, je pense que c'est Vich. Ah, tu vois, là, si je dois mettre une pièce, ce serait pour Vich. En tout cas, en top 3, je vois bien les 3 qui sont déjà en demi-finale, là, à mon avis. Ça va, qu'il n'y aura pas de remontée dans les losers. Je pense pas. Bah, après, il y a Emma, il y a Céleste en loser, il y a Orline aussi, ici, il y a quand même du lourd. Hein. Ouais. Il y a quand même du lourd, en vrai. Ah, du coup, je sais pas quel match, est-ce qu'on va mettre un Crinière Vich? Crinière Vich est stylé, hein. Ça va faire du Falcon Megaman. Crinière Vich est stylé, après, ça... Crinière est déjà passé en stream. Il y a Orline Emma aussi.
Bah on a vu Emma, mais... On va mettre en ligne. T'es en loser. Ouais, on va mettre un loser, t'as perdu. En ligne, Emma. Mets l'inferno. Ouais. Rist, donc, qui... Ok. Et bah la bagarre entre Guy et moi. Hein. En stream. La bagarre. Ouais, ouais. Mais l'inferno c'est chaud, hein, non? Bah... Mais arrête, à chaque fois que je fais des matchs, je me dis voilà, encore une fois, aïe aïe aïe, comme ça. Je suis là, je me prends la tête. Kranam, il nous dit HBK favori. HBK favori. Attends, HBK, il est encore en lice ou pas? Ouais, HBK, il est encore là, il a c'est battu vrai Siège. Il a battu Siège, non? Il a jamais été si haut. Il va faire un point, là. Là, il joue contre Céleste, donc à mon avis, son parcours va s'arrêter. Voilà, ça s'arrête là. Céleste, il va en profiter pour éviter les basiques. Voilà, c'était back to basics. Et donc là, on va... Emma, qu'est-ce qu'elle fout, là? Elle est où, Emma? Elle attrapée par sa queue de cheval, tu la ramènes sur le stream. Ouais, bah, elle entraînera plus tard. Et oui, car avant de gueuler comme un putois, je mute le micro. Parfait. Parce que je suis intelligent. J'avais cru que le chat allait être. Avoir les tympans complètement cassés. Non. Ok, on est bon. Ouais. En plus, j'ai vu qu'elle avait un petit anneau à son collier là. Je vais l'attraper, je vais l'accrocher, je vais la mettre dans le stream. T'as dû te régler cette histoire. La bagarre. Il y en a qui sont tous en train de s'enjailler à côté et nous, on est là. Tiens, Yuya de... Yuya, viens deux secondes. C'est quoi ça? Ah, c'est le truc de Barba Papa là? Non. Oh. Et on qu'est-ce a Yuya avec nous! Yuya le Tchad. Ouais, le Tchad. Ah, qu'est-ce que tu penses de ce bracket et qui tu vois en favori là? Alors, parmi ceux qui restent. Ouais. Alors, déjà, il faut savoir que Big, c'est mon tour à la base. Ouais. Et bon, YouTube. Bon, prends pas le seum, toi t'es en loser de toute façon. Oh bon! Par contre, carré. C'est chaud. Alors, Nice. Nice, il est chaud. Nice, j'ai joué avec lui. Franchement, il est bon. Ouais. Il y a des chances qu'il y ait une Nice. En fait, ça va dépendre. Ça veut dire que je vais rouler dessus, mais pas trop. Moi, tu sais quoi? Moi, dans les deux demi, moi, je vois Vish et Rist. En fait, ça va dépendre de la faculté que Nice a up-B fait l'Inferno. Ah, bah, t'inquiète que le up-B, il a déjà fait pleuvoir contre Céleste. Hein, déjà. Bah, on verra si ça. Alors, c'est très News certain. Tu vas faire ton match. Oh bah c'est Luke. News, c'est Luke. Ah bah, ils ont changé. Ah bah oui, bien sûr, il est tout le temps en toilette. Guy de Wolf. C'est vrai que c'est compliqué. Guy de Wolf, je pense que Wolf va se faire fumer. Ça, c'est pas cool. Ah merde, c'est là ça. Non, mais, alors, ça, c'est pas très gentil. Alors, j'ai gagné des matchs contre Guy de Wolf. Je sais. Et sans dire fumer, parce que ça c'est pas spécial. En plus. Je pense comme que Guy 2 par favori. Ouais, bien sûr, c'est normal. Céleste gagnera. Orline, Emma, je sais pas du tout. Ah, Orline. Ah, Emma, c'est sérieux. Orline, on va voir. Faut pas qu'il écoute, faut pas qu'il écoute. Nude, elle le sent pas. Céleste, il est parti. Je pense qu'on peut aller déchuter Céleste. Oh, il y a moyen. Ah, elle est là, trop tard. Trop tard. Bah, je sais pas. On verra. Ah, moi, je vois bien un petit Missing Game Vich en tout cas en top 2 moi aussi. Oh non, je veux dire ça. Moi je vois du Rift Vich. Hors de question qu'on tape un double Falcon en winner finale. Ah, non, moi je vois Rift Vich. Rift Vich, j'annonce. Bon, les petits loups, les petits souples. Ils ont commencé. Bon, à plus, Kranom, je sais pas s'il est déjà parti. Vous avez commencé? A plus, Kranom. On espère que tu nous rejoindras peut-être plus tard dans la journée. Vous avez commencé à jouer? Mais t'es giga sérieux là? Bah gros t'es en stream et tout là. Pas pour commencer hein, c'est pas les couilles hein. Ah ouais hein. Ah bah, on était pas prêts. Non mais les mecs ils sont en train de jouer dans ouais, j'étais même pas au courant moi qu'il avait commencé. On nage en plein délire. En fait, c'est en ligne quoi, c'est en ligne qui a l'habitude du stream quoi. En ligne il était pas au courant hein, c'est la première fois qu'il vient. C'est la première fois, il a dit pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de passer en stream. Ah non mais. Un délire ces deux-là. Bon, en tout cas ça va, c'est des hommes de goût. Ça sont des gens de goût, pardon. Ouais mais sous la gueule du monde. Ce sont des gens de goût avec Colobation. Emma. On a j'en plein délire, mais ouais, carrément. Le vice-président là qui respecte même pas le stream, non mais. Mais attends, je comprends pas, il y a El Farah qui est là plus en stream, plus sur le stream. Non, El Farah il est pas là. Ah oui, je suis bête. Non mais non, El Farah il est pas là. Allez-y,
Ça manque, ça manque d'une S, Alpharin. Ça manque d'une S. C'est bien fait pour eux, ils avaient qu'à attendre. Ouais, bah bien fait. Bien fait, respecte bien fait. Pas notre travail. Chet. Eh, bisous, Kranom, en fait, j'ai pas vu. Ouais, il est parti, je pense. Ah, il a dit. Mais je sais pas s'il nous rejoindra plus tard. Ah, peut-être ce soir, il va peut-être. Passer. Ouais, bah il est pas loin, attends, ce serait quand même normal qu'il passe. Manger, quoi. Il va venir manger une crêpe. Bien sûr. Les charros. La base. On a en tout cas M qui a repris son Luigi. Et Orlin, hein, fidèle avec son petit Lucas. Et, globalement, un match-up, en fait, ils sont, je pense qu'ils ont fait pas mal de matchs l'un contre l'autre. Et c'est assez équilibré, globalement. Là, j'avoue que j'aurais du mal à donner j'aurais du mal à décider qui pourrait gagner ce match. Ça va être intéressant en tout cas. Pour l'instant, en fait, je pense que tout va se baser, encore une fois, c'est vraiment par rapport à Luigi. C'est-à-dire que si Luigi trouve les ouvertures de shop, il y a moyen. Bien joué en tout cas, hein, de la part de Emma. Le timing de remontée. Patience. Patience est mère de vertu. Elle le sait, Emma. Elle prend son temps. Ça, c'est vraiment un truc où Emma, en tout cas, est très forte. Et arriver à varier les timings de remontée. C'est quelque chose, je pense que c'est vraiment l'un de ses gros points forts. Il manque un petit peu en fait, Emma, pour vraiment être dans les meilleurs, c'est une bonne exé. Je pense qu'il y a des petits soucis d'exé qui fait que justement il y a des ouvertures là qui pourraient faire très très mal et qui malheureusement ne font pas mal comme il faudrait. Bien joué, ça c'est le B de Lucas. Le B, hein, ça fait super chiant quand même. Et du coup, on voit que le side B de Luigi trade là-dessus. Super embêtant pour Emma, mais heureusement pour elle, on a quand même 141% au compteur de Lucas. Il pourrait se débloquer si seulement Emma pouvait trouver une ouverture, ce qui n'est toujours pas le cas. Et avec ces side B qui vont agresser direct off-screen, il y a la rentabilité de ce side B là. Orlin qui a très bien joué, hein, là-dessus. Il a profité de l'horizontalité du Luigi d'Emma. Pour mettre des piquets fire. Oh voilà, enfin, ça y est, on débloque le compteur. Une stock d'avance, hein, pour Orlin. Et bien décidé à la conserver. On essaie de placer de B. Oh, bien joué là, le positionnement de d'Orlin là-dessus. Très très bien joué, hein, qui a permis d'anticiper la roll. Oh voilà, on a essayé de spike. Ça s'est bien joué, hein, côté Emma. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On laisse pas le temps à Orlin de faire son B. Et on spike direct. Tout ça pour se prendre ça. Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait un petit beau move pour mourir derrière, on dirait les morts, tu sais, digne de mon skill. À mourir bêtement comme ça, aïe, 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 aïe. Pas comme ça, Zinedine, ça pourrait très bien marcher là-dessus. 1-0 pour notre brave Orlin, qui adore les chamoniques et qui démarre les streams avant tout le monde. Non mais maintenant tu peux enchaîner, hein. Vous pouvez enchaîner de toute façon, hein. Une fois que c'est lancé, ça va. On est reparti pour le deuxième match, let's go. Et Emma qui reste sur son Luigi. Je pense que c'est une bonne idée parce que il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire avec Luigi. Sachant que le match d'avant, justement, on avait vu ce waft qu'elle n'avait pas pu placer avec Wario. Et ce serait dommage quand même de se priver de la mécanique principale de Wario, hein, qui permet carrément de prendre, on va dire, presque une stock de zéro, hein, avec un combo starter. Allez, voilà, on va essayer de mettre les... Voilà, on met un petit UB, c'est dommage, il manquait un petit peu là pour éjecter. Mais en tout cas, c'est bien joué là, de la part d'Emma. Voilà, on joue simple, il faut jouer simple et rentable. On va pas essayer de chercher les dingueries à mettre des setups 0 to death. Essayons de rentabiliser vraiment là où on arrive à toucher. C'est pour l'instant la philosophie qu'elle a l'air d'avoir... emprunter Emma, et c'est très bien comme ça. On met des side B, hein, et pourquoi pas avec ce backer, voilà, hop, avec une petite tonne, pourquoi pas, hein. Bah oui, allons-y. Attends, qu'il faut tant qu'on meurt pas bêtement, ça me va. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Et la DI-in, hein, de Orlin qui a bien vu, alors que potentiellement c'était un risque, hein, parce qu'il aurait pu se mettre hors off stage, mais ce n'était pas anticipé par Emma. Du coup, il a pu se sortir de ce pressing. Mais par contre, hein, c'est Orlin, hein, qui est en retard, qui va prendre cette chope. Attention, ah, on cherche. Bien joué, hein, on cherche à sécuriser Orlin qui sait bien, comment dire, qui sait bien quand même se sortir des situations de désavantage.
Il a profité un peu de son placement. Voilà, on va essayer de faire du Z. Peut-être pour attraper le ledge. Voilà, là c'est bien joué. Ce up B qui va permettre d'être tranquille. Mais là il y a une ergot, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aïe 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 aïe. Orline, c'est au tour d'Orline maintenant de faire des bêtises. Dommage, en tout cas on trade les Piqué Fire avec les boules de feu de Luigi. On va essayer de mettre ce UB qui va être bien rentabilisé. Non, mais pas encore. Et la stock à nouveau prise par ce UB qui va gratter comme il faut. Maintenant c'est Orline qui permet de revenir complètement à égalité. Allez, là c'est le moment, voilà. On met les combos, 50% au compteur. Voilà, c'est ça qu'on veut voir côté Emma. La puissance de Luigi sur la shop. Eh bien, je vais là-dessus le contre. On va mettre un petit jab qui va permettre en situation d'avantage côté Luigi. Ce backer qui va permettre de reprendre l'avantage. On met des ventouses. Et Orline qui revient. Malgré tout, j'allais dire qu'on le stage et il va prendre ce B en pleine poire. Voilà, un partout. Bien joué. Bonne réaction de la part d'Emma. Ça fait plaisir en tout cas. Comme quoi ce match, je l'avais dit, était très serré. Si Emma continue à faire continuer ce jeu de shop où on place pas les meilleurs combos, mais en tout cas on arrive quand même à placer quelques extends, on pourrait appeler ça, quelques prolongations, des extensions de combos basées sur la shop, très rentable, pas très dangereuse, pas très difficile, mais très rentable. C'est ça qui lui permettra de prendre l'avantage. Mais en tout cas là c'est et aussi par contre pour moi c'est Orline. Orline a fait quand même deux erreurs globalement sur les remontées au ledge. Donc on va voir ce qui va se passer. Globalement pour moi, s'il n'y a pas d'erreur au ledge, ce serait plutôt côté Emma. Mais on ne sait pas. Après moi, ça a l'air de vachement déranger Emma, ce FB de Ness quand même, de Lucas pardon. Mais Lucas, très chiant. Oh là là, on commence direct avec des side B. Du coup, Emma qui a changé complètement son plan de jeu. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, ça permet de varier les distances, en fait, parce que la distance de shop, chère dame, est assez proche, alors que le side B permet de toucher plus loin. Et du coup, en fait, tu peux dire, bah, je suis en portée de shop. Oui, il peut y avoir un side B qui sort comme ça, nature. Petit bait de shop. Petit bait. En tout cas, avant tout, ce qui trade avec le Piqué Fire. Voilà, et c'est parti. Hey! Ah, dommage. La DI out de Orline qui a permis de se sortir du combo. Allez, on essaie de replacer l'avant, c'est parti. Aïe, 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 là, c'est passé la DI-in. Orline qui a varié, il a fait DI-in. Et Emma qui n'a pas pu les deux fois faire ses combos. Mais malgré tout, c'est pas grave parce qu'on a une dash attack. Tu mets en situation d'avantage côté Emma. 95% au compteur d'Orline. Globalement, Emma est plutôt bien. Continue avec cette shop. Voilà, qui n'a toujours pas été... dommage, Orline qui met le shield devant. Mettre le shield devant Luigi, hein, c'est limite avoir des tendances SM. Je veux dire, vas-y, chope-moi, vas-y. Chope-moi, j'adore ça. Oh, le bout de double ! Oh, mais non ! Il a voulu gagner des points de swag, Emma. Elle a voulu gagner des points de swag, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Bon, la dash attack qui a rattrapé. Allez, pour l'instant, le trade. Et là, on est sur la deuxième stock. Hein, ouais, bah oui, je sais. Guy de Wolf, facile. Je sais. Putain, par contre, un commentateur, merde. On y sera. Comme tu veux, en tout cas, pour l'instant, on a la shop. Bien placé. On avait le donner de Emma, mais qui n'a pas encore eu de suite. C'est un peu comme des saisons de Jojo. On attend la suite, mais il n'y en a pas. Et ce B, encore une fois, c'est la même ritournelle qui se passe. Le B qui va défaire la stock de Emma. Et on place des tones, Emma qui est en roue libre, complètement en roue libre. Placer des tones. Alors je sais qu'il y a une tone de Luigi qui tape, mais bon, on va dire que quand même, à placer dans un match, c'est pas le genre de truc à faire. Mais bon, on est là pour le swag, hein. Je pense qu'on est là vraiment pour gagner aussi des points de style. Et oh, c'est stylé ce qu'il nous a fait Orline là-dessus. Absorption avec le Z pour se raccrocher au ledge. Pour l'instant, on trade les boules de feu. Pour l'instant, on joue très safe hein, côté Emma. Je pense qu'elle ne veut pas forcément commit trop sa stock. Essayer de la prendre de manière relativement safe. Mais Orline, il n'est pas de cet avis. Il le fait bien comprendre. Il va quand même prendre cette dash attack. Ça ne suffira pas, les boules de feu. Ce backer qui va permettre de reprendre une situation d'avantage. Mais ça ne suffit toujours pas. Il faut trouver un backer en position là du ledge. Ce serait le compteur pour la stock. On va remettre une dash attack. Mais ça ne suffit pas. La dash attack qui éjecte un petit peu. Voilà, il fallait placer un backer à ce niveau-là. Parfait. Bien exécuté de la part d'Emma. Et ça y est, maintenant on a des possibilités de revenir. On a la possibilité de gagner ce match. Allez, c'est parti. Hey, hey. Ah là là. Et du coup, la plateforme a permis à Orline de se sortir du combo. Et après,
On a quand même Emma qui est revenue complètement, même en position d'avantage, à prendre cette boule de feu en ligne. Attention là, et voilà, Emma qui va être beaucoup plus patiente, Emma. Hein. Là-dessus, on varie avec des boules de feu, on prend son temps, on essaie d'attendre, on ne place pas des shots n'importe comment. Beaucoup de dash attack qui passent aussi. Et au final, c'est Orlin qui a du mal à punir cette dash attack. On a, essayé de... enfin, on a des punitions, mais finalement, tellement légères que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tenter des dash attack. Donc, Emma peut se faire plaisir. Et les ventouses d'Emma qui vont toucher un minimum. Attention à ce B. Est-ce qu'on tente... Non, on ne tente pas côté Emma. Voilà, on essaie de pas trop commit. Hein. Ce serait dommage quand même de perdre cette stock. Deux matchs où on a tenté le smash, puis très légèrement par Orlin. Là-dessus, et la dash attack qui va remettre en situation d'avantage de Luigi. Orlin qui va prendre son temps. Voilà, on va évidemment raccrocher le ledge avec le Zen. Et là, c'est ça bon. Tue. Le backer salvateur d'Emma qui finalement va prendre ce match après avoir été limite malmené au début. Et ben en fait, elle a réussi à prendre, à garder son mental, garder la patience, tranquille. On attend le bon moment et c'est à ce moment-là qu'on surprend. Wolf, je vais te laisser aller faire ton match contre D2. Et bah allez, oui. Allons-y. Tu veux venir commenter? Tu veux venir commenter? Let's go. Vich, Vich et Crinière en stream. Ah, tu joué, Wolf et D2, tu les fais jouer en stream ou pas? Non. Non, c'est bon, Wolf et G2, les gens payent pas pour voir ça. Merde. Les gens payent. Oh, comment tu parles trop mal de ton commentateur e-sport préféré? Ils veulent voir du vrai match. Ah, mais j'ai rien à dire sur ton commentateur. Bon, Nice, moi je dis que t'étais favori là pour ce tournoi. Favori aujourd'hui? Non, il y a G2, il y a Emma. Oh mais G2, c'est de l'eau et il est déjà en loser, G2. Ouais, G2, c'est de l'eau, il est en loser, mais parce qu'il a joué contre Emma au premier tour. L'organisateur, il a fait n'importe quoi, il a voulu faire un sinning random. J'ai tout jeté les noms comme ça, allez hop, on y va. Après, j'ai demandé, personne n'a rien à dire. Donc... Oui, non. Elfara qui se salue. Re, Elfara. Elfara, c'est pour pas venir, mais passer ta journée sur le stream, autant que tu viennes, j'ai envie de te dire. C'est fait d'Aronet, Elfara. D'un sens, hein, finalement. Alors, mais oui, j'étais dans les têtes d'affiche, mais je me mettais pas gagnant d'office. Après, il y a Riz contre toi, mais je pense qu'il a eu un. Ah, il a mis 2 ans. Ouais, non, il a battu I2. Ah, oui, non, c'est I2 a battu M et il a perdu contre. Ouais, moi, je veux bien vicher toi en grande finale. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Une finale Falcon, ce serait. Ah, ouais, non. Bien. Moi, ça me mettrait bien, tu vois. Ah, Yuya, il a dit non, par contre. Yuya, il a dit qu'il refusait. Ouais bah écoute, Yuya il va rien faire du tout. Yuya il sait pas. C'est vrai qu'il va rien faire. Yuya il s'est pas inscrit, du coup il a pas son mot à dire. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors sinon d'autre côté on a vu. Mais ouais là il y a Emma et Guido qui remontent le bracket en fait chacun de leur côté. Ouais. Et je vois bien, un des deux arriver en loser final en fait contre donc le perdant de la winner finale peut-être chez moi et peut-être pas une grande finale. De toute façon, on va te faire passer en stream, tu vas juste après. Ouais, messieurs, on vous attend impatiemment. On a Falcon contre Megaman ou Lucina à voir. Ouais, il attend ça. Il change selon le match-up. Ouais, c'est ça. Bah, il a commencé avec Lucina tout à l'heure contre News. Il a gagné la game 1, puis il a perdu. Après, il a counterpick Megaman et il a gagné de manière moins serrée que les deux games précédentes. Alors, dans quel côté ils vont être les Lascar? Je crois qu'on a... Orlin à gauche. Ah non, Orlin à gauche. Non, on a Crinière à gauche. Crinière, t'es à gauche, hein? Non, ça a l'air d'être Vich. Non, c'est Vich. Hein? Et à droite. Fort bien. De toute façon, la vie, ça va peut-être changer parce que Vichy va devoir faire ses commandes. Si tu veux. Ah ouais, ils vont pas m'embêter, puis ils vont essayer de gagner. Possible. C'est une demi. Non, c'est un quart. Non, c'est les winner semi. Ouais. On est en top 6 winner. En top 8 winner, mais en top 6. Yes. C'est arrivé vite. J'ai à peine joué deux matchs. On m'a dit qu'en top 8, j'ai fait A.
Ah bah oui, bah après on est que 20. Donc ouais, oui, mais forcément... c'était étonnant. Comme j'ai commencé T2, rapide. Ça va rapidement. Ça sent, à chaque fois que je vois mon pseudo, j'ai trop le seum. Tu l'as écrit comme ça se prononce, Thomas. Ouais. Avant, tu le prononçais pas comme ça s'écrivait. Là, tu l'as écrit au moins comme ça se prononce. Attends, tu l'as pas vu comment j'ai écrit mon stream aussi. Ah putain. Je vais mater la VOD tout de suite. Pas la voir. Si, je peux. Ouais, elle est mise tout de suite. Enfin, tu peux la voir directement. Ah ouais, je sais même pas. Comme ça, parfois tu peux faire un clip et que ça fait plus d'une minute. Ok, 30, tu peux revenir dessus. Alors, du coup, comment il m'a appelé cet assassin? Reste la phrase. Miss. Oh, allez, aïe. Alpha, je t'autorise ce message. Fuck you, Ya. Le message de Raph dans le chat. Fuck you, Ya. C'est écrit là aussi. Ah ouais? C'est écrit où? Regarde le tag de. Ah yes, on aime! Let's go! Non, c'est bon les gars, allez-y, on est plus que prêts là! Allez, c'est parti! Et Vich, c'est mini à gauche, donc c'est bon, ils n'ont pas changé. Parfait. Et donc Megaman, match-up dégueulasse, si on me demande mon avis. Dégueulasse pour Falcon il va t'empêcher d'approcher. Il va envoyer des citrons pendant toute la partie. Il va t'empêcher d'approcher. Il va gratter des pourcents comme ça. C'est à peu près comme ça que ça se joue. Empêche d'approcher, garde à mi-distance et tu peux pas le toucher. Et pour l'instant, c'est Vich qui prend l'avantage. Tu miserais sur qui là? Franchement, je connais vraiment pas Cagnard, donc je ne saurais pas dire ça. S'il est là, c'est qu'il est pas mauvais. S'il joue correctement le match-up, il a toutes ses chances. Ouais. Et pour l'instant, gros avantage de la part de Vich sur cette première stock. On voit, il est déjà kill pourtant Cagnard, donc la stock va pas tarder à partir. Voilà, hop, un dernier. Sur ce ledge drop. Donc seulement 60% infligé sur Vich pendant la première stock, c'est ça part mal pour Crignard. Là il se fait gratter. Et avec un up tilt out of shield, il réussit à prendre la première stock de Vich. Et il s'est pas fait gratter tant que ça, il a pris 30%, là il a 40%. Ça reste plutôt serré, il a réussi à rattraper son retard comme il le fallait. Up smash into up smash, quit again, comme je dirais, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle le mec qui fait do it again, le même do it again. Bref, on s'en fout. C'est pas la ref, malheureusement. On va pas avoir les mêmes timelines. Cible. Deuxième stock plutôt serré du coup pour l'instant. Voilà, évidemment 1% d'écart. Donc c'est très close. On envoie Mega Man of Stage. On essaye d'être guard mais c'est raté. Et retour au neutral. Des citrons. Grab. Et voilà. On a perdu dans l'air. On a raté son drift sur le up B. Et la stock a été prise comme ça. Vich s'est chié dessus, c'est trop dur à dire. C'est super dur à dire. Et voilà, on réussit à. Il est venu chercher, il n'a pas le temps. Et on revient encore une fois, plutôt serré. Voilà, passe d'avantage de la part de Vich, il reprend l'avantage rapidement. Et Village Trap, Reverse. Il a tenté le tout pour le tout. Il a encore manqué de se faire reverse. De peu. Il a failli prendre ce dernier. Et... un peu client des dernières pour l'instant. C'était un bon élément de match-up. On est joueur bien. Falcon avec des dernières comme ça. Et je pense qu'il commence à comprendre. Et il commence à essayer d'en abuser un max. Pour l'instant, ça paye. Il a 40% d'avance. Megaman n'est pas encore à 10%. Alors que Falcon, il est. Stage, on tente un edge guard audacieux. Vraiment. Ça avait pas besoin de pâté. Et le dernier. Le dernier qui tue qui prend la game 1. Game 1 pour Crignard.
c'est vrai que c'est un gros match quand même. Hein. Plutôt serré. Des grosses passes d'avantage de la part de Mich, mais plus de win de neutral. C'est ça qui a payé pour Kenya. Revenir sur le bastion. Les bans fait très rapidement, on retourne sur le même stage. Même match-up. Comme ça, c'est un match de grande finale, ça, en vrai. Peut-être le dernier pack. Ouais, ça va potentiellement en grande finale, ouais. Mich est en top, dans top 5, et ça, en remontant tranquillement le 12 en bracket, on va en grande finale. Il est pas en loser, ça va se mettre en loser, toi. Non, mais s'il va en loser, si jamais, il va en loser, là, mais les deux vont potentiellement remonter le 12 en bracket et aller en grande finale, j'en doute pas. Voilà, une game qui démarre complètement de la manière inverse par rapport à tout à l'heure. C'est Krenyar qui ouvre les hostilités et qui prend l'avantage sur Vish. Déjà 60% d'avance. Alors que Vish rate ses tech chase et ses phases d'avantage. C'est vraiment à l'opposé de la game précédente. Toujours des edgeguards audacieux de la part de Vish, il perd souvent l'avantage là-dessus, il faut faire attention à ça, parce que ça lui coûte des phases de ledge trap qui sont précieuses. Et voilà, et là il est mort. Il va pas pouvoir remonter ça. Ouais, c'est compliqué, Vish, il lâche beaucoup. Passe davantage en allant offstage et Krenyar abuse de... l'avantage qu'il a au stage par rapport à Falcon, il peut remonter beaucoup plus facilement pour reprendre le ledge directement et prendre le ledge trap. C'est pas loin de tuer, c'est un beau setup. Malheureusement, on a touché le surspot du légendaire de Megaman. Et Ishpen à prendre des pourcents, à prendre des coups et à tuer. Et là, il serait plus que temps d'arrêter de se faire gratter. Non, ça va être compliqué de reprendre la game juste après. Quasiment une stock de retard. Pour Bich, c'est dur. C'est dur et voilà, la stock est prise. On se reconcentre, reset mental. Et on est reparti backer. Il est pas très très bien dans le... Là il se fait plus toucher avant la fin de la game, c'est tout. Il a tapé dans les mains, il se fait plus toucher. J'ai menti. Mais il prend quand même cette stock, donc une stock de retard pour Vish. Il va devoir gagner plus souvent le neutral et rater moins de phases d'avantage. Il peut remporter cette game et tenter de reprendre le set. S'il n'y a que les finales en BO5. Ouais. Top 3 ou top 4 chez... Top 3, c'est pas bien. Peu importe, pas ce match-là en tout cas. Là, c'est la game stock décisive même pour Vish. Ouais. Le dernier qui est pas passé, on a touché le surspot. Les combos starters manquent, les phases manquent. Et ça se sent venir encore creuser l'écart, encore plus que tout à l'heure. C'est dur. Voilà, Vish est là, le nid qui passe, le DI out de la part de Krenyar, ça va peut-être lui coûter cher. En attendant, il se fait la trap. Vish va moins offstage, Vish a compris que l'offstage c'était pas forcément une bonne idée contre Megaman. Et du coup, il garde son... Bon, vas-y, il me fait mentir. J'allais dire qu'il gardait son... Ça, c'était la malédiction du commentateur, je vais dire un truc, mais non, d'un autre côté, en vrai, c'est logique qu'il aille offstage après plusieurs fois où il va pas, c'est du conditionnement, c'est normal. Il prend cette stock, ça paye. Il prend cette stock qui remonte peu à peu, là ça va être compliqué. Déjà, à quel pourcent il va falloir perdre le neutral très peu de fois, Krenyar qui fiche pour des... On voit Krenyar qui fiche pour des kill moves. Donc on est très proche de la fin de cette game. Et voilà, sur une air dodge, Oled qui n'aura pas accroché. Ouais. Krenyar remporte ce set. Et passe en finale. Passe en winner final. Vish qui doit très certainement manger trop de frangipane. Bien joué aux deux joueurs. Et c'est pour ça qu'il chute. Vish, c'est bien de bord du stage. Vish, c'est bien adapté à la dernière stock, mais il était un peu trop tard. Et c'est dommage. Tout à fait. Krenyar a bien joué le match-up et voilà. Comme je disais, c'est dégueulasse. C'est pas de la faute de Vish s'il a perdu, c'est la faute du jeu. Voilà. Ouais, ça, j'aurais pas la même conclusion, mais c'est pas grave. Non, moi je soutiens les Main Falcon. Ah, attends, encore les Main Falcon, va y en avoir un autre on-stream maintenant. I2 qui a vaincu Wolf
dans la bataille des commentateurs. On aura un guide de Stellaire. Là, il y a des matchs de fifou. Un top 8 là. Des matchs de fifou. Les matchs de Zinzin. Emma Snellac, Guide Céleste, Premier Vich, donc ça, ça a été fait. Premier qui passe en final winner sur un 2-0. Et Nissinem qui va donc jouer contre Rist. Rist, tu l'as appelé, Rist? Ouais, c'est celui-là. Ok. Donc, un commentateur. Guide ou Wolf, vous voulez commenter? Wolf, Wolf, tu as commenté le commentaire? Ah, ça marche. Ça, bah, j'irai chercher un petit goûter. J'ai faim. Non, non, non. Le truc fini. Ça va? Bah, toi aussi, mon gros. Ça va? Ça va, ça va. Tu viens de montrer en stream, c'est ça? Tu viens de montrer ta. La cri-cri avec nous. J'espère que vous allez le reste du tournoi. T'as du mal avec la caméra. Ah, bah là, du mauvais sens. Là, on a du sale gros match, hein, mon gars. Là, bah, ce top 8 là. Il y a du sale là. J'ai vu le match là. Krinjervich. Il a eu 2-0 en fait, hein. 2-0, Krinjer, il est chaud. Je m'attendais pas du 2-0, tu vois. Franchement. Ah bah, Guido, il est... Bah non, mais Guido, enfin, qui joue, tout ça, quoi. Guido. Ah bah, Guido, il va devoir, il va devoir jouer, ouais. Bouge-toi un peu, parce que tu vas fumer, là. Et après, tu passes ton match aussi, hein. Faut libérer Céleste et Vich, là. Ouais. Bah en attendant, on a quoi? Donc on a Nissi Rist alors. Ouais, ah, ça va être stylé. Fais l'Inferno Falcon. Surtout, comme on va être bloqué, je vais balancer un. Regardez. Fais l'Inferno Falcon. On a pas vu Rist encore en stream. Si? Ah, bah si, il arrive là. Mais voilà, c'est ça que tu lances en stream. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Non, mais c'est pour celui d'après en fait. Ouais. Après, t'as Emma. Ouais, bah, Snella qui est passé ou pas encore en stream? Il est passé, ouais. Tout le monde est passé là. Et ben, Guide de Céleste. Alors à ce moment-là, Guide de Céleste en stream quand tu reviennes. Quand tu reviens, ah, Guido. Ah non, ça va être trop long. Non, je vais trop long. Amit, je vais faire les losers en off. Et ben sinon, à ce moment-là, après ce match-là, tu fais directement Krinjer contre le gagnant. Pas la porte, là. Krinjer contre le gagnant, alors. Là, tu lui claques dans la gueule. Ah, mais du monde. Ouais, 19 aujourd'hui. D'accord, le 20ème, il joue pas. Le 20ème a décidé de ne pas jouer. Ouais, il est trop fort. Hein. Regarde, on a Fong là, derrière, là, qui a pris sa photo. Il est trop puissant. Ah ben, ce que je vais faire, ouais. Emma, tu vas faire ton match en off. Et après, on fera le. Non, après, on va faire la finale winner direct. On verra. Là, je fais commerciaux là. Alors, donc, notre match. Ça va donner quoi là? Je sais quand même parce que. Tiens, bah, je vais te mettre HBK en régie. Parce que moi, je vais chercher. Elfara, très présent. Hein. Merci, Elfara. Ouais. Si c'est pour qu'il passe sa journée en stream, autant qu'il vienne ici. Mais oui, au lieu de passer sa journée en stream, là, il aurait été pas prêt. On aurait été content en plus, t'aurais même pu passer. Nice, vous attendez deux secondes, s'il te plaît. S, un I. Voilà, c'est dur après un G. Vas-y, fais le G, fais le G. Ici, avec un C. Ah mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette régie, au secours, la régie au fait. Ah oui, d'accord, mais t'as fait exprès, d'accord. Ok, Nissinem, Nissinem à la Bernard Pivot, t'inquiète. Let's go, demi-winner. Bon, elle fera la prochaine fois, tu viens. Comme ça, tu passes la journée avec nous, là. Ouais, c'était là que normalement ça va partir en off, Elfara, je suis désolé, mais sinon ça va prendre trop de temps. On va déjà être 6h là. Bah allez, en attendant, demi-winner, Rist, Rist qui a fait son. C'est quoi, c'est sa première venue, je crois. Hein. Première venue, ouais, en ranking. Ami de Krinjer. Ami de Krinjer, et donc qui a un sacré Fel Inferno. En tout cas, pour l'instant, il est en demi. Bah, et Fel Inferno, on n'a pas l'habitude. Hein. Il a mis 2-0 à Guido. Il a mis 2-0 à Guido, mais après Guido, je pense qu'il connaît pas bien aussi le match-up. Et donc, 2 à 15.
Ah non, 2-1 à 15. Non, bah après le reste, bon, il a eu un. Ouais, il y a un petit parcours. Bah, pas Guido, quoi. Il y a juste. Oh là là, Nice, il est chaud là. Là il nous a mis là, un spectacle. Il nous a mis la max. Aïe aïe aïe, dommage, Risla qui se rappe là-dessus. Et dommage, on va remettre la même. Oh, il a voulu remettre exactement la même avec le genou, mais ça va, cette fois-ci, la vieille a pas été différente. Voilà, côté Risla, on varie, bien joué avec ce upper. Ouh, on transpire, hein, côté fait l'inferno, parce que la combo était mise. Voilà, ça va faire mal. 46% avec le. 46% avec le counter, hein. Ça fait mal. Fait l'inferno bleu, c'est stylé, hein. J'adhère complètement. C'est le swag infernal. Ah, on a Nice en tout cas qui essaie de placer encore une fois des ouvertures avec des side B, mais ça ne passe pas parce que en fait les side B malheureusement, jamais à un moment donné tu peux prendre aussi le side B de Fel Inferno et ben c'est lui qui te chope. Donc tu peux pas vraiment t'y prendre, hein. C'est pas pareil que contre Fox. C'est pas la même mayonnaise comme on dit. Et là, pour l'instant voilà le side B full range de risque qui va permettre de prendre la stock. Et bien joué, hein, parce que du coup, le positionnement était idéal, puisqu'il était déjà près du ledge. Donc, ça rentabilise complètement. Voilà, merci. Même, il a attendu patiemment et le smash est passé. Parfait. Le score, c'est bon, non ? Mais non, mais c'est parce que t'es pas sur la bonne scène. Donc, cool, et P1. Oui, t'inquiète. Au besoin, moi, je suis là. Pour l'instant, on a la bonne dash attaque. Qui... Oh, il a voulu. Il a voulu attendre un saut de Nice Inem, mais ce n'est pas venu du coup de side B à whiffé. Il n'y a pas eu vraiment de grosse punition. Et là, c'est vrai. C'est le moment de Nice de essayer de revenir. C'est dommage, il n'y a pas de follow. Attention à ce B. Il va prendre ce side B là-dessus. Allez, risque est très très bien dans son match. Oh là 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 là, cette couverture de ledge. Nice, il ne sait plus trop quoi faire. Il va reprendre ce side B. Est-ce que c'est la fin? La corde à linge. Et voilà. Risk qui prend ce premier match. Il est très chaud. Hein. Il est chaud. Hein. Et en plus, Fel Inferno, du coup, Fel Inferno, alors, c'est un perso qui n'est pas considéré comme dans les mid-tiers, plutôt low tier. Sauf que, en fait, Fel Inferno, les gens ont du mal à connaître. Du coup, tu as plein d'options. Ouais, c'est ça, c'est Risk. Mais du coup, Risk, il a 1 et Nice 0. Voilà. Fel Inferno, comme je disais, ouais, donc, quand tu ne connais pas, et ben, en fait, tu prends toutes les dingueries, toutes les. Toutes les douilles du perso. Et en tout cas, Rift le joue très très bien. Bon, il a pris ce combo hein, de Nice. Je crois qu'il n'a pas aimé. On va voir ce que ça donne. Si Nice va changer son plan de jeu. En tout cas, cette fois-ci, on change. On va être sur Smashville. On est parti. Et pour l'instant, le bon. Lariat de risque qui touche et là on va mettre les gros coups à 71% déjà pour Nice là. Oh, atterrissage, attention du coup Nice il sait pas trop comment s'y prendre là, il essaie de choper, ça va pas le faire, il va où, il allait casser le shield hein. Il a bien fait Nice de prendre le coup là dessus et Nice qui est pas bien, il est pas bien du tout dans ce match, il va prendre encore ce forward air là et risque il l'attend patiemment, il l'a attendu, il a dit vas-y pose-toi prépare, c'est bon t'es là, allez bim, voilà il prend la stock. Oh Lariat. Je crois Nice qui est un peu désemparé là-dessus. Il ne sait pas quoi faire. Hein. Il ne sait pas quoi faire parce que tu shield, il va à l'Ariat. Il va casser ton shield. Tu ne peux pas shield. Tu prends la chope. Enfin, bah, il est à court d'options. On voit que là, il ne s'attendait même pas à réussir à choper. Nice, il ne sait pas trop quoi faire en fait. Là, il va reprendre cette corde à linge. Et deuxième stock prise par Paris. Ça va être expéditif, j'ai l'impression. Alors qu'on sait qu'il y a des soucis côté fait Inferno. Voilà, il y a ce up B qui peut être prévisible. Enfin, qui peut, on va dire, si tu ne fais pas au bon endroit, bah, tu manges le ledge. Du coup, tu peux te faire attraper. Et en tout cas, il perd face à stock. Hein. Il est bien patient, Riz, là-dessus. Ah, il va refaire. Voilà, il va manger du pourcentage, en fait. Ah, voilà. Up smash de Nice. Ça va permettre de respirer un petit peu. Mais serait-ce suffisant? Je ne crois pas. C'est en très mauvaise posture là-dessus, je ne le sens pas. On n'a pas le nid des meilleurs jours parce que le match-up il est pas facile. Allez, on va essayer les combos. Il a tenté le tilt. Ça n'est pas passé. Pas assez rapide. Et là, on va mettre la cible dans l'air côté risque. Peut-être qu'il va faire repère. Non. Laisse tranquillement. On va faire le Lariat. Ça va donner le position d'avantage. Touriste. Bien joué ça. Nice qui a tenté le Dumb B. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il ne l'avait jamais fait avant.
Et là, il sait pas comment revenir. Hein. Il sait pas comment revenir au ledge. Allez, peut-être avec ce combo, le nid bien esquivé hein, par l'air dodge de Riss. Et là, on va mettre le combo. Dommage, il y avait une possibilité là-dessus sur un B ou sur quelque chose. Et dommage, ça n'a pas touché. Oh, bien joué. Up smash qui a empêché Inferno de faire son catch-up. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est bien vu côté Nid. Le problème, c'est qu'il est déjà à 110%, donc il y a du retard à rattraper. C'est faisable néanmoins. C'est faisable. Voilà, c'est ça qu'on veut avec des combos. Bien joué. Là, 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 il est chaud, Nid. Là, ça y est, il s'est transformé en Super Saiyajin. Attention, oh, là, il y a été. Et du coup, il n'y a pas eu de punition. Et c'était du coup le nerf. Bien joué de la part de Riss. Pop, pop, pop. Ah, il est chaud, hein. Il est là pour casser des bouches. Et du coup, ça va faire Crignard et Pot qui se retrouvent en finale, winner. Voilà, 2-0. Nous avons nos deux finalistes winners. Et maintenant, nous allons faire... Bah, en fait, je me demande même si en stream, on va pas passer directement à la finale, parce que finale winner, parce que, en fait, les... Ouais, je pense qu'on va enchaîner. Hein. On va enchaîner la finale winner en stream. Ah du Allez, coup, Crignard, tu joues. Crignard, vas-y, tu remplaces Nice. Et Riss. Et Riss reste à sa place, donc ça va. L'avantage, c'est que d'un point de vue régie, tu vois, on peut déjà faire ça. Ouais. On sait que c'est. Oh, merde, c'est attaqué la souris, il y a pas le touchpad. Donc tu peux laisser les pseudos, t'as juste à remettre les scores à 0 et on met final winner. Bah, attends, ouais, il va se... C'est Crignard. Oui, non, mais... Y. Yes. N'hésite pas à remettre en attendant la scène, la transition. Game plus commentary. Vas-y. C'est ça, transition. Voilà, parfait. Voilà, petite interlude le temps que Crignard prenne la place de Nice. En tout cas, Nice qui a fait un beau match. Franchement, on y a cru à un moment donné. Il était pas loin, hein, il suffisait pas grand-chose, mais... Mais quand même, la méconnaissance, à mon avis, du match-up Nice, je pense qu'il pourra le confirmer plus tard, mais... Là, on va mettre en BO5. Il était pas bien. Il était pas bien. Oui, une BO5, pardon, ouais. BO5. Pour ce match. Ouais. La première stock, elle a été énervée. Hein. Le son... Ah, j'y connais rien. Ah bah, je vais tourner, c'est comme ça. T'es normalement, tu suis le câble. Ah, il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Mais viens avec ton link là, ça fait longtemps. T'es un mec des animés maintenant. Ah, t'es un mec de Melty là. Ah oh là là. Oui, bah oui. Tu veux plus jouer à Unis? Unis, bah si jamais il y a un rôle, ouais. Unis, franchement, moi j'ai toujours dans mon cœur Unis. Pas depuis un peu avant l'UFA, j'ai eu. Ah ouais? Bah Melty, heureusement, il change un peu le roster. Maintenant, ça devient un peu moins waifu, mais. Mais c'est un peu tard, quoi. Bah, les nouveaux persos, il y a plus de persos originaux, quoi. Avant, c'était que des maids, là. Il y avait la nana en double exemplaire, quoi. Je sais pas comment elle s'appelle, là. La maid en double exemplaire, t'as la version énervée, la version... comment elle s'appelle? Arcueil. Voilà. C'est pas une maid, c'est un des personnages. Ouais, enfin, bon, bref, t'as deux maids différentes. T'as deux mails différentes, t'en as une qui met les plateaux repas là et t'en as une autre qui passe les balais ou je sais pas quoi là. Exactement, j'en joue. Hein. Ah ouais, d'accord. Ouais, toi. Mais c'est dommage, ça manque un peu de. Au niveau caractère, j'ai du mal quand même. Ouais. Mais après, j'arrive à Ouais. Téléphone, mais ça. Ah merde. Parfois avec mon téléphone de merde, pas pour 2000. Moi je bosse pour Darty, tu sais. Tu bosses pas pour me planter. Non, je suis jamais changé. Jamais, non. Bon, en attendant, pardon, excusez-nous pour. Vous avez les sons d'ambiance hein, dans la salle. Vous avez les sons d'ambiance, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ouais, je vais bien. Ils diront rien.
Bon, concentrons-nous pour l'instant sur le match. Nous sommes en final winner. Final winner. Final winner, donc, entre Rist, qui va rester à sa place de concurrent. Avec son fer l'inferno, il est chaud. En tout cas, il est chaud. Il va jouer contre Kinyar. Je pense que les deux joueurs se connaissent parfaitement. Et il va y avoir du mind game là-dedans. Ils se connaissent bien. C'est parti, c'est le check. Tout est prêt? C'est bon? Eh bien, quand vous voulez. Parfait. Kinyar Rist, c'est la première fois donc nous avons une finale winner sans Yuya, sans One Brawl. On les embrasse bien sûr. Mais au moins, ça change. Et on a un pic Samus de Kinyar. Voilà. Et pourquoi pas? Parce que finalement, on a un élément de match-up. Hein. Samus, il a complètement elle a complètement le match-up sur Fel Inferno parce qu'elle a plus de range au niveau de la shop, au niveau du stun B, les missiles. On a plein d'options de zoning. Et voilà, très bien joué en tout cas de la part de Kriniar là-dessus. Oh là 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 là, il nous fait des belles dingueries. Et voilà, on va empêcher Fel Inferno de remonter avec les mines. Il y a vraiment tous les outils. Hein. Samus, elle a tous les outils pour contrer Fel Inferno. Le bon combo, bien sûr. Le petit down tilt back air. C'est l'inferno qui arrache la barre, qui arrache les pourcents. Et on va replacer cette shop. Et là, maintenant, c'est quand même Kriniar qui est en position défavorable. Mais bien, je mue là-dessus. Il a eu le temps de remonter. Il va mettre quand même le smash. Attention là pour maintenant Rift. Il est obligé. Ouais, j'allais dire, il est obligé de faire une remontée quasiment verticale. Et c'est bien vu côté Kriniar. Il prend cette première stock. Mais c'est chaud, hein, 100% quand même. On voit que les deux joueurs se connaissent bien. Il y a des éléments de match-up. Hein, qui sont, pas loupés. Oh là là, le beau petit combo de Kriniar là-dessus. J'ai envie de dire, limite, il nous a fait une sorte de Mario ou de Falcon. À base de up R, up B. Très bien joué. On a le lariat de Rist. Que ça va suffire. On essaie Kriniar de mettre la boule. Attention, on va mettre les mines pour essayer de regagner du terrain. Ça suffit. Et non, j'allais dire ça suffit pour monter. Mais non, Rist était là, aux aguets. Prêt à attendre la Samus. La stock est prise. On va tenter un petit up B très bien joué de la part de Rist qui, avec l'angle, lui permet de ratterrir de façon safe et d'arracher les pourcents. C'est très bien joué là-dessus. Là, on revient quasiment à une situation d'égalité. Attention, Kriniar qui décide de remonter très vite sur le terrain. Ah, Paris. Oh là, ça rage derrière, mais c'est pas grave. Emma qui peste contre, contre le jeu. Pour l'instant, la boule, oh là là, dommage, il était un petit peu le diamètre de la boule qui va permettre de prendre la stock. Le score. Et donc, deux stocks à 1. Oh, bien joué ça, je savais pas que ça absorbait la boule, c'est très bien joué. On va mettre ce B, oh là là, donc il nous envoie des dingueries. Il y a un truc qu'on voit actuellement et qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les Remembrance Garden, ça fait plaisir. Kriniar qui nous envoie franchement une Samus bien taffée. Hein. On a des bons setups et tout, franchement, Kriniar qui... franchement, à une bonne maîtrise, hein, vraiment, ça fait plaisir. On aurait aimé aussi le voir sur Megaman, mais c'est vrai que quand on voit les armes de Samus, on comprend pourquoi il fait ce pic. Très bien joué. Et Kriniar qui gagne 1-0 pour le moment. Et on rappelle que c'est en BO5. Mesdames et messieurs, nous sommes en BO5, ce qui veut dire qu'il faudra encore deux matchs pour Kriniar pour arriver à se hisser dans le top 2. Va-t-il y avoir un peu de perfide de la part de Rist? Je ne sais pas. Le match-up Samus qui a l'air dégueulasse pour faire l'inferno. Hein. Franchement, prends le match-up dégueulasse. C'est dur, est-ce qu'on va faire... on va faire champ de bataille et sur des musiques de... bien sûr de... Ah, un homme debout, ce Rist. Voilà, musique de Kingdom Hearts, Fragment of Sorrow, bien sûr. Bien sûr, on met les bonnes musiques. Et Kriniar qui va rester sur Samus. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Ah ouais. Ah bon, c'est final. Non, c'est final. C'est la finale winner. Winner. Final winner. Ah ouais, bah oui. Oui. On en voit. Hein. C'est pour ça qu'on est en BO5. Ouais, Dash Attack, en tout cas, de Rist, c'est reparti sur Battlefield. On va voir si Rist va trouver la parade. Vraiment, ce fait l'inferno bleu, il est stylé. Le commentateur de Pokémon Stadium, on avait l'habitude des boîtes, c'était stylé. Hein.
On avait des voix dans un dans ce Pokémon là alors que c'était même pas vraiment un opus de la franchise. Guy 2. On avait des voix. Le score ça donne quoi vous deux? Bien joué. Laisse ce qui reste. T'accroche. T'accroche avec son Fox. Ah non, j'ai pas le go. Ok. What? Très bien. Je me suis fait un bon X-Smash à 60. Ah ouais, d'accord, bah. Très bien. Et alors là, ça va être compliqué pour faire un Fano. Voilà, le problème, c'est que une fois que faire un Fano est suffisamment loin, il n'a pas 10 000 options pour revenir. Un petit side B, mais la portée du side B est assez faible. Du coup, il a que son AB derrière. Voilà, il va être obligé de le faire. Et bien vu, là, l'angle parfaitement trouvé de risque qui permet de justement tenter la recovery. Mais là-dessus, il va prendre ce up smash. Et là, il va falloir prendre la stock parce que sinon, Crignard, lui, va pas se priver hein, tant qu'il domine. Va prendre son temps. Oh là là, le bon trade. Vraiment, Crignard, tu connais bien. Hein, on sent la maîtrise là-dessus. T'as l'habitude de jouer contre Fer Inferno. On va mettre des setups bombes. On va l'empêcher d'arriver. Surtout qu'attention, hein, là, on a un Fer Inferno buffé. Hein. On le voit, il est tout de rouge. Et voilà, ça, il y a le coup qui a fait perdre 30%. Et ça ne suffira pas. Crignard qui s'accroche avec ce B. Tente des petits grabs. Hein, tente des petits grabs pour varier. Qui garde la distance et là c'est Risk qui va trouver, essayer de trouver un moyen de percer cette défense de Samus, mais c'est compliqué, ça a l'air d'être vraiment dur. Hein. Le match-up il est vraiment. Bien, on va dire impossible, mais ça a l'air dur, hein. Faut s'approcher psychologiquement. Allez, on a un bon counter là, Risk là-dessus. Et ça va pas passer la chope. Hein. Crignard qui connaît. Hein. Il connaît vraiment. Il a trouvé la bonne trajectoire pour éviter. Et là, c'est Crignard qui est obligé de prendre ça. Parce qu'il avait shieldé. On avait une boule chargée. Il y avait un risque de shield break. Et ça aurait été la fin de la stock. Même à 24%, je pense. Même à, pardon, à 106%, évidemment. Ça aurait été la fin de stock. Et attention. Oh, il aurait pu avoir une situation de backtest. Mais il a décidé de faire le smash en disant il va roll-in. Et finalement, il n'a pas roll. Quelque part, ça a fait les affaires de Crignard. Hein. Très bien vu. Le main game est présent. Le main game est présent côté Crignard. Oh, le bon pari. Attention, hein, voilà. Il y avait la tentative de back air, mais il s'est accroché sur la plateforme du dessus. Du coup, ça, oui. Oh, et puis le forwarder qui va passer à travers le lariat. On apprend des choses. Hein. On apprend tous les jours grâce à Pico Quiz. Un Pokémon très charismatique, s'il en est. C'est vrai? Ah, parfait. Voilà, mon compère est out. Nous sommes dispo. Pour l'instant, on a les uppers de Crignard. Et avec ce smash, vraiment, on a une situation où, en fait, en désavantage, la côté Ferfano, on ne peut pas faire grand-chose si tu es au-dessus d'une Samus. En fait, c'est difficile. Hein. Le match-up est vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Mais il s'accroche. Bien joué. Allez, il y a peut-être moyen quand même. On sait que là, on connaît la capacité de faire Inferno, à hein, faire des remontadas. Hein. Il ne file pas grand-chose parce que faire Inferno, ça arrache les pourcents quand même. Quelques chops, bien trouvé. Et là, c'est Crignard qui va essayer de garder son positionnement. Hein. Il le sait, il sait qu'il est à la merci des chops. Voilà, UB en punition. Vraiment, le match-up s'amuse. Oh là 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 là. Il faut qu'il t'accroche, le pauvre Riss. Il est obligé de faire ça. Il va être obligé. Il va attendre. Et non, même pas. Il ne peut plus UB, il a déjà fait son UB. Ah oui, c'est vrai qu'il avait déjà fait, donc il avait plus de possibilités. Et du coup, 2-0 ou 3-0, je sais même plus d'ailleurs. 2-0, hein, j'avais déjà mis. D'accord, la régie qui était au taquet, c'est pour ça. J'étais plus sûr. 2-0 pour Crignard. Et nous sommes dans une situation de balle de match. Balle de top 2 pour Crignard. Est-ce que la relève est là? La relève de One Brawl et Yuya, elle est là. Peut-être. Avec Crignard qui, pour l'instant, est très, très bien dans ce match. Il a l'air à l'aise. Hein. Il le sait, il connaît. Est-ce qu'il est capable de faire? Et là, Risk il ferme les yeux, il se dit, attends, comment je peux faire pour me débarrasser de cette satanée Samus? Pour l'instant, on se jauge. Là, c'est Crignard qui va encore trouver avec ce combo upper-upper-up-B. Magnifique, hein. Un petit combo à 29%, c'est stylé hein, de la part de Samus, franchement. Petit combo, oh là là, Crignard au taquet, il a attendu le spot dodge. Et là, par contre, on a Risk qui va essayer de caler vraiment la max. Hein. On va essayer de mettre un gros coup. Il va arracher la barre. Pour l'instant, il ne trouve pas, il n'arrive pas à toucher. Et voilà, le counter qui va s'en aller. Il y a très patient. Il ne va pas prendre le up de dégâts.
On va mettre la shop out. Et là, du coup, il a les mines et tout. Il y a le up. Oh là là, il y a le up titre. C'est horrible. Vraiment, c'est horrible ce match-up pour faire l'inferno. Oh là là. Et puis, il esquive toutes les shops. Dieu, j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir un mental d'acier, un Rist qui. Faut qu'il s'approche surtout en BO5 hein, où tu sais que tu vas devoir gagner plusieurs sets d'affilée contre une Samus. Oh là 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 là. C'est dur, c'est dur. Pour l'instant, on a une variation du plan de jeu de Crinière hein, qui tantôt est passif à mettre des mines et à spacer. Tantôt qui va venir agresser avec des forwarders. Et il va prendre cette chop. Je pense que ça ne suffira pas. Il va prendre son temps. Voilà, il va réussir à reprendre le ledge. Qu'est-ce qui va se passer directement chop. Et là, on inverse les positions. Maintenant, c'est Risk qui est pas terrible. Oh là là, il va prendre cette boucle chargée. Attention, et là, Risk qui est à court d'option. Non, c'est bon, il va prendre ce B et permettre de revenir. Il va prendre ce forward derrière. Et on renvoie de l'autre côté. Là, c'est là, reparti. Là, là, cette B. Allez, la dash attaque qui aurait pu être punie. Non. Bon, tant mieux pour Risk. En tout cas, ça n'a pas été puni. Il y a le Lariat derrière. Ça permet de gratter un petit peu. Mais là, il faut tuer. Il faut tuer. Et là, le Lariat, évidemment, qui est à la merci de la shop. Oh là là. Oh là là, on a tenté les dingueries. Ah, oui, bien vu. Non, bien vu. C'est très bien vu côté Rist, il a fait exprès, il s'est dit ah c'est bon t'es trop bas. Parfait, très bien géré en tout cas. Là il faut arracher les pourcents, voilà on va mettre en situation de désavantage. Où là maintenant c'est Crinière qui doit revenir. Là maintenant c'est chose faite et là ça va être difficile parce qu'on est à 169% pour Rist. Il va être à court d'option, side B c'est bon, up B on revient quand même. On va tenter up B pour changer de position. Mais Crinière qui était là, il attendait ce move. Et là, maintenant, on est dans une situation de stock de match, carrément. Risk, il n'a plus le droit à l'erreur. Là, il faut conserver cette stock. Et là, c'est ce down tilt back air. On a spot dodge. Mais oui, on a re-spot dodge la shop. Bien joué. Ah oui. Passer la sienne. Il va prendre ce PR. Est-ce qu'il va y avoir un follow-up? Non, il l'attendait, Crinière. Il le savait. Je suis sûr que là, c'est du pur mind game. Il s'est dit, tu sais quoi? Vas-y, j'arrête mon combo. Tu vas UB. C'est passé. Crinière n'a pas puni. Tant mieux pour Risk, mais il le savait en tout cas. Hein. Il y a vraiment une notion de mind game là-dessus. La roll, bien attendu, mais non, il n'y a pas de, oh. Pas de punition. Pourtant, il le savait, hein. Il était là, il était prêt, il a roll quand même dedans. B, attention, on va attendre la mine, on va prendre le temps. Voilà, côté Rift, il a été patient. On va mettre la shop, ça suffira pas. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tenter d'agresser? Non, attention, on est sur la dernière stock. Oh, le spike qui est touché dans le server spot. Dans le sweet spot, pardon. Non, server spot, pardon. Bref, qui ne tue pas. Oh, la boule. La boule, il va falloir varier les timings, et mais oui, boule. Mais là il est fini, là, c'est presque une situation d'échec et mat. Non, c'est bon, le saut qui va permettre de revenir en 44%, il n'a plus le droit de se prendre le moindre coup. Et ça va pas tuer ce backer, aïe aïe aïe, c'est bon. Oui. C'est bon, allez, c'est plus qu'une stock, c'est fini, trop, ça tue pas. Et là ça tue, et voilà, Crinière, 3-0, net et sans bavure. Ah là, il a fait pleuvoir le match-up, j'ai l'impression. Samus, ça doit être horrible. Ça doit être horrible pour faire l'inferno. Je pense qu'après, on aura la réaction de risque. Allez, qu'est-ce que c'est dur. Nice. On va avoir Nice Snell en stream. Nice contre Snell, si on peut avoir un petit coup de braquette, s'il vous plaît, en régie. Tu peux faire la régie, si tu veux, HBK. Braquette. Comme ça, tu pourras aussi m'aider aux commentaires. Bah, bien sûr. On va mettre le micro au milieu. Parfait. Let's go, je suis en compagnie de mon cher et tendre, mon fidèle acolyte Guideux. Mm. Bon, Guideux, du coup, match contre Céleste. Alors attends, tu l'as mis le bracket, ah, parfait, c'est bon. Ouais. Du coup, Céleste qui va se retrouver contre Vish. Et on va avoir Nice Inem avec cette superbe orthographe. Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr. Et donc Nice Inem qui va se retrouver, si je dis pas de bêtises, alors logiquement, ce serait contre Rist, hein, si je dis pas de bêtises. Ah si, c'est Snellac. Attends. C'est Snellac. Et après, ah oui, mais pourquoi c'est... Alors, en fait, c'est... on est déjà là après. Hein. Ouais. Là, on a déjà... Risk, en fait, il est là. Hein. Il est déjà en perdant de la manche 7. Oui, pardon, il est déjà là. Ouais. Il est déjà là. Mm. Donc, en fait, on va rattraper les losers bracket. On a Snellac, donc, qui va... Pourquoi il est pas mis dans le match là, ouais, il s'est pas actualisé. Pas actualisé, c'est pour ça que je n'en prenais pas. Donc on est là contre Nissinem, on va la voir en stream, juste là. Est-ce que tu veux commenter ce match? Bah vas-y, laisse. Regarde, hop. Je l'ai fait ma. Commenter. Salut, c'est moi. Salut. 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 Game cool. T'es passé comment toi de ton côté? Bah c'est terrible. Pareil, t'es éliminé en même temps que moi quoi. Ouais, en même temps que toi sur Snellac, c'est le goût. C'est le goût qu'il est mauvais.
Et du coup, j'ai goûté parce qu'il est mauvais. Non, il a bien joué sur la dernière game, on s'est SD. Moi, je me suis laissé surprendre par un hack, alors moi, ouais, j'ai pu comprendre, ouais. 5 secondes. Je suis en train de faire tout ça. Alors, Nice, le joueur. Écris son pseudo correctement, je t'en supplie, respecte-le. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Je sais pas l'écrire mal. Ouais, ouais. Vas-y, c'est bon. Et loose. Let's gong. Let's go. Y'a moyen d'être en full screen. Let's go. Et donc, par contre, nous sommes en loser. Ouais. On est sur SBF. Un petit bonheur, bon, ça joue safe. Pour l'instant, rien de grand. Rien de. Les premières grosses phases d'avantage de Senac. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Non, pas d'offstage. Et bon, ledge trap, tout du moins. Ouais. Senac qui se laisse pas surmener. Pour l'instant, il est en très bonne phase d'avantage qui continue. Ouais, faudrait pas se laisser surprendre, mais pour l'instant, on est très bien. 70%. 74, quasiment 80. On gratte les pourcents avec le side B. Hein. Et là, on a enfin quelques combos de la part de Nice. Quelque chose. 30% 90, franchement on est très très bien de la part de Senac, on est sur une très bonne game depuis le début pour l'instant pour lui. Ça. Il est sur un neutral vraiment. Et là, upper up smash. Upper up smash qui va permettre de réduire un petit peu l'écart. Exactement. Ah, ça pourrait déjà se terminer sur cette première phase de gros Edgard, non, toujours pas. Ok, non. Nice qui arrive à revenir à reprendre le contrôle du terrain. Up le up B qui va venir catch. Arsène qui est quasiment déjà plus. Et hop, le nerf. Et c'est terminé. Voilà. Premier stock. Au revoir Arsène. Salut mon pote. Show me your move. Ah, c'est là qui va essayer de faire quelque chose. Oh là là là. Le petit backer. Bégaye, hein. Ça se voit. Là, il s'est laissé surprendre. On ressent que il se cherche un peu. Là, il retrouve ses petits combos classiques Snellac. Et là, paf, on prend le kill avec un B. Faut venir chercher tout simplement ça, direct au bas. Les stocks. Ça fonctionne trop. Exactement. Toutes les stocks. Ah oui. Ils font leur petite danse, ils font des petits trucs. Il y a des bonnes approches des deux côtés. Notre alerte qui va commencer à faire quelque chose, peut-être. On tente le genou, mais on a gardé le saut du côté de Snellac, c'est très bien vu. C'était pas trop. Le pari qui ne passera pas, évidemment, parce que personne d'humain ne fait ça. Hop. Et là, on met le genou. Excellent. Et voilà. Et voilà. Nice, 17%. On a une stock d'avance. Ouais. Et franchement, Nice qui trouve des combos, mais genre efficaces. C'est pas des combos juste pour te mettre des pourcents. C'est ça. C'est pour t'arracher la vie. Mais c'est terrible parce que là, tu vois, Snellac, il fait plus usage de ses guns offstage. C'est laissé. Il y avait un très très bon neutral en début de partie. Un très bon. Genre, bien faire là. Qu'est-ce qu'il est venu faire après Et là, je pense qu'il essaie juste de surprendre pour récupérer son écart. Mais le problème, c'est alors, excellent. Là, excellent. Très bon catch. Très bien vu. Mais oui, genre, Snellac, il prend des risques, il pour est pas... remonter en fait. Et là, le ups, bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Je pense que la Snellac il a juste bégayé et que après la première grosse passe d'avantage qu'il a eu, c'était terminé. Donc la première game qui part pour Nice. Je pense que ouais, là, il y a un mental à revoir du côté de Snellac. Ça se voyait sur pas mal d'exécutions qu'il était assez. On avait quand même commencé pas mal. Hein, oui, vraiment. Bah justement, on a commencé très très bien. On voyait qu'il avait vraiment bien établi le rythme de la game, que c'est lui qui gérait le truc. Et quand il s'est fait prendre la première stock, il peut la deuxième, moi c'était terminé. Ouais. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de mental, il n'y avait plus rien. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille. Ouais. Il faut travailler sur le mental, travailler sur son exécution quand il est sous la pression. Parce que là, il y avait plusieurs fois où il y avait des combos qui étaient juste trous et qu'il sait faire. Il n'y a pas input. On rappelle que du coup, on est de retour sur le loser bracket, donc on reste en BO3 pour l'instant. Le BO5 prendra du coup pour le top 4. Comme d'hab. On va partir sur la Corinne pour le joueur français. Ben, en vrai, une épée face à Falcon. Le c'est... Coran de la Mecque. C'est pas si mal, hein, Corinne face à un Falcon. Le truc, c'est qu'il faut être sûr de ce qu'on fait. Le Joker de l'église. C'est pas ce que tu penses. On va partir sur TC pour la deuxième. Ouais, bon, run up shield évidemment, on connaît. Ah ouais, il m'a battu ce chacal. Il a battu. Moi je suis sorti. Le bon backer qui n'a aucun lag, qui permet de spot dodge et d'esquiver absolument toutes les threats. Là du coup il y a Vish qui est en train de faire son TLS. Et ce match là il est en stream. Et après je pense qu'on va full stream.
Bah, on a déjà notre... Le winner final, il est déjà fait. Le winner final, il est déjà fait. C'est Krinyar qui a gagné. Nice qui réussit à se sortir plutôt pas mal des phases de désavantage dans lesquelles il se fait trap. Il n'y a pas grand chose du côté de Snellac. Arsène Mitter à moitié rempli. Et là, on commence à rentrer dans pile les pourcents où ça commence à être un peu tricky pour Falcon de faire des trucs. Il faut qu'il tire parti de ça. Il faut qu'il arrive à... Hop, rate les pourcents. Voilà, ouais, il joue bien, il space bien, il reste bien en dehors de la burst range de Falcon. Là, faut tenter un truc. Voilà, excellent. Efficace. Excellent, très belle retournée grave. Allez, faut continuer. Allez. Excellent, très très bon combo. 62%, on a Arsène. Là, va falloir confirmer le kill incessamment sous peu. Hop, le back air qui est esquivé de la part de Snellac. Là, ça, ça double touche. Double touche, en effet. Ouais. On grab Arsène avec qui est déjà plus là. Et là. Qui va pas permettre de terminer Snellac. Le kill. 81%, ça peut le faire quand même. Hein. C'est vraiment pas assez jouable. Oh oui, on a essayé de rire une roll. Ouais, ouais. Elle était, franchement, elle était pas ballsy celle-là. Hein. Ah, j'aurais ri de la même chose. Oui. Ouais, bah, trop, évidemment. Petite phase d'edgeguard. Oh, ça va toucher et ça va tuer 3-1. Là, Snellac qui se met bien. Snellac qui commence à reprendre un petit peu du poil de la bête. Et un jeu plus sérieux, et peut-être la map joue oui, son la map joue sûrement son avantage. Regarde, il y a Big Falcon qui vraiment pas. Et là, par contre, bah voilà. On va arrêter de chanter. Nice qui aime beaucoup. Ok, petite phase de Let's Punk, rien du tout. Et là, oh, le River Snare. On en est là. Il fait des trucs. Il fait des trucs. Excellent. Excellent. C'est là qui est vraiment aux attendus. La roll-out, ouais, on s'en doutait. Voilà. Là. Là, c'est très bien du côté. Nice qui était, prêt à faire un downbeat pour venir reach et venir faire des trucs. Le upbeat qui va venir confirme. Petite phase de ledge drum de Edgar de Nice. Qui va se mettre le backer qui va peut-être confirmer et ça va tuer. Ça tue. Très bien. 1-1, compteur à 0. Ça va tomber. Et là, il avait l'air déjà. Aucun donner. Il s'est alors, encore heureux. Hein, bah, qui s'en prend pas tout le game. Sur la game précédente quand même. 3 down Ernie. C'est pas bon, c'est 3 down Ernie. À vérifier, mais au moins 2, sûr. Mais ouais, là, quoi qu'il arrive, il était vachement plus confiant. Ça se voyait qu'il était. Il a été très, très réactif. Il y aurait énormément de trucs, genre les turnaround grab. Oh là là. Ouais. Non, là, et très bien. Cette game nous a prouvé qu'au niveau exécution, il y a zéro problème. Il sait faire les choses, c'est juste que quand il est en sauce, il flippe et il ne sait plus jouer. Comme 70% des joueurs. Comme 70% des joueurs, hein, c'est là que. Je sens la stat de mon. C'est réel. Voilà. Non, mais c'est un truc qui est trop, trop commun. Gagner sous la pression, ça nous arrive à humain juste à plus. On va se renommer Humain Garden parce que là, 80% des gens ici le font. 88% des mecs sont PD. Ah bon, c'est Philippe Catherine. Ah, quelle dinguerie! Ok, directement agression de Nice qui va être deny instant par Snellac. Quelques petites choses qui sont tentées. Très bonne spot dodge encore une fois. Depuis tout à l'heure, très bonne utilisation des spot dodge de Snellac. La neutral gallop qui va pas être punie évidemment. La Nice qui est un peu plus agressif. Hein, ouais. Tu sens que. Okay. Il est énervé. Oh. Il est bien vénère. Le hubby qui va pas être puni, ça c'est terrible. Il va falloir commencer à vraiment réagir correctement pour finir cette hubby parce que. Enfin, c'est hubby parce que les Captain Falcon ils peuvent retirer beaucoup trop d'avantages à réussir ces side B. Donc quand tu les misses, il faut vraiment en tirer parti. Ouais. Voilà, bien. Son shield et là on est en avantage, on fait quelque chose. Petit mix-up, histoire de revenir de manière safe du côté de Nice. 11%, petit Lightstorm, ça pourrait tuer là-dessus. Hein. On pourrait être sur la phase de garde qui prendrait la première stop. Et hop, on reprend. Ouais, on reprend sur le B. La Gallop Attack était un petit peu ballsy. Elle était, je pense que c'était pas la pire option, mais... Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Il est bon seigneur. Les compteurs sont à 0, 14%.
Ah, Nice. Un petit peu trop late sur quelques punishes de la part de Nice. Ça lui coûte pas mal de réussite. C'est un peu terrible. Ouais. Ah, faut punir. Dommage. Si, c'est bien. Ok, Nice qui va faire. Tu vas reprendre tout doucement avec ce beau pari, le contrôle du stage. C'est là qu'il y a 94 sur le temps qui voit. Oh, d'ores et déjà mourir si jamais. Il l'a attrapé par le colbar. Hein. Eh, tu vas. Pas me champ. Par le callback. Bon, tu vas pas parler comme ça. Ok, le backer qui va mettre Stelak en situation de difficulté. Est-ce que quelque chose va être tenté? Le ledge trap? Quelque chose? Non. Nice qui va passer en désavantage sur cette action. Le ledge trump backer qui va permettre de... Hop. Oh là 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 là, le beau mix-up de Nice. Oh. Et ce dernier qui va permettre de toucher à travers la plateforme et de deny le up smash. C'est fabuleux. C'est fabuleux, il se passe des choses de fou. Là, il y a des le turnaround grab qui sera pas assez long. 139%. Est-ce que l'ami Stelak va nous trouver quelque chose? Il y a beaucoup de ferrins qui touchent. Il n'y a pas de confirmes qui sont proposés. 118%, encore une fois. Ouh, le grab juste avant le up B, il se passe des choses. Ouais. Ah, Stelak a voulu ledge trump, mais l'exécution. Mais oui, il faut... Et le backer qui va prendre le kill. Le truc, c'est que Stelak ne fait aucunement l'option de roll sur le bord. J'ai remarqué ça. Ouais, il le fait très peu, hein, j'ai l'impression. Il aime pas, il me semble qu'il déteste cette option. Et là, ça aurait pu se terminer. 89%, on a beaucoup, beaucoup de rage. Il faut arrêter de hop-smash, monsieur. Il faut arrêter de hop-smash pour punir à 150%, monsieur. Il faut arrêter de hop-b, Zelda. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Allez, fais-nous des trucs. 37%. Oh là. Un peu ballsy, je l'aurais pas fait. Bah, en vrai... Ça prenait le kill instantanément, mais genre, il est lui, il est lui aussi à une stock. Il faut prendre ça en compte. Oh là là, il est en danger. Qui est en train de faire sa vie. C'est là que là, à tout moment, il est en danger. Parce que, autant Arsène a beaucoup de force de frappe, autant Nice, qui est un joueur qui... Dommage. Bonne exécution. Ça a pas été donné. Ah là là, le punish était trop tard, là. C'est très spaghetti. Le punish est très trop tard. C'est terrible. 116%. 50% de côté de Stelak. Ah là 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 là, le no fable qui va pas. Ah, oh, c'est fini. Stelak qui vient d'éliminer. On a dit à la première game qu'il fallait aller chercher toutes les stocks comme ça. Ça fonctionne. Donc on arrête de prendre la tête à faire des spaghettis ou je sais pas quoi. On saute, on met les guns et c'est fini. Ça, c'est pour Stelak de l'Ardif, ça. Tu m'entends, là? Chacal. Monsieur Nice, il faut arrêter les hobbies. Les hobbies, c'était un peu abusé. Alors, si hobby, il y en avait un peu trop, mais ce n'est là qu'il était en galère et il n'arrivait pas à les punir la moitié du temps. Donc c'est OK. Parfaitement bien. Mais oui. Donc, Snellac, il était fébrile, et de base, c'est pas quelque chose qui est super simple à punir. Donc, il a galéré, et en fait, je pense que c'était OK. Parce que le nombre de fois que les hobbies lui ont permis de deny la phase de désavantage, de prendre de l'avantage, de mettre des kills... Non. Là, du coup, je voudrais mettre le... Oui. Yo, le stream. Le stream... Raquette plus commentary. Voilà. Non, le bracket n'est pas là. Ah, il est là. Il est là, le bracket. Alors, on va faire un petit F5. Et donc, on a un Céleste contre... Oh, les Falcons sont partis. Céleste contre un Snowy. C'est bon. Les Falcons sont partis. Chaussi. Je sais pas. Il est où? Bah, il est plus là. Ouais, non, je sais, mais il s'est fait battre. Il s'est fait battre par Céleste. Céleste qui remonte de fou. Céleste qui fait une bonne perf. Ah, une loser run de 20 bonnes perf. Il a start tout d'ailleurs. Il a start là. Oui, ah oui, vas-y, tu peux. Voilà, super. Céleste contre Snell, Nice. 2. HBK. Et 2 Ejich. Ouais, très correct. Hein. Très correct. Correct. Et il y a moyen de voir celle de Snellac aussi. Bah, c'est là que... Alors, Allège, Céleste. Ah oui, Allège, très bon match. Allège 2-0, ouais. Sans aucun problème. C'était dur. Et 15 news, moi et Nice. Ouais, hein. Bah, franchement, plutôt correct de la part des deux joueurs. J'attends du lourd. Qu'est-ce qu'il va jouer, Céleste, il est sûr. Fox, mais contre moi, il a sorti Hype. Il est sur Fox, il a sorti Hype contre toi.
Il est sur Falco aussi. On va bien voir. On va bien voir. Et du coup, je pense que Snellac garde sa place. Oui, oui. Ça ne serait pas chier. Et on va mettre une name. Tu gardes ta place ? Céleste. Et on va mettre les scores à zéro. On va attendre que nos joueurs se préparent et on va lancer ça. Est-ce que tu veux qu'on te cadre un peu mieux ? Non, il n'y a pas de problème. C'est moi en fait, il n'y a que moi. Voilà, impeccable. On va remettre le game full le temps que nos joueurs se préparent, les joueurs de notre région. Hey, vous ramenez vos boules, on joue là, il est déjà tard là. C'est vrai. Hein. Et donc là, on est sur le top 4. Hein. On est déjà top 4 du coup. Ouais, je crois. Hein. Merci. C'est where? Là, on est sur le top 4. Hein. Bah, y a Rhys qui est censé. Et là, donc, c'est un BO5. Hein. Les gars, c'est... Ouais. Ouais, tiens, ça, oui, parce que la meilleure parmi les perdantes, ça veut dire que... Après ça, c'est le loser, donc c'est oui, ok, ça roule. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est la demi-finale. BO5. Oui, parce que top 4. Là, c'est le top 4. Comment ça? Là, on est quoi, là? On est top 6. Top 4. Là, tous les deux, on est top 4. Oui. Vous êtes top 4 avec Krignar et Eris. Game full. Et du coup, on va mettre semi-loser. Loser. Ouais, hein, que Elac, je sais qu'il a le potentiel de, oui, de faire des dingueries. Céleste, je l'attendais pas aussi loin. Ben, et ouais. Du coup, ça fait trop plaisir. Non, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir, les grosses perfs là. Et là, Rist qui vient de nulle part aussi. Ouais, Rist qui vient de nulle part. Bah, c'est un pote à Krignar, c'est ouais, ça. TMGCM. Hey, il y a des gens de TMG qui te soutiennent apparemment. Donc, ouais. SEM. TMGCM. C'est. Le président. Trop bien. Bah. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, là, monsieur le président. Coucou, SEM. Voilà. Tu peux pas. Trop bien. Au revoir, monsieur le président. Jacques qui a fait un coup à son papa. Petite anecdote. On a fait des matchs. Et là, ça aurait pu être la TMG. Waouh! Mais non! Ça sera TMG, sœur de. Nul! Le hashtag fraude en TT. Mais non, il n'y a pas de fraude possible. Si t'es là, c'est parce que tu l'as mérité. Ouais, c'est réel. Bah ouais, c'est réel. Ah, je pense que ça va être un match un peu vénère. Ah, j'aurais pu me retrouver à sa place s'il n'avait pas de cheat. Si j'avais pas Kiba contre rien. Ah, et que ouais. Bon, alors quoi que Mich, peur. Ah ouais, non, sorry Raph. MCLAC c'était en off et il m'a troué le cul. Oui. Deux, hein. Non, ça va, c'est pas un trouage de cul du coup, mais j'avais bien le seum. J'aurais pu être à sa place là, j'aurais pu faire des trucs, bah non, c'est ouais. Une merde. Moi je ferais rare. Ok, on part sur SBF du coup. Ok, première petite passe d'avantage, non, quelque chose, 10%. T'arrives à transformer l'essai. Là, pour l'instant, c'est la patience. Ça. Ouais, déjà, c'est bien. Parce que Céleste ne laisse pas respirer Snellac et ne le laisse pas installer son rythme dans le jeu. Il est vénère, il le tape de partout. Voilà, bien, excellent. Très bonne catch de la roll. Arsène qui est déjà là. Je sais pas exactement quelle va être sa stratégie pour contrer Arsène. Il a pas l'air de changer foncièrement de game plan. Il maîtrise. Ça se voit que quand même il va prendre
légèrement plus son temps pour mettre ses frappes et gérer ça un tout petit peu plus méthodiquement. Ouais. Mais il a, de toute façon, il a une très bonne force de frappe naturelle à juste mettre des hitbox partout en tant que Fox. Ouais. Donc il en tire très très bien parti et il a su quand même très bien gérer ce premier Arsène de la partie. Mais ouais. Et aussi Céleste est sur le serveur Discord et la personne qui a le plus tryhard, hein, clairement sur les dernières semaines, on l'a vu vraiment. Le qui joue, il était tout le temps là. Hein. C'est réel. Hein. Donc c'est mérité. Hein. C'est réel. Hein. Il y a vraiment de gros improvements. Mm. 100%. On va pouvoir peut-être se servir de ces quelques dégâts pour mettre encore plus avec la rage. Voilà. Bon, on est pas sûr. On reste sous la plateforme et dommage. Dommage, dommage. Il y avait de l'idée. Il y avait la cover sous la plateforme. Ouais. Il s'est un petit peu trop approché. Il a pris le forward air. C'est pas grave. Il est quand même à 77%. Arsène qui est quasiment plus là. Le désavantage de Snellac qui pêche un petit peu. Ouais, tu sens qu'il y a là un désavantage depuis un petit moment. Ça va partir sur un contre. Et ça, faut le savoir. Quand tu loues contre Snellac, il faut savoir qu'il y a un moment où si tu lui fais assez peur, ça va partir sur des contres. Ça va partir sur des options très défensives qui sont très facilement punissables. Oui. Là, Céleste qui a Céleste une bonne mobilité. Qui handle très, 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 très bien le match-up. Hein, dommage pour les petits guns. Là. Il fallait peut-être rester sous la plateforme. Et là, on cherche le forward smash. Le side smash qui va juste tuer, en fait. Voilà. 70%. Donc, on a quasi pas de rage. Mais on n'a pas peur de mourir. Il y a quasiment Arsène. Ça va commencer à être compliqué. Ouais. Là, Snellac qui garde un peu trop le shield. Snellac, ça fait deux fois qu'il se fait punir par ses side B qui reviennent directement sur le ledge. Ne faut pas faire ça, mon petit pote. Oula. Le Arsène qui a cancel l'animation de... Enfin, le coup de... Le compte qui va quand même passer. 100% petite phase d'edge guard. Ledge trap, non, ça va être contré par la get up attack, le side B qui va permettre à Snellac d'extendre un petit peu sa bien vu de la part de Céleste, on passe très haut. Exactement. Exactement. Pour l'instant, il y a juste. Il y a Arsène. On joue safe. On prend son temps. Pour l'instant, il ne s'est pas fait tuer une seule fois par Arsène. Ouais. Et regarde, c'est pour ça. Il joue Fox, 141. Il y a une survivabilité qui est vraiment, vraiment élevée. Ouais. Arsène qui est quasiment déjà relâché. Oh là, ah là, là, là. Bon timing sur cette roulade. Le backthrow qui va pas tuer, 160%. Bonne utilisation du up-B. Le trump qui a été tenté. C'est là qu'il tente beaucoup les trumps, mais j'ai l'impression qu'il... Il a cru que c'était mêlé. C'est là qu'il tente beaucoup les trumps, mais il fait pas... Ça tue backthrow. Il ancre pas assez son adversaire sur le fait de rester au ledge et d'avoir le droit de rester au ledge. Donc ça marche assez peu. Il presse très 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 souvent son adversaire pour sortir du ledge. Donc quand il veut faire un trump, il y a des moments où ça va marcher. Mais la plupart du temps, son adversaire va prendre une décision avant lui. Et il va juste se mettre un désavantage. Et ça, c'est terrible. Là, on est à 152%. Petite phase d'edge guard. L'edge trap, le down smash qui a été bien tenté comme tout à l'heure, qui avait très bien réussi. C'est une très bonne option. Des petits combos. Ah, c'est la carifa. Oh, l'up smash. Il sort si rapidement. Même moi, à chaque fois, je sais, mais il sort si rapidement. Ouais, vraiment sans prévenir. Il n'y a aucun respect. Et donc 1-0 pour Céleste. 1-0 pour Monsieur Céleste. Je me suis trompé de... Et moi. Ouais, hein, pour l'instant, très bonne gestion de Arsène de la part de Céleste. On sent que c'est là qu'il s'embrouille. Ouais. Faut qu'il s'embrouille beaucoup. Question. Ouais. Et toujours aucune option de rôle. Attendons la rôle. On verra bien. C'est con de se punir d'une option. Ah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le jour où il apprendra à rôle. S'il le sent pas, bah moi pareil, hein, le jour où j'ai appris à spot dodge en fait. Ah ouais, d'accord. À ce point-là, ouais. Ouais, non mais de coup, à ce point-là. Tu sais que c'est la deuxième session, après la dernière qu'on avait faite, c'est la deuxième session où j'incorpore les spot dodge à mon gameplay. Alors que ça fait 7 ans que je joue au jeu, tu vois. Frère. Il y a des combos spot dodge up B, quoi. Dans oui, c'est, un... réel. C'est réel. Hein. C'est réel hein. Avec Luigi, il n'y a que ça. Enfin, et moi, je sais pas faire. Enfin, bref. Dans tout death. Ouais, l'apéro, mon frérot. Vas-y. Vas-y. Écoute, moi, récemment, avec Zelda, j'ai appris le Down Smash. Connaissais-tu l'histoire du Down Smash? C'est le truc qui t'envoie dans un. Dans un angle de chacal. Voilà, tout simplement. Alors, on pourra discuter de ce changement de pic. Ouais.
Stella qui est assez confiante sur sa Corinne. Je suis d'accord avec lui. Je pense que vraiment elle peut faire des trucs et qu'elle a son, qu'elle a vraiment sa place dans sa line-up. À voir s'il faudrait pas la travailler encore un peu plus avant de l'officialiser et de la prendre dans des moments un peu clutchy comme ça. Mais elle peut faire des trucs. Ouais. Pour l'instant, on voit, c'est assez serré. Le bon combo qui va quand même mettre Stella dans une grosse phase de désavantage. Mais ça va le faire. Non, mais c'est là ce qui lui laisse ça pas. Va le faire, t'as changé de perso. Je te laisse pas t'adapter. Voilà. Tu n'installeras pas ton jeu. Ça n'existe pas. Stella qui ne va même pas avoir le temps de... Ouais, qui ne va même pas avoir le temps de... Oh là 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 là. Alors, c'est là qui disait tout à l'heure, ouais, je prends Corinne parce qu'on peut pas la finir sur ses Smash. Regarde, il l'a prouvé. Hop là, hop là, j'ai pari. J'ai juste fait un pari, mon refrain. Tu connais les paris ? Pour l'instant, quasiment equal pourcent, mais une stock d'avance pour Céleste. Le père qui va encore catch. Donc, qui va peut-être faire quelque chose. Là, il faut trouver le kill. Smash sur la plateforme, mais il vient de le père, mais oui, évidemment. Laisse-moi respirer. Céleste qui est vraiment en très 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 bonne posture pour gagner ce second match. Double spot dodge, ouais, ça bégaye, hein. Ça bégaye de fou. Ok, le upper qui va permettre de faire quelque chose. 17%. 17% dash attack, backer dash attack, ça va connect. Backer, neutre à l'air, upper, up tilt, upper. Céleste qui est en train de sortir tout son moveset. Ouais, non, mais il nous montre comment on joue Fox. Y'a pas de soucis, mon frérot. Vas-y. Tu connais ? J'ai un blaster un petit Fais-moi peu. Fais-moi les petits tutos. Ouais, petit blaster, quand tu sais que tu peux parier, tu pourras mettre quelques petits dégâts. Il manquerait plus qu'il... Le side B pour revenir gratuitement sur le stage. Parce que il fait peur à Snelak. Ouais. C'est terrible. C'est terrible. Snelak, il a trop peur. Il n'ose plus rien faire. Il n'ose plus rien punir. Ça, c'est beau, hein, franchement. C'est OK. Pour l'instant, ouais, là, c'est là qu'il se ressaisit un petit peu. Le side B qui va permettre de mettre Céleste en désavantage. Snelak qui va perdre l'avantage. Non, c'est bon. C'est repris grâce à Smax Pro. Le match qui est encore une fois un peu pipé. Et le père. Il va faire quelque chose, bah oui. Et voilà, 2-0. 2-0, c'est pas fini. On peut toujours reverse. Oui, c'est vrai. Mais je pense que bon. Peut le permettre en BO5, mais là, il va falloir ressortir le Joker. Je pense que je ressortirai le Joker. Ouais. En effet. Le Joker. À la limite. J'aurais pris Corinne T. Hein. Ouais. Oui, pour tâter le terrain. C'est ça. Tu sais que c'est pas ton main perso, donc à la limite, ça ancre un petit peu l'adversaire sur ce perso-là que tu n'es pas, que tu n'as, dont tu n'as pas une maîtrise de fou, into ton main, tu vois. Ouais. À la limite, c'est comme ça que je l'aurais fait. Mais bon. Allez, les petits combos. 24% déjà. Ouais. Ouais, regarde-moi ce renard qui court partout, là. Quel enfer. Ouais. Et bon, moi, j'ai pas eu tant de mal que ça face à Fox. Ouais, face à son Fox. Ouais. Bah, peut-être qu'avec Zelda, t'as moyen d'avoir des outils vraiment compétents. Hein. Après, je pense que en soi, Joker, c'est pas foncièrement un mauvais match-up. Allez, faut faire quelque chose là. Oh oui! Okay, très très bonne game. Bien joué ça! On part sur un premier kill pris à 69% kill. C'est quelque chose! Oui. C'est même cochon. Et ouais, encore une fois, c'est là qui. Il n'arrive pas à avoir la présence d'esprit quand il est en pleine game. De voir un adversaire remonter avec une Rico très exploitable comme Fox. Oh là 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 là. Excellente. Aucun mouvement. Le micro spacing était déjà présent. Très très bien. Mais ouais, c'est là qu'il n'arrive pas à avoir la présence d'esprit quand il est en match et stressé. À utiliser ses guns pour edgeguard un adversaire avec une Rikov aussi exploitable que celle de Fox vers le bas, tu sais. Tout à l'heure, il l'a fait avec Falcon. Il a pris 2 kills là-dessus de façon complètement gratuite. Il faut faire ça. Il faut venir chercher. C'est quasiment impunissable. Ouais. Il faut le tenter quasi à chaque fois. Bien joué. Bonne recop, ouais, ouais. Bonne attente. Ouais. 144%, le ça va pas tuer. Ça tue pas ? Ok, ça va pas tuer, mais du coup, très très bon avantage. On a 160% et Arsène. Oh oui, on a eu. La peur. Ouais. La peur, en fait. Encore une fois. La peur contre. Il a su parfaitement réagir. Il n'y avait pas eu un seul contre de toute la partie. Ouais. Il a su attendre, prendre son temps et punir ce compte de la plus belle des façons. Ce qui fait que là, on est quasiment even et qu'il a complètement cancel l'entièreté du Arsène. Il a dû recharger, Snelak a dû recharger un Arsène entier qui vient seulement d'arriver et qu'on est, on est quasiment 1% égal. Oh, le petit jablock. Jablock. Dommage, on aurait pu faire un petit autre. On est sur vraiment un step-up au niveau du Fox de Céleste qui est réel. Ouais.
Il revient. Excellent. Très, très bonne remontée en raclant bien la, la, ouais, la phase du stage. Très très bon choix. La site match qui va être punie et évidemment. Le et le UPR. Et là, beau drag down, il va falloir tenter quelque chose. Ça, ça s'appelle une agression. Il va falloir tuer sur, cette, sur ce moment. Arsène est quasiment là. On ne peut plus se permettre de perdre le temps. Il y a 0-2. Quasiment tout ce qu'il faut. Smash. Le down smash qui va venir tuer 11%, moitié de Arsène. Allez, là, ça, ça peut se faire. Ça peut se faire complètement. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Ça se cherche. Là, si, si ce n'est là que tu chopes une petite phase d'avantage, ça peut le faire. Je ne sais pas exactement parce que... Le Joker de Snellac, je le vois jouer assez souvent. Donc je sais ce dont il est capable. Je sais à peu près les moyennes de pourcents qu'il va mettre sur une place d'avantage. Je ne connais pas du tout les facilités de Céleste avec Fox. Ouais. Mais pour l'instant, de ce que je vois, c'est quand il met des places d'avantage, ça tourne autour de 30-40%. C'est plutôt très OK. Ouais, c'est... Là, on part encore sur 78%, 33% du côté de Céleste. Le bon pari qui va permettre de prendre un peu son temps. 50% toujours en phase d'Edgard. Va se passer quelque chose, le saut qui sera pas catch, la remontée sur l'edge qui va être gratuite, oh les là doubles paires, est-ce qu'ils vont faire quelque chose depuis tout à l'heure? Hop, il plus, c'est bon, le bon spot dodge pour esquiver ce smash, ouais. Est-ce qu'on fait quelque chose sur cette phase des strap? Non, le safe smash qui est complètement piffé, forward air qui va mettre à 124%, et c'est là qu'en grosse difficulté, et le smash direct dans les burnes, et ben bien joué, 3-0 net, précis, sans bavure, on a senti vraiment Céleste constant sur toute tout le set, ouais. Snellac qui a essayé de faire des belles choses, qui a réussi à faire des belles choses à ouais. plusieurs moments, mais qui je pense s'est fait juste. Comme bah, j'ai Céleste, dit sur le début, tu peux rester Céleste. Hein. Comme j'ai dit sur le début, ouais. je pense qu'il s'est juste fait surmener par la pression à le connaître. Je pense que c'est ça qu'il a. Je pense que c'est ça ouais. qu'il a vraiment fait. Et c'est dommage. Il y a du positif pour le pour plus tard et à peu de choses près, il prenait chacune des trois games en fait. Ouais. Donc 3-0, mais pas sans reste, et bon courage pour la suite. Du coup, on va passer sur un petit Rist Céleste. Contre Céleste. En BO5 toujours. Pour avoir la place contre Krignar. Contre Krignar en finale. Ouais. On est en loser finale. Nice, tu veux qu'on parte à quelle heure du coup, étant donné que ça a commencé un peu tard? Bah vas-y, dès que c'est fini, ça te va? Ok, ça roule. Snell? Snellac? Si on part dès que c'est fini, ça te va? Si on part dès que c'est fini, ça te va? Dès que c'est fini, ça te va? Si on part dès que c'est fini. Ouais, là c'est terrible. Tu sens que le, ouais. c'est le mental qui joue. Ouais, le mental. Le mental à donf. On a des gens ici qui ont un mental pas de soucis. Ouais, hein. Il y a de tout ici. Ouais. Il y a de tout, donc un peu, travailler c'est bien. Des gens un peu plus sanguins. Putain ouais, j'ai des problèmes. Mais, il y a un peu... Mais ça va, ça se passe mieux qu'avant. Comment ça? Avant, j'étais un peu plus énervé. Moi? Ouais. J'étais un peu plus tilté? Ouais, peut-être. Ouais, quand bah, en fait, je pense que c'est surtout. C'est pas avant, c'est surtout que en ce moment, étant donné que je prends moins le jeu au sérieux, étant donné que je suis plus sur d'autres choses. Je suis moins impliqué, donc quand je perds, j'ai moins tendance à moins tendance c'est à pas une fraude, mec. C'est pas une fraude. Retiens-moi ce hashtag fraude. Mais ouais, je pense que c'est surtout ça. En ce moment, je suis moins impliqué dans le jeu, donc j'ai tendance à moins mal prendre mes défaites. Mais je pense que si je retournais à tryhard vraiment comme je le faisais plus, vraiment beaucoup avant. Après ouais j'avoue que bon bah mes défaites je suis pas fier de mes défaites ouais. Là vraiment elles m'ont... c'était des défaites où j'aurais pu mieux t'aurais pu faire quelque chose quoi. Ouais et en temps normal enfin quand je perdais déjà c'était compréhensible enfin là ouais là franchement j'ai de la merde et je m'en veux plus à moi que ouais. Voilà c'est juste... T'as juste moins bien joué ouais ouais ça m'arrive aussi sur bah sur Snellac notamment vraiment il a bien joué moi j'ai pas été du tout au niveau. Parce que mon match contre Rist, c'est scandaleux comment j'ai joué. Je mérite. Je mérite. Ah là là. Tu vois Céleste, bah, je mérite. Je mérite, mais j'ai joué mal en fait. J'ai mal joué le match. Hein. Bah, mes victoires, bon, bah, déjà Wolfhard, j'ai été déçu parce qu'il s'est suicidé dernière stock. Ouais. Alors ça, c'est décevant. J'aime pas ça. Limite, ça m'énerve. Tu restes à ta place ? T'as déjà changé les tags et tout ? Ouais, j'ai tout préparé. Le mec est trop chaud. J'ai déjà tout préparé. Vous êtes prêts quand vous voulez.
Bah ton match, j'ai joué le match-up. Ton Wario m'a fait peur. Un peu, hein. Ouais. Un peu. J'ai vu le WAF, j'ai dit bon, tant pis. On fait comme si le WAF n'était pas présent. Bah faut faire. Ouais. Enfin, en soi, oui et non, dans le sens... Au niveau pression, si tu peux oublier que le WAP existe, c'est très bien. Au niveau gameplay, faut surtout pas le faire non plus. Hein. Faut surtout pas oublier que ça existe. Mais si tu peux t'enlever ça de tes pensées intrusives dans ta tête à dire ah, attention, attention. Ouais. BO5. Ouais, bien sûr. Comme le précédent. Pourquoi ça se fait pas BO5? Pourquoi pas? Eh bien, on est bon. Bah, soit dans le jeu. Parti. Et la loser finale qui commence. Loser finale, Celestrist. Donc, deux personnes pour voir ce moment ici. Risk qu'on n'a jamais vu, Céleste qu'on voit rarement, mais il fait très plaisir. Sur le, ouais. le bracelet. Céleste qui fait très plaisir aujourd'hui, hein. Son Fox, on sent qu'il l'a travaillé. Bonne petite première phase d'avantage, on sent que les combos sont notre côté, d'ailleurs aucun souci. Et là, Risk, ça va être... Alors, qui va permettre de faire quelque chose. La Tornado qui va pas être punie ici, correctement. Alors... Le tout, c'est de pas être frustré par les prios de Felinferno, des fois. Ouais, exactement. Voilà. Oh là là là. Typiquement, je suis désolé. C'est scandale. Mais Monsieur Snellac, il faut punir ça. Oh là là. On sent que le perso est maîtrisé. Donc on va avoir un petit problème au niveau légèreté match-up du perso. C'est-à-dire que Fox va mourir à 2% à n'importe quel coup de ce chat. Il va falloir profiter de les voir. Et il va falloir profiter de cette garde parce que c'est la plus grosse faiblesse du perso. Ouais. Exactement. Très très bon réflexe. Excellent. Ok. On est sur deux gros plays de la part des deux joueurs. 0-0. Qu'est-ce qu'on va tenter? Le Sage Smash qui va quand même être à 50%. Comment de la ne sera pas puni. Le backspawn évidemment. 69. Ouais, évidemment. Le Sage B qui va venir catcher. Ça va tuer. Alors, problème de DI, problème de légèreté. Peut-être un feu des deux, j'en ai aucune idée. Ça arrive. 28%, 42, oh là là, 14% sur cette shot, 69, oh, on le sent un petit peu dépassé là le Céleste. Hein. C'est chose que j'ai remarqué à GG, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui commencent à avoir un second, et je trouve ça vachement flippant. Bien, ouais, c'est cool. C'est franchement, bon, c'est pas mon cas, c'est pas encore mon cas, mais le fait que les gens aient deux persos, c'est trop fort. Histoire de sortir de cette mauvaise passe 100% sur ce side B qui va pas tuer, mettre en grosse difficulté. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Non. Hop, le petit grab qui a été le petit grab, ça, le kill qui va permettre de... Oh le nerf qui va juste tuer à droite en fait, tout simplement. Toute cette interaction, elle existe. Il a bombé le torse sur la demi-finale loser. Final loser, pardon. Final loser. Non, final loser. Ouais. Donc là, le gagnant, celui qui a gagné la finale des gagnants. C'est l'avant-finale, si tu veux. Voilà, c'est ça. Avant-finale. Il y a trois finales, en fait, quand tu fais un tournoi. Il y a la finale des gagnants, donc de ceux qui n'ont pas perdu. La finale des perdants, de ceux qui ont perdu une fois. Et le gagnant des deux finales, ça compte. Et là, du coup, on cherche à déterminer le gagnant des perdants. Et le gagnant des gagnants, c'est Krigna. Ouais, là c'est que en BO5. Toujours depuis, en fait, depuis la dernière, depuis la demi-finale, c'est en BO5. On va repartir sur le Fox, le Falco peut-être quelque chose. Ouais, alors, On ressort le Falco. On a pu voir pas mal de Fox pendant sa reine sur le tournoi. Est-ce que le Falco est aux attendus? On peut le tenter, on est en BO5. On est en BO5, donc je pense que c'est ok de le tenter. Le Fox. On a vu qu'il était très 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 propre. Est-ce que le Falcon a été mis aussi à ce niveau de propreté d'exécution de jeu, etc. C'est ça qu'on va pouvoir voir. Oh là là, d'accord, ça sera pas fini. Peut-être que Falco a plus de prio. Hein. Peut-être, ça pourrait être une idée. Ah, faut arrêter de faire ça, mais vous. Vraiment, oui, ça marche avec Fox, mais... Ça marche avec Fox, ça marche avec Snellac surtout. Ça marchera pas avec des joueurs qui paniquent. C'est surtout le backer qui va permettre Risk de mettre... Risk a une patience. Ouais, hein, vraiment, il faut de toute façon avec le perso. Ouais. Il n'y a que comme ça que tu peux réussir à faire quelque chose. Le perso est trop lourd, le perso est trop petit. Enfin, Oui. Il est là pour te mettre une sauce, il te met une claque, tu t'en souviens. Ça punit ça, bah oui, c'est terminé. Même mort, tu te souviens de la claque qui t'a infligée. C'était que cette option. Il n'y a pas eu de questionnement à faire. Il n'y a pas eu à réfléchir pour punir ça, tu vois. C'est ça qui est terrible. Faut pas faire ça.
C'est Side B pour arrêter là, Bibou. Voilà. 47% déjà sur la deuxième stock. On va réussir à faire quelque chose. Upper, ouais. Oh. Le B qui va venir drag. On mal. Est sur des pourcents à égalité. Ouais, le bon neutral air pour venir catch le saut. Très très bien. Très très bien. Mais ça revient. On avait gardé le saut. Ouais. Évidemment. Et là, on te chope. Qui va mettre des gros dégâts. Le bon lariat. La désavantage. Ok, bien géré de la part de Céleste. Ok, la phase d'edge guard. Ah, dommage, l'instant de double. Ah, deux fois. C'est terrible d'avoir un personnage où son upper il tue pas, tu vois. Tu vois qu'il aurait pas raté ça. Il faut pas rater ça, ça fait deux fois qu'on rate le upper. Ah, c'est mort ça. Ouais. Ça fait deux fois qu'on rate le upper back air. Ça va pas être pardonné, hein. Genre. Il va falloir reprendre Fox. Parce que non seulement t'as pas tué donc ton adversaire encore une stock, et il avait 130%, donc la rage en fait, c'est juste terrible. Ouais. Down smash qui va venir tuer, qui va venir mettre 30%, ça fait quand même beaucoup. Hop. Oh, ouais, lui il a pas les mêmes combos que News. Ouais, non. Il y a des mix-up qui sont différents. Ça dérègle un max. Pas le même Falcon. Hop, ouais, le backer qui va permettre de faire quelque chose. Oh, on a dommage, bien tenté sur ce fight. Ça reste safe au niveau de la mobilité. Exactement, c'est ce que j'ai vu aussi. Ah, la toupie qui va bien faire quelque chose. Ah, là, il fallait pas perdre un stand double jump backer, c'était juste un full up. C'est terrible. Ah, j'ai l'impression que, ouais, non. Le Falco, j'ai l'impression qu'il est moins aux attendus au niveau exécution. Hein. Il y a quelques petits points. On sent que le Fox est dans les doigts. Et le Lariat. Lariat qui va dire tuer. Terminé. Risk qui est en train de faire sa... qui remonte de fou. Sa run de fou. Risk qui remonte. Il veut réaffronter Klingar, qui veut se venger. Bah, il a bien raison. Bah ouais. Pourquoi on va partir au niveau map, on est sur la même chose. Ouais, il est fort, hein. Il a deux coups, hein. Ça me semble. Pour moi. Ah putain, le hike. Ouais, la fraude, là, let's go. Fraude. On va voir ce que ça donne. Et en espérant revoir ce beau monde le 28 pour le tournoi à Creil. On va pouvoir assister à ce délicieux hike. Il va se faire instantanément upper forward derrière. Voyons voir. Ouais, on dirait que Chris, tu connais le match-up rien que sur les premiers mouvements. Exactement. Tu vois. Exactement. C'est exactement ce que ça me fait sentir aussi. Ouais. Il connaît trop. Le contre. Oh, bien joué. Bien timé, mais dommage. Oh. Ah, Céleste, c'était intéressant. C'est beaucoup de spacing avec l'épée. Hein. On veut chercher vraiment à taper du bout. Oui. Voilà. Et de prendre le plus de précautions possible. Et voilà. Allez, il faut le grab. Ah non. Là, c'est terminé. Ah, il n'a pas l'arrière. Semi-stein. Par-dessus la troisième corde. Le backer qui va mettre en grosse difficulté. Oh, le nerf. Oh. Ouais. L'Ariat. Là, ça va dessus. Allez, 204%. Dehors. Tout simplement. Et ouais, on veut chercher à mettre vraiment full space les aérioles, mais c'est l'Inferno qui a cette capacité de contre-charge les attaques. Plus l'attaque est de loin, plus tu as de temps pour réagir. Si tu as du temps pour réagir, tu peux prendre l'attaque dans le contre. Et là, c'est là-dessus que tu vois depuis tout à l'heure les petits mouvements que nous fait Rist. Il a pas envie d'extendre en fait. Il n'extende pas. Exactement. Il n'extende pas. Il met un coup et hop. Je me mets en position. Je reste sur le terrain. Je suis meilleur sur le terrain. Encore une fois, le contre. Il met un coup. Il va pas vouloir extendre. Il est vraiment solide. Ah, il faut punir ça, ouais. Il va falloir grab son adversaire, peut-être, non ? Oh, c'est terminé. Est-ce que c'était un problème de DI, encore une fois ? On ne le saura probablement jamais. Bah, je pense que, vu la trajectoire, si. Ah, terrible. Il fallait aller chercher ça. Le seul combo qu'il a fait. Ouais, hein. Non, mais en même temps, c'était quand même trop fort. Oui. Dommage, très très bien tenté. Là, on pouvait se le permettre, c'était complètement OK. Il a risqué en mode Rashido, je vais te mettre bébé. L'utilisation de la plateforme, t'as vu, pour mix-up un petit peu les tempos, les machins. Ouais, c'est ça qui est un peu compliqué dans le match-up. C'est que Ike... Il va falloir uniquement t'en sortir avec le ledge trap parce qu'apparemment il va absolument pas vouloir venir off stage. Ah là là. Ah là 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 là.
Il y a pas d'offstage apparemment avec son Ike, donc ouais. Trop au sol, et en fait, dès qu'il est au sol, bah, il a le bouclier en fait. Il va te mettre le bouclier. S'il faut, il recule. Autant dire que Ike, sa force, c'est son épée, pas son grab. Donc on est compliqué. Le side B qui va permettre de revenir parce qu'il était assez imprévisible. Très bien joué. Le forward air. Est-ce qu'on va faire quelque chose de neutral air qui permet de mettre les deux joueurs en orbite? Le tilt qui est tenté, qui aurait tué? J'aimerais bien voir un match, un kill German Suplex. J'aime bien German Suplex. J'étais au style. Là, le compte qui va faire quelque chose. Et le drop kick. Quasiment. Oui, c'est bon. C'est terminé. 3-0. Terminé. 3-0. Respectable, honorable, autoritaire, je dirais. Bah, risque attendu juste pour dire. Ouais. Hop, on a juste pris son temps. Voilà. Son temps. Des petits comptes par-ci par-là, histoire de catch les coups d'épée bien space de Céleste. Et il lui a juste donné les armes pour se faire battre. Ouais. Très bien joué. Le grand final. Le grand final. Le beau. Bon courage. Hop. Moi, je vais peut-être aller jouer un peu parce qu'après, on va y aller. Fais donc, fais donc. Eh, la bise, le stream. Merci beaucoup. Wolfhard, tu commentes la grande finale? Ouais. Et c'est l'heure de la grande finale qui ressemble bizarrement au winner final. Oh là là, le duo de caster exceptionnel que nous avons droit. Ah. Oh bah oui. Ça fait du bien d'être sur un stage. On va faire un point bracket du coup. Crignard, c'est Crignard maintenant. Oui, pourquoi je mets un. J'aime beaucoup mettre un D, je sais pas pourquoi. Autant pour moi, c'est. Je trouve que ça rend mieux. Crignard. Je en parlerai. Bon, qu'est-ce que ça a donné? Parce que moi, du coup, j'ai loupé les derniers. Alors, ce qui s'est passé, c'est que. Du coup, Céleste a roulé sur Snelak. Avec Snow Fox. 3-0. Ah ouais. Et Rist. Du coup, je vais faire un petit coup de. Mais c'est là qui a gagné contre Nissim aussi, hein. Ouais. Oh oui, c'était très serré par contre. Ouais, c'est ça. Et là, Rist qui a détruit. Détruire l'ennemi. Détruire l'ennemi, tout simplement. Et du coup, je vais mettre le score parce que sinon, personne ne le fait. 3-0. C'était à 3-0. Ah ouais, rapide. Du coup, c'est bien. Hein. Du coup, ça va permettre de terminer à l'heure là. Ouais, là. Ah, on est un peu en retard. Ah, malgré tout. Ah, j'avais dit. Ah, il est 19h. En théorie, ouais. On finit à 19h. Ouais. J'avais dit du coup à la personne qui a Z et qui avait ramené Z et ah oui. Ouais. Qu'on finirait entre 18h30 et 19h. Bon. Il y avait du monde donc. Il y avait du monde et puis les matchs étaient serrés, hein. Ouais. Bah pas les derniers, tu vois. Pas les derniers. Les derniers. C'est vrai. Tant mieux. Du coup, on se retrouve avec donc Christ qui remonte les losers contre Céleste et donc qui revient, qui va prendre sa revanche contre Kenya. C'est parti pour le winner final. Tu reviens pour le grand final et c'est le même match. C'est la même chose. C'est incroyable. Pareil. Incroyable. Et on a vu de belles choses. Hein. Céleste, qui n'est pas une fraude. Céleste, c'est pas une fraude. Hein. Pour moi, t'arrives, tu fais top 3. Bah attends, top 3 Céleste, c'est pas une fraude. Podium. Bah, il a été fort. Top 3, qu'est-ce qu'une fraude, est top 3? Il y a un truc qui va pas là. Je sais pas pourquoi il dit qu'il est une fraude. Bon. Contre moi, le son Fox n'a pris aucune victoire, mais son Ike m'a battu. Donc voilà, c'est tout. C'est bon. C'est tout ce qu'on demande, gagner. Ike. Ah ouais, mais. C'est les side B qui passent à travers le chevalier ou quoi? Nair forward air. Ah ouais. Nair forward air. Que ça. Je pouvais pas mettre de talons et j'adore mettre des talons. Faut que je me calme, tu vois. J'ai pas joué le match. J'aurais dû jouer comme contre Luigi. Mais voilà, c'est tout. Et pareil, contre Rist, j'aurais dû faire pareil. Mais c'est mon bracket. Et ouais, c'est voilà. Comme ça. Je me vengerai. Prochain ranking. Matchup, c'est la charge. Et Ike. Et Popo, elle avait joué ou pas? Popo, elle a joué, Popo. Ah. Popo, elle a battu. Allez, Rin. Popo et Rino. Aïe. Et elle a affronté Orlin, je crois, au premier match. Voilà. Aïe, 0-2-0-2. Mais c'est normal, on commence tous comme ça, Popo. On commence tous par 0-2. C'est normal. Alors. Exception, moi je suis arrivé. On commence. Oh moi, je suis arrivé, je ne décrédibilise pas. Je faisais des top 3. Top
Ça, c'était avant. Maintenant, t'as descendu. Ouais. Ou alors, les autres sont montés plutôt. Bien ça. Alors, du coup, on a le match qui va se mettre en place. Parce qu'on a... On a Crinière qui est... C'est bon, il est chaud. Ouais. Oui, Rist est parti prendre une petite pause. Il vient d'enchaîner. Ouais, il a enchaîné quand même pas mal là. Non, en fait, il a fait un match contre Céleste. Bah non, en plus, il a fait 3-0. Il a fait une longue pause en attendant. Ouais, il a fait du. Et donc voilà, Crinière qui va sortir sa Samus. Allez, allez. Ah. Ouais, parce que Samus, de ce que je vois, ça a l'air tellement. Enfin, t'as toutes les armes contre Fianaferno. Ah ouais. D'accord. En tout cas, tu veux lui faire plaisir alors. Un petit match-up méga main de Fianaferno, genre, c'est pas toujours qu'on voit ça quand même. Bien sûr. Ouais, ouais. Et ça, c'est exclu, l'exclu Gamers Garden. Oh, ah. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas ouf. Regarde la cam. C'est orienté ? Non, c'est pas encore ça. Non, mais t'inquiète, elle est bien, elle est bien. Ouais. Elle est bien, sinon tu me décales un peu. Ouais. Regarde. Décale-toi un petit peu, voilà. Ah, t'es bien. Je suis parfait. Yes. Yeah. Bon. On va voir la petite photo, il y a les deux winners qui font la photo. Celui qui tape la cloche sur la photo. Merci. Bonjour. Voilà. On a les deux winners qui ont pris la photo par Snellac. Hop. Lumière aujourd'hui, il a dit, je ramène le top 2. Voilà, il est venu avec le top 2. Voilà. Ouais, mais bon, on sait pas ce que ça aurait donné. Peut-être qu'il serait tombé contre un Mega Man attacker, un Inferno qui déchire tout. Voilà, peut-être que c'était vous le top 2, hein, peu importe. Bon, en tout cas, on va avoir un match où en fait on a Rist qui est en loser. Il faut préciser que Rist est en loser quand même. C'est vrai. Parce que Rist va devoir faire un reset de bracket s'il compte faire top 1 là où ce sera plus simple pour Crinière puisqu'il n'a besoin que de gagner que 3 matchs. Et Crinière, donc, on le sait, joueur de Megaman, mais aussi de Samus. Et aussi de Lucina, c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, on a vu des matchs avec Samus, ou je sais pas si t'as vu le match. Hein, j'ai vu la finale. Fin. J'ai vu les deux derniers matchs et oui... Ouais. Bonne maîtrise de Samus et en plus, surtout pas les armes de Samus. Ah ouais, bah en fait, vas-y, fais ton FB, vas-y, je charge. Vas-y, t'es prêt ? Ok, je relâche. C'est bon. Boum boum. Et bah, ils sont prêts. Quand vous voulez, messieurs. Nous, on est prêts depuis avant la pause. Et bah, c'est parti, grande finale. Bon, grande finale. Ouais, Grand Final. Moi j'ai mis loser premier, alors moi je peux penser. Hein. Grand Final, donc on a Rist qui va juste en faire un inferno bleu, hein, le Pokémon très charismatique, s'il en est. Mais avec, j'adore. Non mais j'adore, c'est la meilleure couleur. Hein. Ouais, bah je lui ai dit. Moi je suis type inferno bleu. Hein. C'est le premier truc que je lui ai dit. Je dis, t'as la meilleure couleur. Du bleu, meilleure couleur. Un homme de goût, ouais. C'est Rist hein, de toute façon. Ouais. Avec le choix des musiques, on a vu aussi du FF7 et du Kingdom Hearts. C'est bon, tout est validé hein, au niveau du goût. Hop, le petit backer qui est un peu comme celle par le backer de Fianaferno. Hop, on met un petit upper histoire de dire le nerf qui est trouvé de la part de Rist. Là, on peut voir dans les premiers éléments de match-up où en fait, le Lariat qui est pas mal prio sur Megaman et des coups en fait qui passent. Il passe pas en fait dans l'armure de Fianaferno. Genre, on a vu le upper de Megaman, la tornade, qui en fait finalement effleure le Pokémon. Hop. On attend un peu. Hop, le petit backer. Rist qui te mettra jamais le combo. Il te mettra que un coup et après il retourne dans sa zone. Ah non, il aime bien des down tilt backer aussi. Hein. Ouais, mais c'est le seul combo qui va se permettre. Ouais. Il faut le mettre, le down tilt backer. Le Shoryuken qui tue pas! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah il tue. On avait quand même la lecture là de Rist qui a voulu faire double pari, mais ce n'est jamais passé. Ouais. Le mind game. Hein. C'est là où on voit les gens qui. Ouais, mais c'est le match, je pense. Qui jouent l'un contre l'autre. Hein. C'est il y a du mind game là-dessus. Oh, je sais pas ce qu'il a voulu faire, Crinière. Il a attendu la fin du Lariat en se disant peut-être que il va terminer devant moi. C'est que s'il garde le shield, il est cassé. Mais justement, il ne prenait rien. En fait, il s'est dit peut-être qu'il va terminer devant moi et je vais pouvoir punir à ce moment-là. Oh là là, on a essayé de reprendre le volet. Donc là, on a quand même la.
Béatrice qui a quand même l'avantage dans ce match-up. Ouais. C'est là où on voit la dit. Et elle va tenter le side B, hein, le side B buffé. Ah, c'est bon, le buff est parti. Ouais. Le side B buffé de Riss, hein, ce qui peut envoyer du 40%. Hein. Ce neutral B, il est angoissant. Et le Lariat qui trouvera preneur. Pignard qui prend, qui perd sa première stock. Enfin, sa deuxième stock plutôt. Il a tenté le pari en se disant Skriniar va revenir, il va vouloir taper direct. Ouais. Et en fait, même pas le cas. À chaque fois qu'il y a un pari côté Riss, en fait, finalement, il n'y a rien côté Skriniar. Donc le main game est de son côté, hein, du côté Megaman. Le truc, c'est que Felinferno est tellement lourd que les tornades de Megaman ne vont pas trop le faire bouger. C'est ça, le upper de Megaman et les stands, enfin les jabs, en fait, ils s'en foutent. Genre, il peut quand même taper, donc ça arrache un peu des pourcents, mais au final, c'est l'avantage de Felinferno. Ouais, c'est un personnage qui a des armors. Qui est pas très mobile, mais Riss s'en sert très bien. Genre, en fait, c'est là le truc. En fait, pour moi, l'élément de match-up qui change complètement, c'est que voilà la situation de Deza où Riss est au-dessus. Finalement, Riss s'en bat un peu les couilles parce qu'en fait, le upper il passe à travers quasiment, donc c'est pas grave. Ouais. Alors que avec Samus, t'es au-dessus d'une Samus, bah en fait, la spot dodge très bien trouvé de la part de Riss. On prend le double bord, on prend pas trop de risques. Le petit Limon qui cancel l'animation du Felinferno. Le backer qui est tout de suite repris avec... Oh là là. Ah, bien joué, ça. C'est bien joué, il a fait exprès d'annuler parce qu'il allait partir dans l'autre sens. Donc il s'est dit, vas-y, il va essayer de tenter l'arnaque. Voilà, et ça tue Shoryuken. Ça tue Shoryuken. Mais par contre, là, on est quand même à 94%. Donc là, il va falloir tenter d'être très patient. Mais en fait, Riss, il s'en fout parce qu'il a dit, vas-y, jab-moi, moi, je mets le contre. Bah ouais. Et là, c'est bien joué. Et là, on essaie de bouffer le bouclier. Là, c'est bien, la Grignard qui a bien remonté là-dessus. Mais attendez, voilà, il tente des paris, mais ça passe pas. Il joue safe, il joue extrêmement safe. Ouais, ouais, il sait que là, c'est le moment, il faut pas déconner. Il peut pas tuer, de toute façon, il peut pas tuer Grignard, il le sait. Il se met à portée pour pas se prendre le Lariat. Il va tenter de gratter. Et là, au bout d'un moment, il y a quelques smash qui passent là. Là, c'est Riss qui devient hein. Gourmand en mode, tu vas mourir quand même. Tu impatiente, il se dit, putain, j'arrive pas à le toucher. Oh oui, très bien vu de la part de Klingar ça. Il a senti le Lariat arriver. Ça, c'est une connaissance, pas du match-up, mais de la personne. Et là on va chercher Klingar qui a remonté niveau pourcent. Là, Felinferno, il est vraiment en misère totale. C'est-à-dire que là, en fait, voilà, tous ses coups peuvent être anticipés. Et il tue avec Megaman. Il a reverse. Eh, franchement, tu cru. Avec Monsieur Megaman. Hein. Je pense que tant que Megaman gagne, il va garder Megaman parce qu'il est beau Klingar. Bah, tant qu'à faire, autant faire ça. En condition de tournoi, tu joues Megaman. Ouais, tu te fais plaisir. Bon, il faut prendre Samus. C'est le Joker, Samus. C'est le Joker. C'est la carte que tu sors que, tu sais. C'est le stand, tu vois. C'est seulement si ça va pas. En l'occurrence, ça va. Là, ça va. Voilà, il va rester sur Megaman, bien sûr. Et voilà, les deux sont prêts. 1-0 après un match très serré. Ouais, un match très serré par contre. On voit la différence quand même entre le match-up Megaman et le match-up Samus. Ouais. Le match-up Samus, franchement, il n'y avait pas photo. Tu voyais que Riss était tout de suite, il pouvait rien faire. Là, il y a quand même des options. Il y a des trucs à faire. Il y a des options. Il peut mettre des comptes, il absorbe les tornades, il peut faire des comebacks. Enfin, il y a vraiment moyen, en tout cas, sur le match-up Megaman. C'est beaucoup plus ouvert. Pour l'instant, on a les projectiles de Megaman qui ne touchent pas. On a le Felinferno qui récupère la roue. Ce serait bien esquiver, enfin, garder côté Megaman. Et là, on reste sur une position de Denig. On essaie de placer des backers. On essaie, mais on n'y arrive pas pour le moment. Oh, avec ce tombe qui est bien placé avec le combo B. Stylé. 30% sur le compteur. Là, ça donne un bon avantage côté risque là-dessus. Bah oui, là, au bout d'un moment, il est obligé de prendre des risques pour surprendre son adversaire. Parce que là, c'est Krillard qui prend ses distances en fait. Il va te mettre un coup, il retourne sur le stage et il va te mettre des coups projectiles quoi. Et donc là vraiment Krignard il a l'empreinte du match-up dans lui quoi. Vraiment il est là pour jouer au plus safe son perso. Ouais, et on voit que là depuis qu'il s'est pris le combo en fait il joue beaucoup plus safe, c'est-à-dire qu'il va se mettre à portée voilà pour placer des smash. Au final il a rien à perdre, hein. Il dit de façon au pire des cas bah il va. Oh parier. Là là le Shoryu voilà. Qui s'est fait. Il va parier mais bon. Il n'y a pas une punition directe, donc je continue à jouer safe. Voilà, je vais continuer à envoyer des projos, envoyer des jabs et tout. Que Siri, sauf que le problème, c'est que s'il se prend un coup, là, c'est la mort. Ah là, ouais. Le Shoryuken est absorbé. Oh là là. On attend, hein. Il attend, il est patient. Riss, là, il se dit, attention, si je touche. Oh, oh le spot dodge, là, c'était chaud. Le backer. Voilà, backer buffé. Ça, oh, non, tu mets pas. Ça, tu auras pas. Il manquait pas grand chose. Oh c'était pas anticipé. Celui-là, non. Dommage. Ça, tu toujours pas. Non, Krignard qui tente la dodge et ça va passer. Oui, ça va passer. Bien sûr. Oh, bien joué ça. Oh, là, oh dommage. Oh, cette connexion du match, tu as vu ça, le réflexe. Et il a vu le side B, il a fait hop, spot dodge. Bientôt 2 minutes de match. Et pas une seule stock de tomber.
Là, c'est du match. Comment ça, on finit à 19h? Ouais. Qui a dit ça? C'est vrai, ça, on va finir à 19h30, du coup. Hein. Ah bah là, si tous les stocks se font comme ça, on va dire à minuit, c'est bon, on connaît le vainqueur. Ouais. On va peut-être faire un time's out. Hein. Mais attends, tu sais, oh, là, ça je crois qu'il n'y en a jamais eu un dans un ranking. Peut-être une seule fois, peut-être. Non, pas encore. Pour l'instant, là, c'est chaud. Donc, Crinière qui débloque le compteur. Et là, c'est Rift qui doit faire l'effort pour faire un flamme à stock. Mais là, c'est Crinière, du coup, oui, qui profite de son avantage sur la tête qui puisse un petit peu combo que Rift qui est à bas pourcentage. Et Megaman qui est un personnage qui est très fort quand il s'agit de gratter du pourcent quand t'es en avantage. Ouais. Quand t'as un avantage au pourcentage et au stock, Megaman, c'est très fort. Bah, il a plein d'armes. Il a plein d'armes de zoning. Il peut varier les timings. Il a des armes. Et là, ah, ça y est. C'est comme si les compteurs étaient à zéro. Hein, parce que après l'Inferno. Ah, ça peut aller vite, mais bon, quand même, Crignard, je pense que l'avance de Crignard, il va essayer de la conserver au maximum. Bon, et là, en fait, c'est vraiment à risque d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il peut, ouais, qu'est-ce qu'il peut, comment dire, surprendre Crignard, en fait. Parce que Crignard, il est posé là. Il est posé à faire des devants derrière, il fait des spot dodge, ouais, il va faire des smash de temps en temps pour punir. Mais il va être bien, il est dans son jeu. C'est à risque de pouvoir faire une surprise, de tenter un truc. Ouais. Parce que là, si le match continue, bon, certes comment dire, il va faire du pourcentage. Mais s'il n'y a pas d'option, s'il n'y a pas de vraie ouverture, là, Rhys ne pourra rien faire. Ouais, il va falloir prendre un risque, trouver une feuille, trouver un endroit où... Faire des petits jump shops, ouais, pas des trucs, j'en sais rien. Mais voilà, faut tenter une arnaque, un truc, parce que sinon, il va se faire gratter au fur et à mesure. Et là, le petit lariat, déjà, allez hop, 30% dans ta face. Et là, par contre, la petite a avantage, un risque qui décide de vraiment être offensif, de ne pas laisser Crinière revenir facilement sur le terrain. Mais là, malgré tout, Crinière qui s'en sort. Là, Crinière. Sans problème. Qui force le shield. Et là, du coup, il vient de chercher direct avec un grab. Il est fort. Il voit, il commence à regarder ce que Rist fait en réaction. Il le conditionne à sortir son shield. Et paf, il va prendre un grab. Et il commence à te combo de derrière. Tu vois. Et en plus, on voit, par contre, la connaissance quand même du match-up. Enfin, du match-up Crinière, j'ai envie de dire, côté Rist. Parce que au moment où il a vu que Crinière, il envoyait la roue, il savait qu'il allait attaquer. Donc, il a pris la roue. Il a fait direct la riate. En disant, je sais que tu vas m'attaquer, mec. C'est quoi, tu peux pas. Et hop, très bien vu ça, la recover de Crignard. Regarde, je suis sûr qu'il va refaire la même. Il va lui envoyer la roue, il va foncer dessus. Ouais, c'est ça, tu peux pas... Soit tu te prends le coup, soit tu me shield. Donc, en react... Ah, il s'est servi de l'explosion pour faire le pari, mais ça a été annulé. Hop. Et là, hop, smash, oh non, il est pas spawn en entier. Et là, la roue, il a attendu un peu pour sa roll. Il savait que le lariat allait venir. Oh, c'est dommage, il y avait un pari et Crinière n'a pas bougé. C'était potentiellement une situation. Et le Shoryuken! Deux victoires, mais c'est pas grave, il a attendu la fin du lariat. Voilà. Je pense que tant que Megaman gagne, il va garder Megaman. Bah, oui. Gagne avec, tant mieux. 2-0, bon, des matchs très serrés, mais on voit quand même le zoning de Crinière à mi-distance. En gros, juste suffisamment pour être emporté du lariat, tu vois. Et suffisamment pour gratter. Ouais. En gros, c'est un peu ça son plan de jeu. J'envoie du jab, j'envoie de la roue, et ça marche très bien. Et à un moment donné, où pour conclure, à la Michel Blanc, bah, il envoie un smash, il envoie un forward air, il envoie des trucs. Voilà. Et voilà, peut-être balle de match pour Crignard. Allez, c'est chaud en tout cas, on espère que quand même Riz va nous faire un bon spectacle. Ce serait bien d'avoir une petite victoire quand même, cette de Riz, pour sa première venue au ranking, on rappelle. En tout cas, une très bonne performance, ouais, de Riz, hein, ça fait plaisir. Surtout voir un perso qui n'est pas beaucoup joué comme Fan Inferno. C'est ça. C'est stylé, hein, ça permet de varier les match-ups. Oh, c'est la première fois qu'on voit le Leaf Shield. C'est stylé. C'est vrai. Voilà, le bouclier Leaf Shield qui a été très bien rentabilisé en tout cas par Crinière, qui a permis de bien gratter au niveau du ledge. Le pari qui est bien esquivé. Et là, j'ai l'impression que Rist a un peu changé ses timings. Genre, il fait pas des short hop, il fait vraiment des hop normaux pour essayer de varier les timings au moment où il retourne. Ouais. Après, le problème, c'est que Crinière va s'habituer. La question, c'est justement, est-ce que Crinière va comprendre ça et du coup va tout de suite va anticiper tous les sauts, ou est-ce que finalement Rhys va avoir des opportunités? Ouais. Là, pour l'instant, il se protège bien, il va essayer de récupérer la roue. Non, il va prendre son temps, voilà, il récupère la roue, bien récupéré côté Crinière. Mais le lariat qui lui dit non, mec, elle est à moi, c'est ma roue maintenant. Quoi? Hop, allez, le lariat 110%. 110%. Et là, le prochain lariat va commencer à être mortel. Hein. C'est un... ouais. Dommage, j'avais potentiellement fort un backer. Ouais. C'est pas passé, dommage. Oh, bien vu. Et là, première stock pour Rist. Et là, il est en avantage pour la première fois. La première fois qu'il est en avantage. Ouais. Ah, et là, par contre, il commence à prendre les tornades à 90, j'ai l'impression. Ouais.
C'est un peu dommage, mais attention, il a le buff, il a le buff. Enfin, c'est possible. Regardez bien, il est à 0. Si jamais il arrive à toucher, on va voir la différence. Oh, 35, bim, voilà. 35, le Lariat. Ça, voilà. Et là, Crignard. Ouh, le, bien vu. Le petit Ledge Trump, into back air. Bien vu ça de la part de Crignard. On essaie de relèche Trump. Allez, on a quand même le nerf. Le nerf qui sort très vite, hein, de fait l'inferno qui permet de faire aussi des punitions efficaces. Petit back air. Et Risk qui va pouvoir remonter. Pour l'instant, ouais, bien vu. Persiste. Voilà. Oh, c'est dommage, il le savait qu'il allait roll. Il le savait, il s'est placé pour en plus. Salut Yuya. Allez, le Lariat. Non, ça suffit pas encore. Là, c'est Risk hein, qui est toujours, qui confirme son avantage. Et hop, là, on, la roue pour varier, là, on retourne sur le schéma de Crignard pour gratter les pourcents. Ouais, mais sauf que mais là, il s'approche un peu trop. Riff, il dit non, non, mec, tu vas pas me refaire ça, j'en ai marre. Ouais. Allez, on essaie d'absorber la tornade pour se buffer. Et là, à mon avis, un Lariat buffé là-dessus. De toute façon, même un Lariat de base. Ouais, là, maintenant, peu importe à ce pourcentage-là, peu importe l'endroit où il se trouve, Megaman, à mon avis, ce sera la mort. Par contre, il faut le placer et pour l'instant. Il arrive à trouver des backers, il arrive à trouver d'autres par coups, mais pas de coups décisifs là-dessus. En fait, chose que j'ai remarqué, Rist ne grappe pas. Il grappe pas, c'est vrai qu'il grappe très rarement. Il grappe pas du tout. Il grappe très rarement, ouais. Parce qu'en fait, il y a rarement des situations, et du coup, c'est vrai que c'est toujours Crignard qui grappe, en fait. C'est ça. Du coup, c'est dommage. Il a pas de grappe. Qui lui manque. Peut-être à mettre au niveau du corps. Non, peut-être que le grappe ne t'apporte pas de combo, en fait. Et ça sert à rien de combo si tu mets des coups, ouais, mais... des coups. Ouais, mais sauf qu'à un moment donné, parce que le Lariat met plus de temps en startup. Tu mets pas des shops, c'est dommage parce que quand t'as une situation où les deux sont encore à corps avec le shield, bah du coup c'est Crignard qui va penser à choper, c'est lui qui va gagner. Ne serait-ce que même si t'as pas de combo, ça permet d'empêcher au moins d'étaler le jeu de ton adversaire. La Risk qui a un avantage. Hein. Ah, il a l'absorbe, là, attention là, il est buff. En plus c'est stylé avec. Oh là là, il l'a chopé à la volée. Ouais, avec la couleur bleue, c'est stylé parce que ça fait une variation bleu-rouge là. Il est grave stylé. Bienvenue chez Christina Cordula de Gamers Garden. C'est ça, il est taillé en V, ça lui va très très bien cette couleur, cette variation de teinte. Magnifique. Magnifique. Il est super, t'es super mon chéri. Et le Shoryu. Le Shoryu, voilà. Allez, il y a possibilité de revenir pour Crignard. C'est le coup le plus hype. Shoryu, Ken. Eh oui, c'est Made in Capcom tout ça. Hein. Oh, bien vu, ça l'a porté, voilà, il se place exactement porté en disant « Vas-y mec, viens me l'arrière, je m'en fous, de toute façon, je suis emporté, de toute façon, c'est toi qui vas prendre. » Et en tant que smash, ça serait bien évité qu'on revienne. Mais encore une fois, la chope, hein, qui passe à chaque fois. Et non, là, c'est Lariat. Ah, c'est parce qu'en fait, lui, il met pas des chopes, il met des Lariat au corps à corps. Ouais. Souvent, c'est ça qu'il fait. Et voilà, mais Crignard, il connaît le match-up, hein. Il se met la distance, regarde-moi ça. Ce calcul de la distance, c'est pile poil de dire que Lariat, tu ne peux pas. Le père, et ça tue pas. Ça tue pas, 146%. Attends, allez, peut-être trop gourmand. Va-t-il re... Non. Il peut. C'est gagné là-dessus, incroyable. Il a enfin mis son spike. On y croyait pas. J'ai dit mais non, mais genre 40, c'est pas possible. Mais si il a enfin mis son spike. Le spike avec son putain de spike. Incroyable. Bien joué. Ah, là, franchement. Bien joué. La fin comme ça. Il est de ouf. Il est de ouf. Et ben on aura fait un 3-0 avec Megaman et pas avec Samus, tu vois. Comme très toi. Bien joué. Franchement incroyable. Et ben écoutez, on a notre premier vainqueur de l'année 2023. Voilà. Et Crignard, top 1 de ce ranking numéro 4. Top 1. Avec Liste top 2 et Céleste top 3 la fraude. Bien joué. La fraude qui n'est pas une fraude. La fraude médaille de bronze, franchement. Ce n'est pas une fraude. Qui l'eût cru? Et donc, on va passer aux petites interviews. Hein. Ouais, bah là, en plus, on va avoir de nouvelles têtes. On a vraiment des nouvelles têtes. Mais ouais, trop bien. Vous passez la télé, les gars. On va voir la tronche à Yuya, comme d'hab, la merde. Dans la tronche à Yuya, là. Bravo, on en a marre de lui. Il est parti, hein. Il est parti, ouais. Bon, bah, écoute, à la rigueur, est-ce qu'on n'accueillerait pas d'abord la fraude? Bah ouais, la fraude. Le top 3. On appelle la fraude. Ici, on appelle la fraude. Où se trouve la fraude? Je vais te laisser. Comme tu veux. Allez, je te laisse. Si on alterne. Ah, si tu veux, si tu veux. Allez, on alternera. Ouais, on part. Où se trouve notre cher Céleste? Hop. Assez. Vas-y. Prends-nous ma place, prends-nous ma place. On peut pas.
Ah oui. Ah, Céleste, ça fait plaisir de te voir. J'ai pas fait de transition. Oh, il a pas fait. Ah bah oui. Ah, mais voilà. Et où la régie là? J'ai pas fait la transition, excusez-moi. Et bah voilà, du coup, on est bien, on est sur le grand écran. Tu oh vois, ouais, salut. Regarde, je vais mettre ça, regarde. Hop, j'essaie de le mettre un peu mieux. Oh, incroyable. Ah, j'y arrive pas trop. Tant pis, ça marche pas direct. Voilà, là, on est pas trop mal. En plus, on a Guy de derrière quand même. Ah, il est magnifique. Hein. Ah, c'est beau. Bon, pourquoi la fraude? Bah parce que je suis une fraude, tout simplement. Fait top 3. Ouais, top 3, t'as enchaîné les victoires en loser. Top 3, comment? Je me pose la question. Mais t'as mis des 3-0, je crois, à un moment donné. T'as pas mis un 3-0? Si, Snellac, mais on se connaît. Donc. Ah oui, bon, ok, mais quand même, je veux dire, Snellac, il se revendique pas une fraude. Hein. Non, mais c'est comme ça, hein, écoute. Hein. Et alors, comment ça s'est passé? Donc, t'as joué 3 persos différents, non? T'as pas joué. Tu joues plus Falco? Non. Non, je l'ai sorti au cas où, mais non. Finalement, donc t'as joué Fox et Ike, quoi, c'est ça? Ouais, en gros, ouais. Fox et Ike, d'accord. Quand j'ai et joué Ike... Fox, j'ai joué 2 games de Ike. D'accord. Au moment où il fallait, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai vu que Guy 2, bah, il faisait beaucoup de Upbeat Auto Shield. Oui. Bah, du coup, ah, je space et je fais un Upper avec Ike et BU. Ouais, ah, c'est vrai que ça marche bien. Ouais. Bon, bah, ça a été. C'est cool, comme d'hab. Ouais. Ça va, ça kiffait, c'était bien, ah bah, c'était varié. Comme d'hab, hein. Ouais. Quand on vient à la session, c'est toujours cool. Ah bah c'est bien, ça fait plaisir. L'important c'est que vous kiffiez. Alors ouais. Qu'est-ce que t'en pensais des matchs? Est-ce que t'as eu des moments où t'as douté, des moments difficiles, des trucs? Ah bah ouais. Contrôle fait l'inferno, ouais. Ah, t'as vu, hein, c'est... Ah, tu connais pas le match-up ou pas? J'ai l'impression que tu t'étais perdu. Tu savais pas trop comment t'y prendre, ouais. Non, je sais pas quoi faire. Ouais. On n'a pas l'habitude quand même. C'est surtout j'ai l'impression à chaque fois que je faisais un truc, il était là en fait. C'est ouais, incroyable. Et ouais, bah c'est à bosser donc du coup. T'as fait un match-up à bosser, c'est cool. Ouais. Après, s'il vient de temps en temps en plus, ce sera encore mieux et tout. Ouais, ah, je sais pas trop. Ah, on verra bien. Bien, mais en tout cas, c'est bien, ça permet de varier les match-up, d'apprendre des choses qu'on connaît pas. Donc, ouais. Pour la prochaine fois, je fais premier. Ah, donc tu mettras pas la fraude. Voilà. Si. Ah, bah, non. Je peux pas être premier et frauder, c'est pas possible. J'enlèverai la fraude quand je serai premier. Moi, j'aurais pu mettre la fraude, tu vois. Moi, si jamais j'avais fait un top 3, j'aurais mis la fraude. Parce que là, il y aurait vraiment pas. Ça aurait vraiment pas été normal. Non, oh, mais c'était cool en tout cas. Bon bah super. Bon, bon, la première place en tout cas, cool hein. Ouais bah la première fois. Et puis voilà. Annick la prochaine fois. Ouais bah la prochaine mieux, fois ça ira mieux. Bah ouais. Oh super. Ouais. Écoute, bon. Merci beaucoup. Hey, check. Moi je vais y aller. Tu vas y aller? Ouais je vais y aller. Ah mince, définitivement. Oh là là, d'accord. Bon bah écoute, c'est un plaisir alors. Bon bah la prochaine, au revoir le stream. Ouais. Ciao. Allez Guido. Tiens, je te laisse. Tiens, Guido. C'est quoi, si tu veux, je tourne la caméra et vous faites le truc. Faites le débris. Vas-y, tu laisses que je te laisse. Oh, pardon, j'ai oublié de préciser. Donc, oui. On a eu le top 3 avec Céleste et maintenant, ça va être l'interview du top 2 Rist avec Guido. Yes, on va écrire quand même sur le commentary full. Attends, je vais me mettre là plutôt. Je vais te laisser là. Et je vais juste écrire sur le chat le commentary full. Guido et Rist. Hop. Alors, ton impression pour ta première venue? Première venue, très sympa. Très sympa. C'est, ah oui, c'est un peu perdu quand même comme local, mais. Un peu perdu, ouais. Bah, c'est Krindar qui m'emmène, hein, j'aurais jamais trouvé. Ouais, bah c'est sûr. Mais voilà, c'est nous, on est là. Généralement, on va dire tous les mois, on essaie de faire deux sessions. Là, on a exception. Ce mois-ci, bon, bah, on sort des fêtes. Tout ça. La dernière fois, on avait fait un ranking de B2. Bon, après, ouais. Voilà. Et là, du coup, bah, à Creil, on fait un événement le 28. Si jamais tu peux revenir, parce qu'on t'a déjà vu sur Creil. Ouais, alors sur Creil, je viens de temps en temps. C'est un peu plus proche. Et si, bah, je reviendrai aussi. À l'occasion. Alors, en tout cas, ça fait vachement plaisir de voir un nouveau perso, de voir une nouvelle tête et de voir que bah, tu étais bien confortable sur ton perso. Hein. Ouais, alors Johan, c'est un peu la kryptonite. Ouais, non, mais on s'entraîne beaucoup. On n'a chacun notre kryptonite ici. Et ouais. Mais ouais, non, c'est. Alors, on est content de ma première run. Quoi. Bah, surtout, un top 2 direct. Bon, après, certes, on a nos champions qui n'ont pas parti. J'ai entendu ça. Voilà. Et donc toi, t'as commencé contre Zelt.
Donc je suis à 2-0, il jouait quel perso déjà? Premier match, c'est... Je l'ai affronté en premier. Je ne sais plus, je n'ai pas son... Désolé à toi. Et là, ou... Non, je ne sais pas. Et donc après ton deuxième match, donc tu as joué contre moi-même. Oui, Zelda. Ouais, donc bon, bah... beaucoup d'erreurs de ma part. C'est mérité, ma défaite est méritée. Je la mérite, total. J'ai eu chaud. Très clairement. Ouais. Surtout le deuxième match, je crois. Ouais. Vraiment au coup d'avis. Ouais, vraiment, vraiment close. Hein. Après, tu as joué contre Nizignem. Ouais. Captain Falcon. Ouais. Doré. Ça s'est passé comment du coup, de ce côté? Je m'attendais, parce que j'ai l'habitude de jouer contre Vish, à un Captain Falcon agressif. Ouais. C'était un Captain Falcon agressif. Ouais. Moi, t'as eu ce que tu... À quoi tu ouais, voilà, bah, je m'attends au... quand j'affronte un Captain Falcon à un jeu agressif qui attaque très souvent, donc ça correspond à ça. Si j'avais joué défensivement, ça aurait été plus compliqué. Bah, mais c'est dur de jouer un Falcon défensif. C'est dur de jouer un Felinferno défensif aussi. Ouais, mais Felinferno, désolé, de niveau mobilité, t'es pas vraiment servi. Je suis désolé, mais t'es pas servi. Mais en vrai, je dis ça, connaissance de cause, je joue Zelda. Zelda, c'est un semi-remorque. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Mais toi, c'est encore pire. Mais ouais, après, surtout le lariat, tout ça. J'ai vu que dans ton jeu, tu n'utilises pas le grab traditionnel. Tu utilises zéro. Très peu. Très peu. Ouais, bah parce que, bah, par exemple, sur le dernier match contre Megaman, je sais pas si on s'en est rendu compte, mais Megaman a quasiment un meilleur grab que Felinferno. Il grabe de quasiment plus loin que moi. T'as pas vu le grab de Zelda. Voilà, donc à peu près ça. En reverse grab, c'est une épée. Voilà. Felinferno, c'est censé être un grabeur, mais c'est... Peut-être B. Pas si fort. Après, ils permettent très peu de combo et peuvent tuer sur... Je pense. Mais... Voilà. Je le fais quand je suis à l'aise. Quand dans le match-up, je suis pas à l'aise. En tout cas, dans ta manière de jouer, tu me fais beaucoup penser du coup à Yugofi. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un joueur de galon et il est aussi extrêmement patient. Aussi patient que toi, tu vois. Et c'est quelque chose qui est très bien avec ton perso. C'est ce que, en fait, à chaque fois, tu vas te ramener, tu vas mettre un air ou un forward air, tu vas te remettre en position, tu vas attendre que l'autre réacte. Et en fonction de sa réacte, tu vas peut-être intervenir sur sa prochaine interaction. Et c'est très, très fort, en fait. T'as un jeu de patience et je pense un bon jeu de rythme, quelque part. Et surtout, bah, les lariates, des fois, tu les chopes, mais. Choper un lariat en l'air en mode ballsy, mais je pense que c'est des choses que tu sais, tu vois pourquoi tu fais ça. Oui, c'est pas hasardeux. Disons que je c'est une balance risque bénéfice quoi. Si je sais très bien que si jamais ça passe, je prends quasiment une stock, ou alors je mets l'adversaire en position très défavorable. Ouais. Et si ça passe pas, je me prends un ouais, oui, généralement je me prends une petite punish, mais l'adversaire est en panique. Habitué à jouer sur les panic options de son adversaire. Et c'est vraiment intéressant. Plus ma lenteur, j'ai pas le choix. Ouais. Faut mieux que je le mette en situation panique et que je réagisse plutôt que j'attende situation en jeu parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, bah je suis. Moi j'ai plus d'outils, donc je joue un peu sur la fonction de react de mon adversaire et en même temps je vais jouer sur la surprise. Les Zelda, on n'en voit pas beaucoup. Non, donc, des fois je joue la surprise, je claque des trucs. TEB sur le terrain. Ouais, mais ça, du coup, toi, ça marche moins. Parce que souvent, en fait, je claque l'EB en react à un saut. Parce que je sais que le mec ne peut pas réagir à le fait comme il va retoucher le sol. Et toi, bah, t'es ancré au sol, t'as tes bottes de plomb. Là, t'as raison. T'as raison. Petit saut, hein. D'ailleurs, ça se punit des fois, ça. Mais généralement, c'est plutôt à mon avantage. Ouais, ouais. Mais bon, mon grab est en frame 14. Voilà. C'est un autre. C'est autre chose. Donc après ton match contre Crignard, du coup le premier, donc il avait joué Samus. Ouais, j'ai hésité à switch sur un deuxième, mais je maîtrise pas du tout mes autres personnages, donc je suis resté et train le match-up. Ouais. Surtout que j'ai affronté quand même beaucoup de Samus, la sienne, depuis que je joue à Smash Ultimate. Et généralement, je suis même plutôt confiant. Samus n'ont pas l'habitude d'affronter Inferno qui est en tienne tête. Mais lui, il me connaît. Ouais, je connais, j'ai un pote qui joue Falcon et qui joue contre moi, il joue pas contre mon perso, il joue contre moi, tu vois. Il connaît mes tics, il connaît mes trucs et à chaque fois je me retrouve
perdant sur cette situation. Il connaît toutes les punitions parce que d'habitude je peux contre. Et il connaît les avantages qu'on peut prendre et il les évite quoi. Ouais. Et il appuie que là où ça fait mal. Et après du coup ton match contre Céleste qui s'est vachement bien passé en fait. T'as l'habitude de jouer contre quelqu'un qui joue un personnage léger ou des... Ouais, alors en fait les Fox c'est les Pikachu et un peu similaire. Contre Fel Inferno c'est... Donc je suis plutôt confiant d'habitude. Il faut vraiment que je tombe sur quelqu'un qui maîtrise bien son Pikachu Fox. Dans ma team il y en a quelques-uns qui... Et ouais, souvent quand t'as un personnage avec un kill power assez osé, t'as pas peur des fast followers, des personnages rapides comme Fox, Joker ou Sheik. C'est mon cas avec Zelda alors que je devrais être flippé de ouf. Hein. Et bon. Bah parce qu'il faut en fait il faut une certaine maîtrise pour avec Fox pour arriver à vraiment enchaîner son adversaire et il faut beaucoup de rythme. Ouais. C'est clairement un hypo. Et ben l'habitude d'affronter des Fox qui se basent uniquement sur leur agression, sur leur vitesse. Ça, bah, ça se ouais. Ça s'est vu là avec mon match. Après, il a switché. Donc, dès l'instant où mon adversaire switch sur un second, je me sens encore plus confiant parce que il a une moins bonne maîtrise. Bah oui, c'est sûr. Et oui, après, bah, forcément, Céleste qui a un jeu agressif et peut-être un peu trop. C'est pour ça que contre moi, il avait joué Fox, mais il avait perdu sur son Fox. Il avait pris Ike après. Et en option auto shield, il est tout le temps en train de bourriner mon shield. Et quand tu as une bonne option auto shield, bah forcément, bah tu lui fais peur. Et après, bah tu réactes en fonction de ça. Tout simplement. Et j'ai vu sur du coup son dernier match, il avait pris Ike. Et sur les trois premiers coups que j'ai vus de Céleste, je me suis dit, tu connais le match-up. Est-ce que tu connais le match-up Ike? Je ne connais pas si bien que ça, j'en ai affronté quelques-uns, c'est pas un personnage qu'on pense souvent non plus avec. Hein. Ouais. Ça se fait beaucoup plus que Zelda, hein, clairement. Plus que moins que Falco, ouais. Mais un peu plus que Fox. Dis donc, les Ike, Ike c'est un perso que j'ai joué, Smash 4. Ouais. Je le connais un petit peu. Ah ouais, d'accord. Ouais, je le connais un petit peu le match-up quand même. Un peu. D'accord. Bah. Ça c'est vu. Et après, bah, du coup, ton match final, Crignard qui a joué. Bon, Crignard, il a pris Megaman. On sentait que tu commençais à t'adapter. Et là, il était là avec ses Limon pour vraiment jouer le match-up à fond. Pour t'empêcher de. Il a été très bon. Ouais, il a été très bon. Impérial, même si on n'était pas loin hein, sur la game la game 3. Ah, j'ai pas le droit à l'erreur. Hein. Ouais. Parce que la dernière action, je sais pas si on s'en est rendu compte. Ouais, à se jouer à quelques frames parce que j'ai retardé au maximum mon side B pour revenir sur le terrain. J'aurais dû le retarder oui, plus. Il y avait un moment où oui, tu avais retardé à fond et tu avais réussi à claquer un lariat, mais même moi je l'avais chopé à mid-air, il venait juste de sauter. Je ne sais pas comment tu t'es dit le mec il va sauter là et je vais le choper avec le lariat. Tu l'as chopé, tu l'as coupé en l'air. C'était incroyable. Mais ouais, si bon, pareil avec son Megaman, c'est encore pire qu'avec Samus parce que on se connaît vraiment par cœur. Du coup, le match il est vraiment très très serré. Ouais. Là, il a mieux joué là. Ça marche. Et ben, je vais te laisser là. Mais en tout cas, ça a été un grand plaisir de t'affronter. Et j'espère que tu vas affronter. Je reviendrai. Ah, on est bien ici, on a quoi développer, tout ça. La lésion, elle est pas chère. Non. Là, c'était gratuit, c'est la première fois. Bah oui, mais là, tu as profité de la gratuité là. Hein, vraiment. Je reviendrai. Ouais, ça marche. Merci. Kenya. Ouais. Et là, top 1, Popo. Dernière. C'est pas la seule. Bah, du coup, Crignard, je te laisse le micro. Alors, ça fait quoi d'être le premier? Écoute, présent. C'est un plaisir de se retrouver. Déjà, c'est ton premier top 3. Ici, ouais, c'est ton premier top 3. Ouais. Bon, bah, déjà, bah, t'as le droit à l'interview. Quoi. On est posé, c'est au moment où on discute, on débriefe. Bon, bah, l'assaut, tu la connais. Le local, tu le connais. Maintenant, tu fais partie un peu des meubles.
T'es là pour nous installer les tables à crate et t'es un mec là. Hein. C'est impeccable. Parfait, comme écrit sur ton t-shirt. Alors, on va faire un petit point braquette, du coup. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Bah, déjà, t'as gagné. C'était quand même bien chaud. On va commencer par le commencement. Ouais. Alors, contre Xorx. C'était pas un match très difficile, mais c'était son premier tournoi. Ouais. Il avait joué quoi? Il a joué Wolf. Il a joué Wolf. Et du coup, donc normalement, il a le match-up. Ouais. Et j'ai joué Megaman. D'accord. J'ai joué Megaman. Ouais, c'est la mouvement tout ça pour la suite. C'est son premier tournoi. Ouais. Tu joues et tu vois comment tu joues. Surtout si c'est le premier tour Quand t'es triste, voilà. Les Ledge Trump, tout ça. Très bon, Ledge Trump. Du coup, ensuite, t'as joué contre HBK. C'est ça. Alors, le pauvre, il a le match. Ah ouais, c'est à ce point-là. Ouais. Ouais, d'accord. L'avantage, il aurait été obligé de surjouer. Ensuite, ton match contre News, j'étais là. Alors, c'était chaud, j'ai tenté le Sina. C'était vraiment difficile avec Megaman. J'ai eu la première page, j'ai pas vu la deuxième. Ouais. Megaman, mais c'était quand même bien. Ouais, j'avais vu, c'était assez close. Avec un bon kill sport, smash avant sur une ride de rôle, je me souviens. Contre Vich, pourtant Vich c'est pas personne. C'était chaud. Sur la première game, il me semble qu'il avait l'avantage. J'ai réussi en jouant à la game. La deuxième, par contre, j'avais un peu plus d'avance. D'accord. Nickel. Bon, bah, on en a parlé. Ta Samus, franchement, ça a été un. J'ai joué avec ta Samus la dernière fois. C'est plus la même Samus. Ah, j'ai travaillé. Ça se voit. Hein. J'ai travaillé avec lui en plus parce que je sais que contre une Inferno, c'est ça que j'approche. Et c'est beaucoup plus facile de ne pas approcher avec Samus. Bah oui, ton Sharpshot, tu peux le. Voilà. Ça s'est vu au niveau des matchs. Quand j'ai joué Samus, c'était pas très close quand même. Megaman, c'était quand même ultra close. Ouais, le Sharpshot, il est vraiment trop puissant, trop de trio. Quand je connais des. Par exemple, si je prends l'exemple d'un Ken, Ken, il peut un peu détruire à peu près tous les projectiles avec ses pieds, rien qu'en t'approchant avec un air, et avec Samus, c'est pas possible. Donc c'est trop fort là-dessus. Et puis il a quelques habitudes. Oui. Le contre un peu facile et la. Oui. Et Samus. Tu connais la pression qu'il essaie de te mettre déjà. C'est vraiment pas mal. Et du coup, bah, t'as raffronté. Du coup, ouais, ta run, elle était assez courte. Et t'as affronté coup de deux fois ton compère. Ouais, j'aurais bien aimé affronter les personnes. Bah ouais, moi je. La prochaine fois. Et j'avais affronté deux fois Céleste. C'est là que j'ai jamais vu. Et marrant. D'accord. Bah, toi, je t'ai pas encore affronté en broquette. Sauf une fois à Cry. Ouais, à Cry, je me souviens pas. Bon. À l'époque, hein. L'époque, ma Zelda, elle était. C'est pas match. Ouais. Et je pense que déjà. Pas, je passe. Je suis peut-être pas si meilleur, mais je pense meilleur quand même. Genre, ouais, meilleur. Et en plus, je connais plus ma Zelda. Avant, c'était un peu en découverte. Et bon, j'avoue qu'il y a des choses que. Faut que je bosse. Et notamment, je l'ai remarqué sur. Sur ma game contre Rist, hein. j'ai vu que j'abuse trop de ma TP. En fait, il faisait les short top et du coup, il pouvait sortir son bouclier frame 0. Généralement, quand je vois. J'ai vu un peu ton match, en gros, il faisait exprès d'atterrir devant toi, mais en chip. Ouais. De coup, et toi, du coup, tu partais direct en TP. Ouais. Bon, bah, Céleste, on n'est pas là pour parler de moi. Moi je m'en fous, j'ai battu son Fox. Moi je m'en fous. Et en plus j'avais deux stocks. Donc, tout va bien. Non mais écoute, je reviendrai plus fort. Et...
On va dire que c'était les fêtes, j'ai pas trop joué. Et moi, je vais faire que je m'entraîne ici parce que la prochaine fois, il y aura probablement des joueurs pour la musique de gagner sur moi. Ah, et puis je dis ça alors que moi, il y a Fire Emblem qui sort bientôt. Ah, oui, j'ai l'impression que mon côté, en fait, moi je joue, mieux je joue. Parce que je regarde des pauses, ça va permettre de prendre du recul et de me casser pour les clairement. Et tiens, ah, il fait ça. Il fait ça, là, je vais punir. Hop, clac. Déjà, j'ai appris un combo. Up tilt, back air. À 50%. Ça va prendre la GI, ça, non? Bah, en vrai, vu comment je vais le mettre, en fait, en couverture de ledge, si le mec roll ou qui neutral get up, si je fais mon up tilt back air, bah, c'est quasi fou en fait. Ça va passer dans beaucoup de cas. Et j'ai appris que j'avais un dead smash. Mon dead smash n'est pas assez exploité à très juste valeur. Bon, ouais, ça, peut couvrir des techs, ça peut couvrir des voilà, ouais, c'est surtout que l'angle de gestion il est le force à être sous le stage, donc soit tu couvres le saut, soit tu de ça, quand des personnes avec des mauvaises réconduits, ça peut être ok. Et job 1 dans smash, c'est tout, je dis jamais bah oui. job 1 dans smash, c'est tout. Voilà, on n'est pas là pour parler de moi. Et voilà, encore une fois, j'aime bien parler du jeu. En fait, je me dis que j'ai pas beaucoup joué au jeu. Et là, j'ai joué un peu le jeu. Et en fait, le jeu est trop bien. En fait. C'est juste pas pour prendre des pauses, mais. Ouais, le jeu est trop bien. Ah, voilà, bah, félicitations, top 1. Bah, tu vas monter dans les stats. Hein. Ouais. Classement adhérent. On te veut en 3ème place. Ouais, en première. Ouais. Que je puisse faire des copains, des bisous, le stream, des bisous. Salut, bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, à la prochaine. C'est là, à la prochaine. J'essaie de prendre du son. Ah, oui, mais après, c'est la vie de famille, tout ça. Bah, oui, c'est aussi la vie personnelle. Hein, il faut, mais déjà, t'arrives à jouer en on, ça aide beaucoup. Je vois, c'est pas le mieux, mais c'est déjà. Je te vois que tu es assez actif sur le Discord, toujours à répondre aux petits joueurs. Bon, là, le record revient à Céleste. La soi-disant fraude, le mec il a tryhard le jeu depuis 2 semaines, il est ultra actif, bien sûr que c'est mérité sa 3ème place. Il faut arrêter de dire qu'il a joué. De toute façon, en vrai, on a eu un tournoi assez stack. Hein. Oui. C'est là que Céleste n'aime vraiment fort. 15, pareil. Bon, Guido, je dirais rien, c'est moi. Donc, voilà. Emma, elle est très forte. Hein, ouais, non, il y a une fiche. Fiche, grande surprise. À toi. T'es là, t'es pas pour rien. Hein. Jège, je vais un peu déçu. Il a perdu contre HBK. Je suis super tombé. Il va se faire gronder. Bon bah nous très forte, hein, Vich, Wolfhard qui a battu Allegino. On est dans quel timeline? Orline et puis bah Popo, c'était son premier tournoi et elle n'est pas habituée à jouer. Mais bon c'est bien. Voilà. Hein. C'est ça, on est là pour progresser tranquillement. Et bah sur ce, on va terminer le stream. On va dire au revoir à tout le monde. Bah les gars, bah du coup, bah bonne année hein, tout ça. Et on se revoit du coup le 28 pour le tournoi à Cry. Ciao. Salut.